Bonsoir messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons avec Hideo, une fois de plus, pour Fort Boyard 2022 édition. Bonsoir Hideo. Bonsoir, si vous voyez logistique, on se retrouve. Qui l'eût cru le retour de DG d'Hideo sur le Fort. En 2022, personne n'y croyait déjà. J'étais pas au courant qu'ils avaient sorti ce jeu. Après la magnifique édition 2020, je pensais qu'ils allaient... Ils pouvaient pas faire plus. En 2020, ils avaient tout donné, on l'a tous vu. Il y avait tous les énigmes, tous les jeux, tous les Il manquait, et là il manque toujours, Narcisse Lalanne sur la tour, parce que Narcisse Lalanne, généralement, il avait repris le rôle du Perfora. Il avait repris ce rôle où il posait les énigmes. Là, il n'y est pas. Il n'y a que deux mouettes. On est sur PS5, il y a deux mouettes, et le soleil en JPEG. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est honteux, ça rend pas honneur au Fort Boyard. Sauf que bon, le Fort Boyard, malheureusement, je crois qu'il bat de l'aile, puisque nous allons peut-être en parler. Ce qui se passe cette année est inadmissible. Je crois que la productrice est toujours la même, la Joubert. Joubert, qu'est-ce qu'elle nous a foutu, Joubert? Elle nous a fait des tigres en 3D, même les tigres en 3D du jeu pourri, ils sont mieux faits que celui du film, de l'émission TV. Mais c'est scandaleux, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont mis des tigres en 3D? C'était protection animale? Mais ou certainement. Est-ce que quelqu'un s'est enfin fait bouffer par un putain de tigre? Je sais de source sûre que c'est passe-partout, ils l'ont pris, ils l'ont pas vu, ils l'ont bouffé. Est-ce que la boule est encore en vie? Ben non, la boule malheureusement, pas son âme, il est mort depuis des lustres. Hein. D'accord, et passe-partout, il est encore là? Il s'est fait bouffer par les tigres. D'accord. Et est-ce que de temps en temps, Patrice Laffont refait un petit caméo? Je sais que Patrice Laffont, il est dans les geôles. Après avoir mis la claque, il est emprisonné dans la prison. Bien, écoutez, messieurs, dames. Cette catastrophe. Est-ce que le son est cristallin? C'est ça la question. C'est vrai. Là, je vous ai mis le son à 40. Mais on n'entend rien, pas de son! Comment ça, y a pas de son? Mais regarde, t'entends quelque chose, j'entends rien! Bah oui, non, mais je peux monter un peu le son du truc là pour nous. Mais y a rien! Regarde. Oh mon dieu, ah oui, d'accord! Mais attends, t'as vu les vagues là? Mon dieu! Même détendu, c'était mieux. Oh là 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 là. Le Zodiac. Cristallin, merci beaucoup. Bon, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Fort Boyard? Du coup, Francis Lalanne, qu'est-ce qu'il devient? Bah, Francis Lalanne, je crois qu'on le verra pas de sitôt, malheureusement, dans le fort. Pourquoi? Hein. Avec tout ce qui s'est passé. Comment ça, tout ce qui s'est passé? Bah, sur le plateau de Danouna, avec sa veste en daim, son joli manteau de daim. Où il a fait son happening, où il partait, il revenait, il criait et tout, je pense qu'on verra pas de suite. Il a pas réussi à avoir son petit passe-passe partout, c'est ça le problème. Non, il a pas réussi, non. Il peut plus prendre de café en terrasse au Fort Boyard. Bref, écoutez, bon, on va voir de quoi il retourne. Toujours micro-vide. Ouais, lors de cette émission, vous aurez deux résumés, pas un, mais deux résumés non, de vidéos. Ouais, d'accord. Parce qu'avant de lancer ce stream, on a regardé le daim de Quentin Dupieux. Une arnaque. Une esbrouffe sans nom. Écoutez, le pire film peut-être que j'ai vu de ma vie. J'en suis ressorti très circonspect, on a mangé une très bonne pizza. Ah bah oui. Mais je me pose encore des questions par rapport au film, c'était très profond en tout cas. Et on va vous parler évidemment de Incroyable mais vrai. Que tu as vu au cinéma Hideo. Ce qui est plus incroyable, c'est qu'on a vu on a vu tous les films de Dupieux quasiment. Moi j'ai vu Seul Tout, j'ai vu Steak, j'ai vu Steak Haché 2. T'as vu Réalité? J'ai pas vu Réalité, j'ai vu Au Poste. Ah, tu n'as pas vu Réalité? J'ai pas vu Réalité. Ah, c'est dommage, c'est peut-être son meilleur film. Bah écoute, j'en sais rien. En tout cas, tous les autres sont nuls. Donc bon, s'il en a fait qu'un qui est bien à peu près sur 10, c'est catastrophique. Et je sais qu'il y a un deuxième film qui est en préparation en 2022, avec Gilles Lelouch, en super-héros. Je comprends pas. Hideo, je te file la manette, c'est toi qui vas jouer. Ah bon, mais non, mais c'est un jeu qui joue à deux, c'est comme le pinard. On commence le jeu maintenant, allez, c'est parti. Le pinard, ça se savoure à deux, c'est pas une activité solo. Déjà, Voyage dans le temps, c'est quoi? C'est des DBZ? Bah, c'est le DLC de Trunks ou quoi? Présente tout feu, Hideo, c'est édition 2022. C'est sans quoi? Oh, le Perfora, qu'est-ce qu'il manigance? Alors attends, vous nous direz si vous entendez bien ce qu'il fait, le Perfora, ce qu'il dit? Mais c'est le vrai, il n'y avait pas sa voix avant. Oh, je note là, l'upgrade des animations sur la scène. Attends, j'entends pas ce qu'il dit. Mais parce qu'il parle attends, plus, le pauvre. C'est le vrai Perfora, c'est la voix. Tu es sûr? Oui, bon, tu vois, c'est le Perfora, oui. C'est pas du tout lui. Ils ont même pas réussi à l'avoir. Nicole, on a payé 40 euros ce 40 euros, il y a même pas le vrai Perfora. Ça fait 3 fois qu'on paye la licence Fort Boyard, on a même pas les vraies voix. 3 fois qu'on dit on veut le Perfora. C'est quoi ça? Ah, mais ça, c'est les épreuves. Mais ça, c'est les épreuves d'anthologie.
le truc, le content, l'épreuve de coton-tige avec Madame Bou, Mister Bou, voilà. Il n'y a que toi qui connais le nom. Le bras de fer, la caserne et tout ça. La caserne avec les sauts. Mais c'est-à-dire qu'ils ont enlevé du jeu de base. Je comprends pas ce qui se passe. Je sais pas, écoute, le bon tour. Vous savez le quoi bon auto. Dans un premier temps. Le bon auto. Ah oui, je me rappelle Guido, laisse-moi parler. Dans un premier temps, on va faire l'aventure. D'accord. Et après, on tentera voyage dans le temps, voyage parti. On verra de quoi elle retourne. On va vous faire un test Norio objectif, comme à chaque fois, de cette édition 2022. Allez, c'est parti. Vas-y, lance. Moi, je suis chaud. En moyen. En difficile. Non. On est des experts de Fort Boyard. On est des experts de Fort Boyard ou pas? Non, il y a 12 ans, t'as voulu faire difficile. On a gagné le gros lot. On non, a gagné dès le début, on est mort. Et après, allez, je crois qu'on a fini en facile. Allez. Il y aurait de la partie longue. Bah, longue. Longue, allez. On veut tout voir. J'ai dit qu'on pouvait jouer à deux. Ça sert à rien. Mais comment ça, ça sert à rien? Bah, alors, si tu veux. Allez. Peut-être qu'on peut se passer. Ah, voilà, chacun, tu vois. Non, une seule manette. Ah, tu vois, ils ont tout prévu. C'est bien. Ça, c'est bien. Mais attends, c'est les mêmes connards. C'est les mêmes. Attends, je te jure, c'est les 4 mêmes personnages. Oui, c'est les mêmes. Mais ils ont pas rajouté un nouveau perso. La modélisation aussi pourrie. Attends, en fait, c'est le même jeu. Ça fait 3 fois qu'on achète le même jeu, c'est les mêmes passions. Ils ont pas changé de passion. Tiens à la corde, Ronald Fuego. Oui, mais tu sais. Ah, on peut éditer les informations. Voilà, on pouvait éditer les informations. Générique. Maintenant, prends la blonde. Moi, je veux la blonde. Ouais, comme toujours, la blonde. Allez, on prend la blonde. Vas-y, change de passion, l'aquaponie, ça me va pas, moi. Mais moi, je voulais mettre le daim comme passion. Appelle-la... Elisa. Et cherche Fabienne, Adèle. Fabienne. Non, Adèle. Cherche Adèle. Comme Adèle Haenel. Adèle. Est-ce qu'on a Adèle? Aiko, c'est, attends, Audrey. C'est scandaleux. C'est scandaleux, ça. Il y a Anaïs, mais il n'y a pas Adèle. C'est pas diversifié comme choix de nom. Angélica, mais c'est même pas des noms français. Et est-ce qu'il y a Gabriella? Ah, ouais, bah à mon avis, il y a peut-être. Angers, j'ai idéo, c'est tout en haut. Pepper! Mais qui s'appelle Pepper dans la vie? Une fille qui s'appelle Pepper, t'as vu ça? Mais c'est n'importe quoi! La moitié des prénoms, c'est pas en français. Hein. Tess, c'est dans c'est Last of Us, ça. Sylviane, Véronique, la beauté. Vas-y, mets la beauté. La belle grosse. La belle grosse, ça me paraît pas mal. Allez. Policière, c'est très bien. C'est très bien, et la passion. La passion, tu peux changer la passion? La passion du Christ. La prestidigitation. On aurait appelé Léa si on restait sur la coponette. Bien vu. Le ping-pong. Les figurines. Elle est policière et elle aime les figurines, elle collectionne. Les trains se déguisent. Tu vois, c'est la femme de ma vie. Les nains de jardin. Bah non, les nains de jardin. Ouais, ils sont où les figurines? Il y a les nains de jardin, vraiment? Oui. Les figurines, là. La chimie organique. Le karaoké, mais le karaoké, c'est pas grave. Ah bah, en parlant de karaoké, on s'est tous fait rodequin. Allez, c'est parti, on y va. Comment on valide? Je sais pas, valide. Appuie sur start. Allez. Ah, ils ont des voix maintenant. C'est vrai. Joueur 2, bah moi je vais prendre. Je vais prendre l'autre gonzesse. Hein. Allez, je vais l'appeler. Je vais l'appeler Rachida. Comment on fait? Mais c'est pas clair. Mais est-ce que. Rien que ça, regarde, tu vois pas où ton curseur il est, tu sais pas ce que tu choisis. T'as qu'à général. Aléatoirement, Nadia, ça lui irait bien. Rachida plutôt. Oh, Rachida, bah si t'as trouvé Rachida. Oui, il y a Rachida. Il y a Rachida, mais il n'y a pas Adèle. Humoriste. Très bien. Moi, je suis humoriste. Vidéaste beauté. Moi, j'aime beaucoup Mannequin des pieds. C'est vrai que Mannequin des pieds, c'est pas mal. Hein. Ou Vidéaste beauté, pourquoi pas. J'en ai. Ministre. Non. Acrobranche. La méthode agile. Les boules à neige, tire. Le rétro gaming. Ils savent parler aux joueurs. Allez, c'est parti. Bien. À nous deux, Perfourin. Ils ont à nous deux, Rachida. Mais c'est qui les autres? J'en veux pas. Attends, c'est quoi mon prénom? Du coup, j'ai oublié. Je sais plus. La belle grosse. Ah oui, d'accord, la belle gosse. La belle grosse. La belle grosse. C'est pas pareil. Bon, bah, c'est parti, mais. Attends, mais c'est les mêmes musiques qu'avant. Oh, ça commence pareil. Tu te rends compte qu'il y a même pas la musique principale de Fort Boyard? Ça, je comprends pas. Ça. Mais c'est pas le vrai. Mais attends, la dernière fois, t'avais déjà dit ça. Oui. Donc il y avait déjà la voix du Père Fouras, la fausse voix du Père Fouras. Il y avait toujours la voix, c'est vrai. Rien n'a changé. On est sur PS5. Bon, attends, il nous raconte l'histoire, alors on écoute. Non. Attends, c'est 9 clés, c'était pas 7. C'était 7 clés, c'était comme 7 boules de cristal. T'en rassure-moi, t'as mis en normal. Oui. Bien. J'espère qu'on verra les petits passes. Les tours est joué. Bien. Ah. C'est les mêmes animations, c'est les mêmes décors. Rien n'a changé. Ça va.
Ah, il y a des voix, ils ont rajouté les voix quand même. Les effets d'éclairage sont mieux faits. Ils ont rajouté les voix, les interactions là, sur les candidats. Je suis content d'avoir acheté une PlayStation 5 quand même. Et Olivier Mine, Olivier Mine, attends, il est où? Pourquoi il n'y a pas de PS4? C'est vrai. Et parce qu'on est sur PS4. Oh là là. C'est le jeu PS4. Alors c'est quoi ça, Grand Boyard Hotel? Placer toutes les valises, du tourniquet. C'est moi ça du coup? Oui, c'est toi, ah la oui, belle bah, grosse. Merci, passe-moi la manette. La belle grosse. Excuse-moi, je prends un peu de. C'est quoi cette valise? C'est Death Stranding, faut porter les valises. C'est quoi? Faut porter les valises. Faire quoi? Porte les valises. Attends, j'en porte. Saute, mais saute. Attends, mon Dieu, t'as rien appris de Death Stranding. C'est bon, je le mets là. Oui, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais? Putain, ma mère. Mais qu'est-ce que tu fais la valise? Oh là là. Mais c'est pareil. Tu n'as rien appris. Attends, j'ai rien compris. Parce que faut la ramasser. J'ai rien compris. Baisse-toi. Attends. Je la mets ici. Mais pourquoi tu mets pas dedans? Reste dedans. Oh mon Dieu. Attends, qu'est-ce qui se passe là? J'ai du temps ou pas? Comment on fait pour la ramasser? L2, R2, je sais pas. C'est L2? Oui. Oh, ça a bugué, ça a bugué. Oh, t'as fait bugger la valise. Oh, mais prends-en deux! On met combien? Mais tous! Un sur six, mais t'en mets zéro! Mais c'est pas ça le but! Mais ça veut pas rentrer dans le trou! Mais tu sais, tu vas le faire rentrer dans le trou! Attends, vas-y, je retente. À toutes les mettre ici, voilà. C'est une belle strat. Tu les mets tous d'un côté, pourquoi pas? Oui, t'inquiète. Oh, bah ça va, tranquille. Mais prends-en deux! Attends, hop, voilà. Mais ça rentre pas dans le trou, je te jure! Il faut forcer. C'est quoi cette épreuve à la con? Épreuve des valises. Attends. Hop. Voilà. Ah ok, il faut y aller tranquille en fait. Mais tu peux pas en prendre deux? Bah non. Enfin je sais pas. Si t'appuies sur L2 et R2 en même temps. Ah oui d'accord. Mais c'est des strandings, je sais. Je savais pas. Je suis des pro play. Ah bah voilà. Ouais, bien bah joué, voilà, première clé. Première clé, bien joué. On a les clés. À nous le magot. Go. La belle grosse, Ça avait mal commencé. Oh, mais le pro player est de retour. Non mais ça se voit, ils lui ont foutu un corps d'adulte, ils lui ont foutu un corps, ils l'ont rapetissé de manière artificielle, ça se voit. Regarde-moi la proportion, ils ont rien à voir. C'est comme les enfants dans les jeux vidéo, c'est très mal fait. Tu connais par cœur les proportions de Passepartout. Je connais par cœur. J'ai fait ses mesures, je lui taille son costard. C'est moi qui fais son costume. Est-ce que t'aimerais pas être réincarné en Passepartout dans une prochaine vie? Franchement, ce serait moins. Vive la vie de Passepartout, passer toute ta vie au fort. C'est ça que tu veux, sur c'est ça que je veux, exactement. Ouais. Oh mon Allez, Dieu. Tu vas cartonner, Rachida, c'est à toi. C'est quoi, de la Terre à la Lune? Ah, bah, ça me parle. C'est quoi ça, ça me dit quelque chose, ce jeu de la Terre, de la à, la terre lune. À la Lune. Ça dit quelque chose. Idiot, t'es censé regarder toutes les. Si, je connais. Faut mettre. C'est encore une histoire de trou. Faut mettre le petit truc dans le trou de la clé. C'est une vraie épreuve du jeu, ça? Oui. D'accord. Allez, on voit. Mais je veux envoyer. Vas-y. Ralentir, tu peux ralentir le temps. Mais pourquoi? Je sais pas. Démerde-toi. Quoi? Allez, bon courage. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce maniement? Démerde-toi, vas-y! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas envoyé! Mais envoie! On va pas y arriver! Appuie sur le truc là! Mais je charge la puissance! Je sais pas, appuie sur rond. Lancez l'obus! Oui? D'accord, j'ai compris. Il faut appuyer au bon moment sur le croix. Putain. Allez. Oh! Mais non! Lance l'obus à défaut d'avoir des gros obus avec Rachida. Oui! C'est peut-être le bon moment! Et puis. Naze. Il se passe rien là. Ouais, bah, je veux. Mais putain, y'a plus de temps! Mais comment ça y'a plus de temps? Dépêche-toi, Edo, dépêche-toi. Vite! Mais lance-le! Mais ça veut pas charger! Mais lance-le, putain, mais merde! Appuie sur R2, je sais mais pas. C'est nul! Appuie sur tous les boutons! Il faut charger! La clé, on l'a! Putain, bien joué! Oh là là! Eh, deux clés! Deux clés, on est en train de rouler sur le jeu là! Oh là! Mais tu vois, en même temps. Mais dès la deuxième épreuve, ça y est, on est à fond là! En même temps, on peut dire qu'on est des experts, on a fait les deux jeux précédents. On a fait, on connaît le. Mais oui, on peut plus nous avoir. J'ai hâte qu'on croise, comment elle s'appelait la belle nana à la fin là? Blanche? Ça doit être ça, une espèce de sorcière. Oui, en blanche. Ouais, ouais. Blanche. Il y avait des petites épreuves sympas avec les boules. C'est vrai, avec les boules, oui. Et tout. Ah, méga gaffe! Ils ont mis Vincent Lagaffe, j'espère. Méga gaffe, c'est Vincent Lagaffe. Si c'est pas Vincent Lagaffe, oui. D'accord. Mais c'est, oh c'est toujours la même épreuve! Il n'y a même pas Vincent. C'est toi qui l'as fait? Je sais pas. Ou c'est moi? C'est la belle grosse. J'ai je crois. Des très mauvais souvenirs. C'est la belle grosse, c'est la belle j'ai grosse. J'ai des très mauvais souvenirs à cette vidéo. Attends. Mais c'est les mêmes. Ils ont rien changé. Mais c'est les mêmes épreuves. C'est les mêmes épreuves. Attends, comment on faisait déjà? Augmenter la puissance, c'est R2. Et l'équilibre, oh putain. C'est Death Stranding. Alors attends. Oh putain, donc il faut récolter les pièces de merde là. Les pièces de merde. Oh putain. C'est pas comme ça dans la vraie vie. C'est toujours aussi incroyable. C'est pas comme ça dans la vraie vie. Ouais, cette épreuve n'existe pas dans la vraie vie. Non, avec les pièces, non. Oh là là, attends. Mais tu t'en sors pas mal, hein. Bah oui, parce qu'en 2 ans, j'ai quand même augmenté mon niveau. Ouais, tu t'es entraîné chaque jour. On a critiqué mon skill, mais putain de merde.
Donc, mais prends-la, cette pièce. Je me suis entraîné. Attends, je me suis entraîné. Vas-y, 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 putain. Oh là là. Allez, plus que deux. Voilà, dernière. Et je suis même pas tombé à la flotte. T'as vu ça? C'est bien. C'est... Franchement, alors je sais pas ce qui se passe là. Regarde, t'as ça. Mangé du, t'as tout mangé du douceur, tigre. Voilà. Elle est où ma clé? Elle est là, prends-la. Attends. La clé maintenant. Non, mais tu vas pas rater à la clé. Attends. Mais qu'est-ce que tu fous? Attends. Mais qu'est-ce que tu fous, DG? Putain! Oh, bien joué. Tu m'as foutu un coup de coude là, t'es sérieux? Non. Tu veux qu'on perde? Pas du tout. Trois clés, trois épreuves, trois clés, allez. C'était dans les verfaissants, ça m'a... emballé, c'est pesé. Il a dit 9. Ah bien, il n'y a pas de chrono, il n'y a rien. Il nous a annoncé une heure de jeu, en fait. Il n'y a même pas de chrono, il n'y a pas de sablier. Dans 20 minutes, on a fini. Mais oui. Ouais. T'as vu, ils ont mis des néons? Ah ouais. Je crois qu'il nous faut un clin d'œil. Bravo, je crois merci. Qu'on est les seuls acheteurs investisseurs de Fort Boyard. On est les seuls qui stream ça. En rang honneur. Casino. Allez. Mais c'est le... C'est pas du... Ah si. Concentre-toi bien. Je comprends pas. Activer le siège, crier... On verra bien. Hein. Déplacer la jambe gauche, déplacer la jambe droite. C'est... Je crois que c'est un jeu d'équilibre. Ah oui, d'accord. Je me rappelle plus si elle y était, celle-là. Ah, si, elle y était. Elle y était. Si, là. Non, mais c'est sûr, mais là, pour l'instant, c'est vraiment... Toutes les épreuves, on les a déjà vues. On peut crier. Elle existe, cette épreuve? Oui, elle existe. Gardez l'équilibre. Faudrait vraiment que je regarde Fort Boyard, quand même. Oh, oula! Qu'est-ce que tu fais là? Oh! C'est une simulation de. Mais avance! Attention à pas tomber! Avance! Bien joué, bien joué. Oh, bien joué! C'est. Quoi? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce que j'ai pris? Je sais pas. Mais qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que mais je fais? La clé! Mais qu'est-ce que je fais? T'as pris la clé? Mais je sais pas! Il fallait prendre la clé! Elle fait un aller-retour pour rien! C'est quoi le concept dans le vrai jeu? C'est de ramasser des pièces. Des pièces? Oui! Bah, ramasse des pièces! Mais y'a rien qui tombe! Voilà, ils sont là! Ah! Bah voilà! Oh! T'as fait un retour pour rien en fait. Oui. Oh là 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 là. C'est pour la beauté du sport. Bon, ça va, c'est rempli, vas-y. Fais gaffe à pas les faire tomber. Mais t'inquiète, je suis un pro play. Ah, voilà. Là. Oh, après. Oh, vite, oh, vite. Dépêche-toi, on a plus beaucoup de temps, vidéo. Allez, allez, vite. Allez, pour la quatrième clé. Allez. Allez, on y croit. C'est magnifique ce cri. Vas-y, avance, avance. Oh! Mais qu'est-ce que ça fait? Tranquille, mais là, c'est. Tranquille. Allez, remplis bien, moi, ça va. Je pense que t'en as assez là. Allez, je remplis. Allez, c'est bon, c'est royal. Emballé, c'est pesé. Magnifique. Emballé, c'est. Non! Putain! Mais qu'est-ce qu'elle fait? Il y a plus le temps! Mais c'est quoi? Il y a plus le temps! Mais c'est cette folle! Il y a plus le temps! C'est cette folle! Non, sortir, je te jure, il y a plus le temps! Non! J'abandonne pas! J'abandonne pas! Tu vas en prison! Mais tu vas aller en prison! Temps écoulé! Oh non! Oh! Il est où, t'es en prison maintenant? Non, non. Bah, Rachida, elle peut pas aller en prison. Bah si. Non, non, elle sort de prison. Elle a volé des croissants. Et à Sarkozy, il va payer la caution. Non, mais je peux pas sortir de prison. Écoute, on va pas se mentir. Bah si, t'es en prison, là. Eh oui, c'est la tôle. Ah oui, mais c'est l'animation de prison, ça, d'accord. Oh! Il y a Mister Boo. Oh putain, il y a un truc avec la boule, là. C'est Mister Boo, c'est Mister Boo. C'est quoi ce délire sadomaso? C'est Mister Boo. C'est Boubou, quoi. C'est Mister Boo, là. La transforme. Non, Mister Boo. Boo? Oui, la réincarnation de Boubou. D'accord. Ah, elle est rouge, elle s'appelle. Rouge. C'est celle qui nous convoque dans la salle des... Oui, personnage très attachant. Mais ils parlent pas le passe-partout. Hein. Ils ont pas réussi à le faire pareil. Mais c'est vrai qu'ils parlent pas dans, le... Comment dans l'émission. Il est muet? Ben, faut croire. D'accord. La voix ressemble, mais c'est pas la voix de la bonne femme. Je crois que t'avais déjà dit ça la dernière fois. Mais donc c'est en fait que on c'est fou de notre gueule. Ah, mais c'est. Revolver, y a pas de revolver. Hein. Y a pas cette épreuve. Hein. Je peux pas avoir un bazooka? Et des dinosaures, des T-Rex. Ah, lui, il y est aussi, lui. C'est qui? C'est le nouveau. C'est Boudou. C'est Boudou, Mister Boudou. Attends, saisir le revolver. Revolver au slot. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu je fais? Je sais pas, attends, j'ai pas le temps de tirer. Saisir le revolver, c'est rond. Ah, c'est croix pour tirer, ok. Qu'est-ce qui se passe là? Il te narre rien. Quoi? Attends, c'est une blague? Mais c'est une blague? Attends. Mais c'est quoi le. J'ai pas compris. C'est quoi le signal? Il y a un signal? Si, tire! Oh. Mais what? Mais c'est revolver au slot! Mais c'est impossible! Mais c'est revolver au slot! Mais c'est impossible! C'est quoi ça? C'est Red Dead 2, le mec t'a activé le pouvoir! Est-ce que c'était pour te sortir de prison? Non. Ah, c'est Big Bull.
enfonce les clous géants avant Big Boo. Mais c'était pas là, cette épreuve des clous. C'est à la salle du temps, des épreuves avec les tigres. Alors, ils ont tout changé, je reconnais plus. Je reconnais plus mon Fort Boyard. Si c'est ta puissance. Bah, c'est à toi, ça. Tiens. Mais c'est pas moi, ça. Si, c'est à toi. C'est pas l'IA. Il y a des lunettes, c'est pour toi. Ouais, c'est vrai. Augmenter la puissance ou frapper. Ah oui, ça, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que c'est? Il faut que tu sois le dernier. C'est God of War. Non, en fait. C'est God of War. Mais frappe. Frappe fort ou pas? Pas trop, pas trop. Ok, voilà. Alors, attends. Pas un tout petit peu. Parce qu'en gros, celui qui a perdu, je crois, c'est celui qui met le dernier coup. Mais voilà, DG, je t'écoute. Ah, c'est l'inverse. Oui. Ah, il faut enfoncer le clou, d'accord. Oui, il faut enfoncer le clou. D'accord. Il faut mettre le but dans la cage. Alors, mets la puissance à fond. T'es sûr? Comme ça, c'était bien, comme ça. Pas trop non plus. Mais j'ai l'impression qu'il fera plus fort à fond, que moi. À fond, à fond. Mais non, mais ça. Tu peux le faire d'un coup. Il fera plus tu fort que moi. Il coup. A plus de muscles. Allez, vas-y, vas-y. Il a plus de muscles, oh, DG. Mais t'es nul. Mais oh c'est là, lui. Oh là. Mais pourquoi il frappe pas? Il nous nargue là. Ah, oh, mais d'accord. le mec nous nargue, effectivement. Oh, l'humiliation. Et on a perdu les deux clés. On pouvait avoir deux clés là, gratuites. Là. Ah ouais? Oui. C'est pour des clés, ça. Putain. Par contre, la musique, c'est la bonne, c'est la même. Le punching ball, c'est pour moi, ça. T'es sûr? Ouais. La belle grosse. Allez. Mais cette épreuve, je suis pas du tout sûr qu'il y ait. Alors, attends. Éclate les ballons en frappant la cible. Ok, mais comment je frappe? D'accord, ok. Ok, mais cool. Frappe, putain de merde! C'est R2 pour frapper. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Le centre! Ah oui, en plus... Oh! Elle a raté? Non, elle a raté. Parfait. Allez, ok. Ça me dit un truc, c'était quoi? Non, ça me dit rien du tout, ça n'existe pas. Ça me dit quelque chose. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment on vise? Vise le centre du cercle vert. Pas, comment on vise? Avec le cycle directionnel gauche. Bah ouais, c'est ce que j'ai fait. Mais le centre. Attends. Le centre. Attends. Là, regarde le centre. Le centre de quoi? Le centre, centre de regarde quoi ton cercle orange. Putain, regarde. De quoi regarde. Fais-le. Mais non, mais c'est pas ça le truc. C'est pas la règle. Voilà, on s'est fait rodka. Fais-le là, il nous faut une clé, vas-y. Le centre, regarde, le centre ouais. Là, avec le petit, ah, oui, d'accord. Le petit voyant. C'est bon, je viens de comprendre. Quoi? Passe, bon, ok, j'ai compris. J'ai pas compris après. Moi, hein. J'ai compris. J'ai compris. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bon, je vais y arriver. Putain, mais c'est impossible. C'est impossible. Mais oui, c'est impossible. C'est impossible, putain. Attends. Allez. Mais après c'est pas fini. Ah, oh là là. Mais c'est trop dur. Mais c'est trop dur. Anticiper les mouvements du ballon. Attends. Oh. C'est impossible. Oh là là. C'est impossible. Ah, on s'est mis en moyen. Je pense qu'après on joue en facile. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors bien eh joué. Bah alors. Un ballon. Bien joué. On a un ballon. Un ballon sur. Elle va le rater. Voilà. Allez. Elle est trop vite. C'est peut... moins de risque pour elle. Donc on va y arriver. Mais frappe! Bah oui, mais attends, mais qu'est-ce que tu. Le bon moment, idiot! Putain, tu m'as déconcentré! Mais je pensais pas! C'est à cause de toi. Attends, laisse-moi anticiper. Et voilà! Non, non, non. Tiens. Mais y'a pas de tien, là! Je suis mort, je suis en prison! Ah oui! C'est assez vrai, ça. Et on a tout raté, là. On a tout raté. Ouais, mais c'est la loi des séries, c'est. Bon, faut se centrer à partir de maintenant, un peu plus loin. On a que 3 clés, il est vrai. Ils vont que au premier étage ou quoi? Ils prennent pas les escaliers. Il se passe quoi si on a que 3 clés, in fine? Mais c'est quoi ça? Un catapulte Bah c'est perdu. C'est dans les anneaux, mais attention aux mouettes. Normalement, on prend si je m'en souviens. Non. Si, ça me dit quelque chose. Mais c'est pas du tout dans le Fort Boyard, ça. Ah, tu joues le chauve, c'est toi. Tiens. Bah d'accord. Mais c'est pas du tout le. Il n'y a pas de mouettes, il n'y a pas de question d'esquiver les mouettes. C'est quoi ce jeu? Activer la catapulte. Vas-y. Il y a la catapulte, ça c'est vrai. Mais faut pas esquiver les mouettes, faut pas passer dans des. Mais qu'est-ce que c'est que faut ça? Faut passer dans les anneaux. Mais comme... je peux pas, c'est quoi comme ce gameplay? Superman 64. Ah mais c'est avec le motion oui. Gaming nul. Ah oui d'accord. Oh là là. Allez. C'est Spider-Man. C'est bien, là, c'est bien. C'est regarde, bon. Je vole. C'est je bon. Vole. On est bon. On est très bon. Il y a pas de parfait. Ces mouettes, qu'est-ce qu'ils ont bouffé? On est dans Hitchcock. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Fais attention. Attends. Mais c'est quoi le but? Ah ouais, c'est on gagne de l'endurance oui, en fait. Oui. À chaque fois passe qu'on passe dans plein d'anneaux là. Continue. Oh là là.
Allez, t'es proche de la clé, là, t'es proche. Je vois le fort. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il faut qu'on arrive mais à atterrir le fort. Mais c'est pas le fort, c'est le Zodiac. Mais non, c'est un fort en bas. Mais c'est pas le fort, on l'a quitté, le fort. C'est vrai que ça ressemble plus à un Zodiac. Bah, toi, t'es dessus, je crois que c'est ça le but. Mais c'est ridicule. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais mon Dieu! L'animation des modes, y'en a une qui n'est qu'un arrière. Oh, le mec, attends, il est tombé dans l'eau. Mais parce que la clé. Mais c'est ridicule, la clé était dans l'eau en plus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on enchaîne, hein, gagne une clé. Allez, c'est à moi. Mais moi, je vois pas le chrono. Il est où le chrono officiel? Est-ce que je pourrais sortir de prison, messieurs? Rachida. Ou Rachida, on s'en fiche complètement. Bah non, elle pleure, Rachida. Rachida, elle pense à autre chose. Personne pour payer sa caution. Poutre de jet d'eau. Bah, c'est à toi, la poutre. Hein. T'appelles la poutre dans le jeu. Je sais pas si elle était, ça me dit rien. Analyse le trajet, avance prudemment afin de récupérer la clé le plus vite possible. Ah oui, d'accord. Bon, là, il faut être très patient et doux, tu vois. Hop, 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 tranquille. C'est quoi ça? C'est quoi cette... Mais faut pas! Tombe pas! C'est bon, j'ai compris à peu près. Faut faire attention. Analyse! Attention à l'eau. De l'eau. De l'eau. S'accroupir. Voilà. Pas besoin de m'accroupir, moi. Ah, sauf si moi, tu me fonce dessus. Mais avance plus vite! Mais qu'est-ce que t'as fait, DG? Attends, j'ai pas un deuxième try? Non! T'es tombé à l'eau. Merde, ah ouais, on enchaîne. Merde. Tiens. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ces jeux-là? Mais bon, finalement, tu vois, y'a pas besoin de rapatrier tout le monde dans son pays, on peut juste les faire participer au Fort Boyard et les foutre en prison. Non. Moi, je sortirai pas. J'irai en prison. J'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe si on ça met tout le monde en prison. Qu'on s'inscrit vraiment à Fort Boyard? Ben si on peut, oui. Moi, je m'inscris. Je lance l'inscription en direct. Mm. Mon inscription, la voici. J'aimerais beaucoup participer à Fort Boyard. Voilà, s'il vous plaît, Ça fait 20 ans qu'on suit cette émission. Chaque samedi, on est là avec l'équipe. On mérite, on connaît par cœur, on connaît tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, on le mérite. Regardez comment on mérite de participer. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Mais il court pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce gameplay? Il faut courir avec les sticks. R2, bah oui. Allez, cours. Mets la boule. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Faut mettre les boules dans le trou. Mais qu'est-ce que je gagne? Les grosses boules dans les trous. Mais qui? Mais qui a vu ça? Allez, viens. Mais qu'est-ce qui... Ça existe, c'était pas ou pas? Oui, mais non. Non? Mais c'est... Remarque, ça serait peut-être trop dangereux. J'ai l'impression que ça existe, mais... ça existe avec des sauts, quoi, mais pas avec ça. Imagine les mecs sur le gamelle grave, ça serait dangereux, quoi. Bah, avec les seaux d'eau, là, qu'ils doivent récupérer, c'est ça? C'est avec un tapis comme ça. Dépêche-toi, t'as plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu fous, putain? Mais je peux pas! Tu l'as mise? Je l'ai mise, oui, mais c'est nul, hein. Mais la quatrième! C'est hyper simple, hein. On s'en fout que ce soit nul, on veut la clé. Allez. Je comprends pas, là. Ça profite même pas des gâchettes, des vibrations haptiques, c'est nul. Ce qui est terrible, tu sais, ils auraient pu au moins changer les t-shirts des mecs. Au moins ça, tu vois. Un minimum d'effort de développement pour 40 euros, mais non. Même pas. Chaque année, ils te sortent la même merde. C'est le même jeu. Ça fait 2 ans. C'est même pas chaque année, ça fait 2 ans. Est-ce comment il est en promo le premier Fort Boyard? Non. Quel même jeu? Non. Il est introuvable. Donc ils ont 3 fois le même jeu à 40 euros. Magnifique. Et il y a un DLC en plus. Il y a un DLC qui s'appelle Toujours plus fort, toujours plus loin. C'est à moi. D'ailleurs, on voulait acheter le jeu en boîte à la base. Mais mon Micromania a fermé. Ça, c'est grave. Incroyable. Il va falloir que je me renseigne. Je sais pas combien de Micromania ont fermé ces derniers temps. Le Temple Maudit. C'est Lara Croft, Tomb Raider. Indiana Jones. Bah oui. Indiana Jones. Allez. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Crash Bandicoot, là, les têtes. Mais même cette épreuve, il était dans l'ancienne monture. Ah oui, ça me dit quelque chose. Oh, ils ont rajouté une araignée verte bizarre. Attention, déplacer la jambe gauche. Bah, je le fais. La jambe droite avec l'autre. Ah, j'ai compris, ça y est, j'ai compris. Ah oui, d'accord. Oula, oh mon Dieu. Oh, putain, c'est dur, attends. Qu'est-ce que tu fais? Attends, je me concentre. T'as la jambe, le jambe. Attends, oh putain. Avance. Tu vas tomber. Pauvre con. Encore vous. Ah, ben, oh, du putain. Début. Attends. Du début. Attends. Sombre saloperie. Attention! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais quel est con! Attends. Mais avance ta jambe, voilà, comme ça. Oh là là. Oh mais putain! Mais elle y était! Mais c'est impossible! Elle avait ses deux jambes! Sur le sol! Attends. Sur le plancher des vaches! Putain, avance! Bien! Attends. Bien. Oh, je commence à maîtriser le gameplay là. Ah, tu maîtrises. Regarde-moi ça. Magnifique.
Attention, avance, attends, avance. Oh, est-ce que j'ai un checkpoint? T'as rien checkpoint du tout, t'as rien du tout. Bon, j'ai encore du temps, on peut le faire, on peut pas le faire. On peut le faire? On peut le faire. Allez, on y croit, la France y croit. Putain, je sais pas si je vais y arriver, lourd. Oh putain, c'est lourd. Mais qu'est-ce que tu fais des je petits sais pas, pas je fais. Tu fais des je petits fais des précis. Mais putain, j'essaie d'être précis. Y a rien, le gameplay n'est pas précis. Attends, je me compte. Putain, je vais pas finir en prison. Ah, si tu vas finir en prison, les gonzesses en prison. Attends. Voilà la vérité. Là, attention. Le message de ce jeu. Attention. C'est que les gonzesses, dès qu'ils sont en liberté. Parcours, c'est super long. Sors. Ah oui, j'ai. La chance. Oh mon dieu. Mais impossible cette épreuve. Elle est chaude. Vous pouvez pas la gagner cette putain de clé. Mais quand on en voit passe partout, il a plus de chances de gagner. Il peut passer partout. Oh là là, non mais c'est trop stressant, je peux pas moi. Regarde comment il court le pauvre. C'est quoi cette animation? Les perso là. Ils auraient dû prendre Christophe Lambert pour faire la perforance. Hâte de les voir. Oui, j'ai hâte aussi. Ah, Blanche! Ah, bah voilà mon personnage! Blanche! Avec le serpent en blanc. Ils ont pas réduit sa poitrine? Solid Snake. Ils ont fait ça en 2 ans, tu penses? Ah, Rachida est revenue d'entre les morts. Ah, mais c'est vrai? Oui, c'est ta chance là. C'est ta chance pour revenir. Oh, bah, vu la tête, je sais pas si j'ai envie de la rendre. En tout cas, elle a les jambes bien épilées. Est-ce qu'elle porte vraiment un serpent comme ça dans le jeu? Oui. Dans la vraie vie, tu veux dire? Un vrai serpent? Oui. Oui, dans la vraie vie. Oui. Ah, oui. Mais c'est un serpent venimeux? Non. C'est un albinos. Ah oui, rappelle-toi, mais c'est les mêmes épreuves. C'est scandaleux. Tout est pareil. Mais après Fort Boyard, c'est toujours les mêmes épreuves. Bon, rappelle-toi que t'es très mauvais à cette épreuve. Pas du tout. Attention. C'est quoi déjà le gameplay? Mais il faut attraper la boule qui va sortir donc ses joues. Ah oui. Et il faudra appuyer sur croix pour réceptionner la boule. Ah mais tu te rappelles? Oh. Bien sûr, je m'en rappelle. Oh. Nul. Mais nul, c'est quoi? Mon pauvre garçon. Mais c'est quoi ce truc, cette lenteur? Puis qui se dirige? Qui a des réflexes aussi lents? Qui? Oh. Bien. Ah. Voilà. Je l'ai. Et donc tu ressors direct? J'ai mon gachapon. Regardez, j'ai mon gachapon. Je suis content. J'ai ma pokéball. Qu'est-ce que c'est bidon? Tu sors direct comme ça? Et oui. Ah ouais. Il y avait de la brume bizarre sur le sol. Ah oui, ça c'est du travail de fou. Les droits dans le... Est-ce que c'est des comédiens professionnels qui ont fait les doublages? Du Alex et de Lex. Je pense. On ressent le professionnalisme. Ah, la petite brume. Ils ont rajouté la petite brume. La petite fumée. Les effets volumétriques. Sacrifié. Ah oui, voilà pourquoi. Ah oui, d'accord. Mais c'est une honte. Et toutes les épreuves qu'on a eues pour l'instant, on les a déjà fait. Hein. On a combien de clés? 4 ou 5? 4. C'est le mot d'ordre. C'est... J'espère sincèrement que c'est les développeurs qui ont fait les doublages. Parce que c'est pitoyable. Ah, c'est à moi. C'est la belle. Allez, grosse. La ouais. Belle grosse. Bonsoir. Et bonsoir Blanche. Comment allez-vous? Je suis policière et passionnée par les figurines. Je m'appelle la Belle Rousse. Oui. C'est quoi ton épreuve? Moi je suis sûr que c'est la planche là. Oh, ah non. Ça je me rappelle. Mais si c'est le board là. Ah oui. Avec oui. La boule. Je me rappelle de ça. Mais attends, mais c'est. Je suis persuadé que c'est le même tracé en plus. Bon, on va voir si j'ai une mémoire sensorielle. Bon, alors attention, faut mettre la boule dans le trou encore une fois. Oh putain, oui. Il y a une certaine continuité. Oh là là, attention. T'as trois boules, c'est trois boules, c'est pas beaucoup. Hein. Si, allez. C'est beaucoup, trois boules. Attends. Tu vois, regarde, c'est easy. Attends, tais-toi. Il y a des murs partout. Il faut faire preuve de beaucoup de finesse. Non. Si, beaucoup de finesse. Tout est dans le doigté. Il y a rien pour du tout. Pour mettre la grosse boule dans le petit trou. Dans le trou. C'est un tout petit trou, donc faut faire attention. Mais c'est les doigts dans l'œil. Regarde-moi, c'est délicat. Ou dans le nez. Ça te fait pas rêver? Regarde comme je me promène avec la boule. Mais c'est lent! Mais faut et sortir! Voilà, dans le trou! Magnifique! Oh là là, il y a même un ralenti. Et t'as vu ce pro-playing? Non, mais c'est bon, on te file depuis le début. Attends, les épreuves les plus faciles. Remarquablement bien joué. On te donne les épreuves les plus faciles depuis le début. Pas du tout. C'est honteux, il y a un favoritisme des belles grosses. Avec moi, c'est premier try. T'es une machine, là. T'es rien du tout. J'ai l'impression que c'est un message subliminal du Ralex, c'est de l'ex.
La loi est dure, mais c'est la loi. D'accord. Bah, je trouve que mon perso est toujours aussi charismatique. Allez, on revoit Rachida. Elle est sortie de prison, mais on la revoit. Ils auraient pu lui rajouter des rides, quand même. Non, mais Rachida, on l'a... Allez, Rachida, on veut la refoutre en prison, c'est pas possible, il y a un message. Et moi, écoute, je suis pas contre. Elle a rien fait, la pauvre. Ouais, bah, son sacrifice. Et c'est quoi ton libéré, ton épreuve? Non, regarde-moi ça, les animations. Ah bah c'est la même. Quoi? Ah, c'est le labyrinthe, c'est le labyrinthe. C'est pas exactement la même. Mais c'est une honte. Ah mais oui, je me rappelle de celle-là. Non, aussi. Ça, ils l'ont ajouté, celle-là. Ah bon? Oui, oui, je me rappelle pas du tout de celle-là. Si, on s'en rappelle, mais si. Non. On s'en souvient de cette épreuve, monsieur. Il y a plein de trous partout. Il y a que des trous dans le jeu, c'est un fromage, c'est un gruyère. Bon allez, concentre-toi au lieu de dire des conneries, c'est parti. C'est un gruyère. Si, rappelle-toi, faut esquiver les trous. Non. Là, c'est le jeu des homosexuels. Non. Attention. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est où le chemin? Mais il est où le chemin? Faut esquiver les trous. Mais qu'il y a des trous partout, c'est... Il y a des trous partout. Il y a des taupes. Faut aller en haut, là. C'est un terrain de mine. Putain. Mais il est miné, le terrain. Il est miné, le terrain. Heureusement, t'es encore debout. Fais gaffe à pas devenir un hibouleur, quand même. Mais je peux pas passer. Je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer. Mais faut te doigter. Mais c'est pas une question de doigté, c'est une question... Veux-tu que je le passe? C'est trop tard. Je passe. Mais je vais aller en prison, Rachida. Rachida sur pause. Non. Non. Appuie sur pause. Pardon. Je le fais. Je vais le faire. Je le fais. Attention. Avec beaucoup de délicatesse. Beaucoup. Délicatesse saine. Fais attention. Délicatesse saine. Est-ce qu'ils ont renvoyé Rachida? Quoi? Mais Rachida. Retour. Mais retour à la case départ. Bah, décidément, t'as des problèmes avec la justice. Hein. C'est que des convenus. Ça m'étonne pas. Il y a une certaine cohérence, une certaine logique. La loi est implacable, mais c'est la loi. Écoutez, c'est la loi, moi je m'y plie. Hein. Hey, tu voles des clés, il faut les gagner les clés. ils ont l'air circonspects de mon emprisonnement. Bon. Non, moi je suis totalement... Ah mais il y a encore une clé à gagner. Oui. Et tu vas voir que je vais encore assurer. Oh, mais parce qu'on te file les épreuves les plus faciles. Pas du tout. Si. Bah, tous les coups. Bon, il y avait qu'un trou, mais il y avait 10 trous. Déjà, c'est pas normal. Parce que moi, je suis quelqu'un de fidèle. C'est toi l'expert des trous, c'est pas moi. Parti. Ah, bah, elle a l'air très concentrée pour remporter cette épreuve. C'est quoi mon jugement? Notre jugement? Ah, le flipper. Mais le flipper, mais ça n'existe pas dans Fort Boyard, le flipper. C'est quoi, c'est le billard? Parce le que bowling après ça existait? Non, mais bon. Pour envoyer la balle dans le trou. Alors attends. Oula. D'accord, un trou. Alors attends. Ok, donc c'est du flipper. C'est ça, du flipper. Ça me connaît le flipper. C'est ça vrai? Ça me connaît, c'est toute ma vie. J'ai fait beaucoup de flipper, oh, bah, putain d'accord. Mais je m'y connais en flipper. Tu jouais au flipper quand t'étais petit? Bien sûr, j'adorais ça. Elle compte sur vous, votre... Oh, elle tire un vrai flipper. Attends. Il a l'air pas mal, le gameplay du flipper. Il est énorme. Attention. C'est le seul truc réussi. Attends, je me concentre à fond. C'est un jeu qui existe. Oh putain. Oh, le coup de bol. Non, mais c'est pas mais du le bol. Coup de bol. Mais non, c'est du savoir jouer. Mais c'est tout. Pas du savoir jouer. C'est très bon. C'est pas du coup, le coup de bol, quoi. J'y crois pas, mais... Donc, qui est en prison? Eh oui, toujours les mêmes. Eh oui. Ben voyons. Bah écoute, hein. Écoutez, je suis pas peu fier. Normalement, là, c'est les épreuves où ça fait peur, là. Je sais pas quoi. Faut affronter nos peurs. Mais ils sont les énigmes du perforam, il manque plein de trucs. Mais non, c'est après avec les maîtres du temps. Là. Mais non, c'est pas les énigmes avec les maîtres oui, du temps. Ah oui, c'est vrai qu'on va pas l'avoir dans sa tour. Mais c'est fini, ça, c'était narcissique. C'est nul, ça. La tour, elle sert plus à rien depuis que Francis Lalanne est pas. Attends, pourquoi il y va, lui? Fallait le remettre, bah, c'est à toi. Quoi? Mais il manque encore une clé? Tu as une chance de te rattraper, là. Bah, je vais le foutre en prison, mais si, celui-là. Voilà, si tu rates, tu vas en prison. Il faut 9 clés, on en a combien, là? T'as compté? Bah, je sais pas. J'ai l'impression qu'on en a 9 depuis longtemps. Non. Mais allez, c'est bon, ça, c'est fini maintenant de parler. Combinaison. Oula. Quoi? Trouve la bonne combinaison. Ah oui, tu sais, c'est. Faut avoir de la mémoire, je crois. Non, c'est pas la question de mémoire. Trouver la bonne combinaison. Je ne comprends pas la règle.
C'est toi qui regardes l'émission, mon vieux. Oui, mais celle-là, elle n'y est pas. En plus, la dernière. C'est à toi. Allez, c'est parti. Il nous manque une seule clé. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Je sais pas, mais la balle dans le trou. Mais c'est du l'aléatoire, je la connais pas la combinaison. Teste des trucs, teste tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette combinaison ? C'est un jeu de logique. Cette règle. Mais il y a aucune logique. Oui, c'est, pourquoi pas blanc. C'est du hasard. Allez, pourquoi pas. Mais ça va pas le faire. Peut-être. Allez. Ça paraît. Et attends, j'ai 4 chances, mais c'est-à-dire que j'ai 4 essais en plus. Bah ouais. C'est quoi ça ? Alors après, on va voir si ça marche. Attends. J'ai 2 bons. Mais on sait même pas c'est quoi les 2 bons. Mais je sais pas, mais c'est faut être Einstein. Mais je t'ai dit que t'avais des preuves les plus faciles. Non, faut être malin, il est, faut être malin. T'en as 2 qui sont bien, 2 qui sont pas bien. Non, une qui est pas bien. Ah bon, une. Ah non, mais c'est pas possible, c'est j'en ai qu'une qui est pas bien. Ça doit être les bleus en fait qui comptent du coup. T'as 2 boules bleues qui sont bien positionnées. Pourquoi tu penses que c'est 2 boules bleues Mais parce que t'as 3 boules, y'en a 2 qui étaient bonnes, qui étaient pas bien. Ça peut être 2 boules blanches. C'est de la logique. Ça peut être 2 boules. Non mais écoute-moi, y'a 2 boules blanches. Tu pouvais pas en avoir 2 qui étaient bien blanches et une en bleu. C'est parce qu'il y avait 3 boules bleues, y'a 2 boules bleues que t'as bien placées, une pas bien placée. Ça n'a aucune logique ce que mais tu dis. Mais si, c'est logique. Y'a une boule bleue là qui est mal placée. Voilà, on va voir. Voilà, on va voir. Voilà. Et là, on va voir si c'est. Mais qu'est-ce que c'est que ce gameplay ? Mais la blanche ! Oh. Voilà, comme ça. Et maintenant. Allez, valide ! Valide ! Et là, on verra si on a... combien on a. On va être logique. Quoi, voilà ? Alors, attends, j'ai compris ! On a deux. Idiot, j'ai compris ! Moi aussi. J'ai compris. La boule bleue était bonne. Voilà. Elle était là, la boule bleue. Voilà. Et, la bleue au milieu ? La blanche, elle était peut-être là. Qu'est-ce que tu fous ? Non, mais tu viens de mettre une bleue ici, Déo. Tu viens de mettre une bleue. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Regarde, remets la blanche. Là, on a 2 boules bleues. Attends. La deuxième boule bleue. La deuxième boule oui, bleue. Celle-là. Qui est énorme. Il faut la mettre à la place de la blanche, la dernière. Mais pourquoi la dernière ? Tu vas voir, c'est comme ça. Mais ça n'a aucun sens. Le bouton. Appuie dessus, c'est bon. Allez. Tu vois le génie. Oh ! Bah voilà. Mais oh le bol! Mais c'est pas du bol! Le bol! Réfléchis! Mais y'a pas de réfléchir, putain! Mais arrête! C'est le QI ça! C'est pas le QI! Non mais attends, mais j'ai réfléchi! C'est le QI QI toi! C'est pas une déduction! C'est pas une déduction! T'as 35 ans, on saurait comment faire! Mais pas du tout! C'est de l'arnaque! Oh là là! Bon, allez, on a les 9 clés! Bien! Oula! Ça partait de loin, ça sortait de loin ce cri! Passe-partout, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On revient de loin. Par contre, Rachid est encore en prison ? Oui. Alors, il y a une... Si c'est proche du jeu originel, on peut sortir, on pourra sortir en cassant le mur. Ah, les indices. Voilà. Il y avait un mec dans DBZ, il était comme ça. Oh, encore cette épreuve Ça fait penser à Tortue Géniale. Ah, c'est ça. Ah oui, mais attends, c'est encore la fameuse scène avec la... C'est des vrais tigres, la honte. Ils sont mieux faits que dans le... Ils sont mieux faits que dans la vraie vie. Mais mec, c'est la même chose. C'est à moi, là ? Oui, je crois. Passe. Oui, je me rappelle, c'est avec l'eau, là. Oui, l'eau. Faut aller chercher de l'eau. Oh, le tigre, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il glisse ! Il fait... Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Il a fait une glissade, genre attends, il a smurfé. Laissez-moi passer, je suis pas... Regarde, il glisse ! Mais qu'est-ce qu'il... Oh ! Mais ils sont si mal Marie-Jo... fait. Mais il est bugué ! Il a bugué, eh oui. Il est dans le sol ! C'est aussi mal fait que dans l'émission. Oh, il court bien, lui. C'est parti. Mais cette épreuve, mec, elle est là depuis le début. Depuis le début ! C'est la même, ils ont jamais changé ! Allez, mets l'eau dans le trou. C'est bon, je vise très bien. Allez, hop. Le pistolet, voilà, regarde-moi ça. C'est Super Mario. Je pisse dans le trou, allez, c'est bon. C'est Super Mario Sunshine. C'est une référence à Super Mario Sunshine. Mais il y a rien, la physique, tout est pareil. Mais attends, il y a un tigre. Jeu. Oui, c'est le même jeu. Je sais même pas s'il y a une texture en plus. Le tigre, il a disparu. Incroyable. Ah oui, ils sont plus là. Ils sont tous morts ? Oui. Tu les as tous tués. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vraie émission, il n'y a plus de vrai tigre. Ah ! Bon, je ne sais pas. Ah, il est revenu. Il a fait une petite... Attention, je vais passer par là. Mais qu'est-ce que tu fais ? Regarde la diversion. Mais quelle diversion ? Ouais. Tu vas te bloquer contre le mur ! Viens là, Xbox, elle est nulle ! Mais il y avait carrément la place de passer, là ! Mais c'est Passepartout qui peut passer. Attends, j'y vais. Laissez-moi passer. Je suis parlementaire. Il n'y a plus de tigre. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague ? C'est nul à chier. Il n'y a que deux tigres, ils n'ont pas réussi à modéliser.
Bah non, la puissance de PlayStation 5 ne suffit pas à avoir de tigres. Les tigres. Oh mon Dieu, scandale. C'est scandaleux. C'est un scandale. Allez, donnez-moi la clé, merci. Voilà, regarde-moi ça. Des années de pratique. Tiens. Mais c'est des clés. Mais non, c'est un indice. Ah bon ? C'est des indices. Ah, on a déjà toutes les clés ? Oui. Ah bah voilà, très bien. Bah oui. Là, on a un indice, il en faut 4. Un seul, ça suffit parce qu'avec notre esprit de déduction, on peut tout déduire. Ah, le rodéo dino. Mais c'est les mêmes épreuves. Et tout est pareil. Et j'ai l'impression que c'est en plus le même timing au même moment. Je me souviens que ça, c'était un truc que tu maîtrisais. Ah ouais, ouais. Je sais plus si je maîtrise. En fait, le seul truc qui a changé, c'est la typo. C'est le 2022. Oui, voilà. C'est tout. Même le dino, je suis sûr que c'est le même. Ouais. Bah oui, c'est le même. Le même. Mais quelle 40 euros les mecs. Mais quelle honte les mecs. Mais c'est pire que FIFA, c'est quelle pire honte. Que tous les autres jeux. Hein. Et je me demande si à ce niveau-là c'est pas un test psychologique. Je crois que le développeur voulait voir si on allait racheter le jeu. Quoi ? Ah j'ai oublié. Ah c'est bon. Il m'a fallu peu de temps, mais c'est bon. Ton équilibre c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Bien, mais tu c'est bon, c'est quoi, bon. Je suis en total survol. Je survole le tigre. Le dinosaure. Bien. Il manque pas cette scène dans le dernier Jurassic Park, franchement. Bah ouais. Mais c'est nul. Hein. Tout d'un coup, le film aurait été génial. Bah oui. Ah non, rien à dire, tu m'écrives. Et voilà, l'épreuve. Superbe. Ça s'appelle du GG, du gros skill, du pro play. On sent qu'il a chevauché pas mal de dinos, lui. Les animations. Mais ok, ils ont foutu passe-partout sur un truc pour qu'ils paraissent. Mais c'est honteux, même ça. Ils l'ont fou. Bah, ils se foutent de sa gueule, ils se foutent de sa gueule. Ils se foutent de tout le monde. Capté. Allez, montre-nous ce que t'as dans ton sac. À bout de le pognon. Ah, Excalibur, passe. Ah, Excalibur. On s'en souvient. Mais c'est Excalibur. Je crois qu'en termes de pigeonnade, j'ai rarement vu pire que ça. On s'est vraiment fait pigeonner ce soir, entre le dain et ce jeu. On peut vous le dire objectivement, on a fait les trois éditions. C'est vraiment le même jeu, c'est un scandale. C'est le. Mais autant il y a peut-être deux, trois épreuves en plus sur le dernier, mais là c'est exactement les mêmes, c'est le même jeu. Mais tout ils ont rajouté pareil, les voix. Les voix des candidats, c'est tout. Ils t'ont mis un 2022 dessus pour faire illusion et c'est tout. Oui. À comparer les mecs, franchement, sortez les vidéos d'avant et vous allez voir. Vous mettez les vidéos d'avant côte à côte, qu'est-ce que je dois faire là ? C'est comme le rodéo, voilà, c'est ça, c'est ça. Je fais bouger l'épée. Oula, mais c'est. Allez, c'est Zelda, c'est l'Excalibur. Faut déjà la sortir. Cette épreuve existe. T'inquiète pas, t'as le temps ! Là, elle existe. On sent que c'est une experte dans le domaine. Allez. Allez, maintenant, il faut casser, couper la corde. Couper la corde, je m'en souviens. La corde et le bâton. Alors. Au même endroit, et les voilà, oui, d'accord. Même endroit. C'est ça le plus important, finalement. La constance. Bras mal, pas mal. C'est pas mal. Ah, là, c'est plus rapide. Ah, dommage. C'est bien. C'est au même endroit. C'est au même endroit. Allez ! Putain, merde. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Non mais c'est normalement c'est pour le jeu là. Tiens. On a trois épreuves, trois indices, ça suffit, non ? On peut pas y aller direct. Oh la dieu, regarde ses doigts ! Même l'animation de ses doigts, il arrive pas à faire un 3 quoi, même ça. On est dans un jeu, ils ont pas réussi. C'est terrible. C'est terrible pour moi. En plus, il avait 4 doigts, non ? Oh, j'en sais rien. Je crois qu'il avait que 4 doigts. Et c'est pas comme ça dans l'émission ? Non, il a pas 4 doigts. T'es sûr ? Il a 5 doigts. Ah ! Le restaurant de Willy Rovelli. Ça, je veux. C'est quoi ? C'est l'épreuve que je veux plus la faire avec des jets de la chute pas d'un HD. C'est des trucs ignobles qui nous force à manger. Ça, faut les manger ? Oui, genre des trucs qui ignobles. Non, mais oui, ça y est, je m'en souviens. Attends, mais ils l'ont modélisé, Willy Rovelli ? Ça aussi, il y avait dans le dernier jeu. Non. Si ! Il y avait pas Willy Rovelli. T'es sûr ? C'est la vraie voix de Willy Rovelli. Il n'y avait pas Willy Rovelli, c'est sûr et certain. Vraiment ? Oui. C'est lui. À 100% c'est lui. T'es content ? Je suis content, il y a Willy Rovelli. Au moins, 1 sur 1000, on y est. Est-ce que ça valait 40 euros ? Attends, pas de coque bouillie, c'est quoi ça ? Non, c'est rien, tu connais l'épreuve.
Il veut boire, prendre une bouchée, je prends une bouchée, non? Ah, c'est pas mal, regarde, on mange du... Qu'est-ce qui se passe? Ah! Faut pas vomir! Ah oui, faut pas que je mange trop vite. Il y a des candidats qui vomissent? Oui. Oh. Allez, on boit un petit coup d'eau. Mâche, mâche! Mais c'est une sorcière. C'est Grandilde, là, de... Banjo. Grandilda. Allez. Mais qu'est-ce que c'est? Le croque-willy à la couenne de porc! Mais mon dieu, cet arfal-là! Mais c'est une mamie qui nous parle. J'ai envie de voir à quoi ressemble ce truc dans la vraie vie. J'ai attisé ma curiosité. Là. C'est des trucs vraiment ignobles, hein, des yeux de poisson. Des... Ça a l'air parfaitement dégueulasse. Des trucs de thon, comment ça s'appelle, fermenté depuis 100 ans dans des boîtes. Et ça, c'est des trucs officiels. Hein, il y a déjà des gens qui sont morts. Non, mais le pire, c'est que c'est des trucs officiels que des gens mangent. D'accord. Dans la vraie vie. Alors, que... C'est considéré comme du gastronomique. J'en sais rien, mais. Heureusement que tu connais pas, parce que j'ai rien compris. Je sais pas, je comprends pas. J'ai l'impression que boire l'eau, ça sert à rien. En gros, faut finir ton plat, c'est ça le truc. Oh non! J'ai compris, en fait, faut finir le plat sans dégueuler. Mais t'as plus de temps, par contre. Quoi? Eh oui. Vous pouvez pas le dire avant? Ben, je viens de voir ça. On aura pas l'indice. Mais je suis en prison? Ben non, c'était pour les indices, là, je crois. Ah, d'accord. Bon bah j'espère que les 40 euros iront dans la poche de l'acteur. Quoi? Quoi? Bah je suis en prison. Ah bah oui. Mais comment ils peuvent nous dire que tu pars alors qu'on est en prison? Je comprends pas, on avait pas déjà toutes les clés? Mais c'est une blague. Mais c'est... Non mais... Ah, la grande évasion. Ah. Comme dans le film. Ils ont battu mon Street Fighter. Oh là là. Ah donc perds pas de temps. Hein. Bah... Quoi? Le labyrinthe? T'as un labyrinthe où faut sortir le plus vite possible. Mais c'est Rachida en premier? Bah ouais. Mais donc, bah, de toute façon c'est les deux persos quoi. Où est-ce que tu vas finir une troisième fois en prison? Mais si je... En fait si j'écoule tout le temps c'est qu'il y a plus le temps pour la salle du trésor donc on est... Hein, on est fichu comme des rats. Oh! Vas-y. Y a un game... Quoi? Ah oui! Oh là là! Ici, il y avait ça aussi dans le dernier jeu. Alors, il faut mémoriser le chemin. D'accord. Droite, haut, gauche, droite, haut. Oui. Pas la troisième. Oula. Oui, bon, bah vas-y, vas-y. Ça, c'est bon, on verra. Droite, haut. On peut pas tourner la caméra! Il va en haut! Oh putain. Après, c'était en haut encore. Non. À gauche? C'était gauche. C'est sûr. Là, on prend pas la première. On prend pas la première, on prend celle-là. On prend à droite. Celle-là. Allez, regardez-moi cette mémoire. Ah, ça, c'est beau. Quoi? Ah, ça, c'est maintenant, bon. Faut mémoriser. C'est Fall Guy. C'est comme... Non! Mais c'était pas... Mais c'est quoi? C'est pas ça que j'ai fait. Allez. C'est comment ça s'appelle la série, là? Squid Game. Squid Game. Normalement, faut vider le sable et tout avec le seau. C'est pas mal, je me démerde. Appuyez les dalles dans l'ordre. Un. Mais quel ordre? Mais quel ordre? Mais c'est facile, en haut à droite. Quoi? En haut à droite. Mais tu dis là. Ensuite en haut à gauche. Mais c'est pas ça! Mais c'est rouge! Ah bah écoute, tente au hasard! Alors celle-là c'est la première. Ensuite, deuxième, bien. Oh, ah ouais, d'accord, faut. Ouais, ça va. Simple. Oui, c'est vrai, simple. Très simple! Très simple. Eh, c'est bon. On a perdu pas mal de secondes là. Hein. On a fini? Oui. Ah, faut casser, oui. Ah, ça c'est pas mal, ça j'aime bien ça. Ah. Interaction avec le décor, incroyable. Il y a surtout une épreuve qu'ils ont enlevée, c'était l'épreuve où on devait aller sous l'eau là. Et qu'il fallait faire de l'apnée, ça c'était une épreuve de dingue ça. Je sais pas pourquoi ils ont enlevé plein d'épreuves de dingue. Dans le jeu ou tu. Dans la vraie vie aussi. Ah. Mais l'autre on s'en fiche, le mec aux lunettes. Je crois. C'est votre pas. On s'en fout complètement. C'est plaisir. Eh ben. Oui, nous sommes en forme d'être. Ah, rien. C'est très fort. Ah oui, là, faut mémoriser. Là, c'est la mémoire. Ah, ils ont modélisé le nouveau siège, Elden Ring. Retiens la séquence de couleurs. Mais non, mais c'est toi. Ah non, c'est encore moi. T'as une bonne mémoire? Oui, normalement. Tu veux que je t'aide ou pas? Bah non, c'est de la triche. Au fort, il n'y aura pas d'aide, hein, qu'on y sera.
Alors vert, bleu, bleu, vert, vert, rouge, rouge. Je vais pas prendre une photo. Quel escroc. Vert. Écoute, tu retiens jusqu'à rouge et je retiens la fin. Mais ça commence par où en fait ? La droite ou la gauche ? La droite, la droite. La gauche, la gauche. Tu retiens vert, bleu, bleu, vert, vert, rouge. Moi je retiens la fin. T'es sûr ? Oui, oui. C'est à toi déjà. Mais non. Si, c'est à toi. Alors c'était. T'es sûr ? Non, attends. C'est rouge, vert, vert. Non. Rouge, rouge, vert. Rouge, rouge. Par contre, t'es sûr que c'était bien ça Celui-là, je suis pas sûr. J'avoue, je suis pas sûr. C'était mais pas plutôt vert. Non, c'était pas de vert. Il me semble qu'il y avait plus de vert. Non, il y avait pas plus alors, de vert. Vert, bleu, bleu, vert, bleu. Vert, bleu, bleu, ça, je suis sûr. Vert, rouge, rouge. Je crois que c'est ça. Allez, je valide. Moi aussi, je valide. T'es sûr? Oui. Oh bah, non, je me suis gouré à la fin. Mais c'est moi. Et t'avais raison. Il y avait un de vert. Putain, non, mais c'était. Putain, mais t'avais quasiment rien à faire. C'est incroyable. Mais c'est les verts. Et t'as pas de mémoire. Non. J'ai perdu la mémoire. Bon bah tu retournes en prison. Non mais c'est pas. Ça suffit maintenant. C'est pas à chaque fois qu'on perd on va en prison. C'est quoi ce jeu, ce monde? Mais je crois que si. Mais c'est honteux. Non c'est. Tu t'es échappé pour repartir en prison. Ça c'est quoi ça? Le compteur. Ah oui, il faut savoir. C'est à toi normalement, non? La blonde. C'est toi qui joue le chauve. Ah non, la belle grosse. Ah non, le chauve. Faut le compter dans sa tête. Tu sais c'est quoi les règles? Non, j'ai oublié. Le compteur va disparaître et faudra que tu te. Faudra que je fasse quoi? Tu saches dans ta tête quoi. Faut que tu comptes dans ta tête et dès que c'est le zéro, ah, okay. Dans ta tête, tu fais okay. Ça quoi. Ah non, 13. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai compté jusqu'à 13. Oh merde. Tu sais pas. Ah ouais, t'as vachement compté jusqu'à 13. Hein. Mais j'ai compté à peu près. J'avais une seconde et quelques d'écart. Bon, ça peut arriver à tout le monde. C'est pas beaucoup, putain, mais quelle épreuve de chien. Pourquoi il y a une hallebarde derrière? C'est pas ça. Ah. Tiens. Quoi? Allez, fous-toi de ma gueule. Mais non, mais c'est pas ça les épreuves, je suis pas d'accord. Hein. Allez, Rachida. Sois le plus malin, ou c'est pas gagné avec Rachida. Non. C'est quoi l'épreuve? Mais j'en sais rien, c'est toi qui connais le jeu. Mais c'est pas ça, je connais pas ça, moi. Faut remplir le truc. Ah. Oula. Quoi? Je comprends pas. Hein. Bah, démerde-toi. Puis c'est quoi le but? Faut mettre toutes ces pièces dedans, là? Je sais pas, c'est comme Tetris. Mais c'est quoi? C'est pas comme Tetris. Mais en Tetris, gros, c'est précis. Je pense, idiot, je pense qu'il faut monter tout en haut de truc. Non, un parallélépipède. Un parallélépipède, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, peut-être, mais l'autre truc, là, il y a une espèce de... Je peux plus. Il y a un embout. Bon, bah, démerde-toi. Fais tenir ça en équipe, c'est Death Stranding, mais en 2D. Mais c'est pas ça, le but, si? Mais si, bah, évidemment que si, il faut monter tout en haut, là. Je crois. Non. Bon, vas-y, tente. Faut mettre ça, toutes ces pièces. Là. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais je comprends pas. Hein. Ah, faut mettre toutes les pièces. Mais oui, c'est hyper chaud. Ouais, d'accord. Oh, le film, il a réussi, lui. Ah, quelqu'un sera peut-être bloqué à la fin. D'accord, j'ai compris. Comment ça s'appelle? Bah, il y a bien une pièce qui pourra plus rentrer à la fin. Ah oui, effectivement. Bah, garde la petite. Oui. Mets une grosse pièce, là. Voilà, fous ça n'importe où. Mais non! Faut pas mettre ça n'importe où. L'important, c'est d'arriver à le baiser, idéo. Tu comprends? Ah là! C'est moyen, ça. Je sais pas. Je comprends pas comment on gagne. Oh là là! Ah, ça commence à se corser, là. À se corser, là. Mets le parallépipède, vas-y. Essaie de faire tomber le triangle avec. Ouais. Est-ce qu'il y a de la physique? On va voir. Vas-y. Alors tu le balances comme ça dessus. Bon, d'accord. Bon, c'est catastrophique. Quoi? Voilà, ah, c'était ça. Fallait pas dépasser. Ben, j'aurais dû le mettre de l'autre côté, je suis bête. Je savais bon, pas. On saura pour la prochaine fois. Ah ouais, bah, je sais pas si on était pas au courant! Quoi? Ah, à moi. Dernière épreuve. Mais la dernière épreuve, c'est le pognon. Ah oui. Ah, l'énigme du vol. Ah, c'est à nous deux, mais bon. Bon, bah, garde la manette. Ah, là, c'est faut falloir travailler sa méninge. C'est méninge. Bien. Mais son ménage.
Mon premier indice. Il n'y a pas eu ça. Allez, on s'en fiche. Allez, passons. Allez, on va la trouver la solution. Allez. Ils ont modifié la texture de son front. On prend notre temps, il est où ? On a du temps. Hein. On n'a pas de temps. Comment ça, on a perdu avec Rachida en prison. Ah merde. On a plus de temps. On a combien de temps pour trouver la solution ? On a gagné zéro épreuve du maître du temps. Donc on a gagné aucun temps additionnel. Et la prison, on n'a pas réussi à s'échapper rapidement. Et combien de temps il nous reste ? 30 secondes. Même pas, peut-être 20, peut-être 10. Ah, appuie sur le bouton là, quand même. Quel bouton ? Trouver la solution, allez. Mais il n'y a pas Olivier Mille. Il n'y a pas Olivier Mille. Attends, ciel. Courbe. Flèche. On n'est pas des flèches. Attends. Oh là là. Je dirais l'arc. Ciel, courbe, flèche. Mais oui, c'est l'arc. Oui, bien bah vu. Oui. Bien vu. Bah, ça peut être que ça. T'en as dans la bibole. Allez. Il n'y a même pas Félindra. Mais c'est quoi ça, le tic? Ils ont pas les droits. Oh là là. Regarde-moi comme ils sont droits. Moi, j'aimerais interviewer les développeurs de jeux. Ah. Je veux faire une interview de 3 heures avec eux pour comprendre ce qui s'est passé. Mais il y en a un, il s'est échappé de prison. Attends, c'est moi là, c'est moi. Mais je t'ai dit qu'on devait jouer à deux. Laisse-moi choper mon pognon, c'est... Putain, j'en veux plus que ça. Allez. Allez, donnez-moi le pognon. Mais crois. Du pognon, allez, prends le pognon, prends un peu de pognon. Voilà, encore. Prends tout le pognon. Je fais le max. Détrousse-nous cette banque. Je fais le max. Là, tu peux plus. Prends le pognon. Mais il n'y a plus rien. Non, mais cassez-vous. Mais t'as tout, va mettre dans la banque. J'ai pas assez. Tu vas tout en tomber, tu vas tout faire perdre. Mais non. T'es à fond, tu peux plus. Bon, casse-toi, Rachida. Jusqu'au bout. Putain. Mais qu'est-ce que tu as fait? Oh, le chauve, le sombre con de chauve. Tu penses qu'on peut ramasser les pièces une fois? Non. Allez. Et plus vite. 40 secondes. Allez, attends. Hop. Là, pour le coup, ils ont mis la vraie musique. Change d'endroit. Oui, attends. Putain, on dirait Sammy de Scooby-Doo. C'est vrai. Voilà. À droite. Voilà. Bah oui, mais j'essaye, là. Allez. Voilà. Bien. Encore 20 secondes. Encore un peu. Bien, on est au max. Cassons-nous. Et qu'est-ce qui se passe si je reste dedans? Bonne question. Tu veux faire le test? De toute façon, il n'y a plus de risque de prison, même si à la prison, c'est fini. On va voir. Moi, je m'en fous. Mais imagine, on perd. Je veux une dernière pièce. Imagine, c'est game over. Merci. Au revoir. Ah ouais, d'accord. T'es de l'autre côté, c'est tout. Je vais me faire bouffer par les tigres. Bah, des tigres en 3D. Mais il n'y a même pas le débriefing d'Olivier Mille qui nous dit, voilà, les tigres. C'est 1000 ? 9000 ? 9000 euros, écoute. C'est beaucoup. 10 000 euros, c'est pas mal. Il gagne combien, en général, Fort Boyard? Ah merde, j'ai zappé la cinématique. Non, je crois pas, je crois qu'il n'y avait pas. Bah entre 12 000... Si, tu faisais un check. Généralement, la moyenne, c'est 10 000, 12 000. Ah oui, d'accord. Les plus gros, c'est... C'est une émission de pauvres, en fait. Ouais. Mais c'est chaud, ouais. Allez, c'est en boyard. En euros, ça fait combien? Mais ça fait, normalement, un boyard, c'est à 2 euros. Ah d'accord. D'ailleurs, je voulais remercier Olivier B, puisqu'il m'a fait un cadeau exceptionnel. Il m'a offert un boyard du fort. Ah ouais? Oui. Un vrai boyard. Et il est où? Bah chez moi. Tu l'encadrais? Oui. Ah, générique de fin, ça fait plaisir. Ah, on attendait tous. Regardons le nom de ces petits bancs lithos. Adventure Lines Production. Boyard, ben, quoi? Benny J. Microids. Ah oui, c'est les escrocs Microids. Il y a eu 3 studios là-dessus. Balio Studio. Ah, ils sont de plus en plus nombreux pour le même jeu. Ah mais ça tu vois, c'est magie, vraiment... Bah oui, ils font le même jeu, donc non, mais là, ils sont plus de pognon. Là, hein. C'est du blanchiment d'argent. Là, c'est le même jeu. C'est le même jeu. Il y a des mecs qui s'intègrent au projet pour récolter le c'est pognon ça, des gens comme c'est nous. Ça. On s'est fait rodka les mecs, c'est une arnaque absolue. Ne l'achetez pas. Franchement, je suis dégoûté. C'est la première partie. Coopération. Ouais. C'est pas le truc, l'espèce de plateau là? Ah oui, on l'avait fait ça. Bon, ensuite, ouais, je l'entends, c'est pour faire une épreuve. Ah oui, parce que ça, on avait pas ces épreuves là. Ouais. Mais ils sont pas dans le mode aventure. Bah non. Non, mais ça sert à rien de les faire en solo. Je comprends pas l'intérêt. Ah, c'est un cadeau en plus qu'ils te font. Si ces épreuves te manquaient, ils te les donnent. Ah oui, d'accord, c'est vachement le cadeau. Un beau cadeau. Hein. Mais c'est qui ce mec là, avec les cheveux? Je sais pas. Mais ils sont pas dans le jeu? Ah, moi je voulais jouer avec lui. Mais c'est qui? Mais oui, moi aussi. Bon, on dirait Jean-Paul Rouve. Il sort des tuches. Ça marche comment ça?
Bah, si ça marche, faut se former. Ah oui, d'accord, ça marche. Très simplement. Ah oui, d'accord, c'est tout con. C'est Trakenfield, non? Ah, et c'est tout. Oui, et pourquoi ils n'ont pas fait un Fort Boyard 1980? Voilà l'idée de dingue, avec Patrice Lafont bah, et tout. Bien sûr. Mais ils sont passés totalement avec à côté. Les vraies musiques de avec les vraies Patrice musiques Lafont, de la Pong, voilà. Vrais doubleurs. Voilà. Modélisés en images de synthèse. Ils sont pas passés vraiment à côté du jeu. Bah ouais. Tu veux faire une petite époque? Non, écoute, je pense que c'est nul à chier. Idéo. Je suis dégoûté. Je crois qu'est venu le temps de résumer. Oh bah. Hein. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. C'est Idéo, tout sauf tiens, incroyable mais vrai. Résume le film. Tu veux pas commencer par le Dain? Non, le Dain, on le fera après. Le dernier Quentin Dupieux, c'est à toi, Idéo, c'est maintenant. Écoutez, moi j'avais vu le trailer d'Incroyable incroyable, mais vrai. Je sais pas si tu l'as vu, DG. Si. Et le trailer, je me suis dit, ça sent vraiment l'arnaque du siècle, ce film. Puisqu'en gros, c'est des séquences du film. Sauf que les mecs, les acteurs, ceux qui jouent la scène... En fait, il y a une coupe dans la scène au moment où ils disent et ils révèlent ce qui est incroyable. Par exemple, il y a la scène où il y a Benoît Magimel, Kristen Durst, je ne sais pas comment ça s'appelle, une gonzesse blonde, Léa Druckenmann, la fille, la sœur, peut-être la cousine ou la tante de Neil Druckmann, et Alain Chabat, qui sont à table, ils mangent et tout ça, et puis tu as Benoît Magimel qui dit « j'ai quelque chose d'incroyable à vous annoncer ». Et du coup, c'est que... C'est en 5 minutes de dialogue, j'ai quelque chose d'incroyable à vous annoncer, mais je peux pas vous l'annoncer, enfin si, mais il faut du café. Enfin, faut pas que du café, faut que l'ambiance soit cool, sauf que l'ambiance n'est plus cool parce que j'ai demandé du café, alors que le café, fallait qu'il soit là avant, fallait que ce soit naturel, c'est plus naturel, donc je peux pas l'annoncer, puis t'as tout le monde qui pousse, mais vas-y, dis-nous. Et là, il commence à dire, mais en fait, et là, ça coupe. Le trailer, entre guillemets, il fait une coupe sur une autre scène, où là, c'est Alain Chabat et Léa Druckenmann qui sont à table encore, et ils sont face à un mec qui doit être le mec qui... pas le huissier de justice, mais le mec qui vend les apparts, je sais pas comment ça s'appelle. Qu'est-ce que tu as fait avec tes commandes? Il a fait, avec le mec, il leur dit, j'ai quelque chose d'incroyable à vous dire. Le trou qu'il y a dans votre maison, parce que oui, il y a un trou dans la maison. Et à Chamba, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce trou? Et ça coupe comme ça. Donc je me dis, c'est quoi ce film? Ça sent vraiment l'entourloupe où les révélations vont vraiment être nulles, où ça va vraiment être une escroquerie sans nom, comme tous les films de Dupieux. Et j'y suis allé. Et c'est vraiment une escroquerie sans nom. Ça, pour le coup, c'est véridique. Et du coup, ça commence avec un Chamba, Léa Druckenmann. On ne sait pas où ils sont, ils annoncent, ils se disent, on a quelque chose d'incroyable. Tout le film, c'est on a quelque chose d'incroyable à vous dire. Donc ils sont, je ne sais pas où, ils sont là, face cam, comme on dit. On a quelque chose d'incroyable à vous dire, mais on ne sait pas si on peut vous le dire. C'est vrai, vous n'allez pas nous croire. C'est vraiment, on a peur que vous preniez pour des fous. Et c'est que ça, tout ça sous couvert de musique de Jean-Sébastien Bach, de Wendy Carlos, en synthé. C'est quoi cette ambiance? Je me dis, c'est quoi ce film? Mais c'est surtout qu'en fait, le film, ça s'arrête jamais. Ça dure 1h10, mais oui, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Et à chaque fois, ils ont un truc incroyable à annoncer, mais ils le disent jamais. Et ils disent, non, mais t'es sûr? Non, mais j'ai vraiment un truc à vous dire, ça prendra 2 minutes de plus. Et du coup, ça dure comme ça dure. Et au bout d'un moment, ils disent le truc, mais est-ce qu'on peut le dire, par contre? C'est ça, le truc. Parce justement, que si on le dit, on gâche le film. Bah, je pense pas, mais on peut pas le dire. On peut le dire, on peut pas le dire. On le dit ou pas? Mais attends, moi je suis à la première scène, moi encore. J'aimerais voir s'ils sont surpris, mais vas-y, continue. Je suis à la première scène, moi, attends, je suis pas à ce moment-là. Du coup, après cette scène, on est directement catapulté chez Alain Chabat. Pas chez lui, mais on est catapulté à côté de. Dans sa vision, quoi. On a Alain Chabat qui est face à un ordinateur ou je sais pas quoi. Il écrit un mail, il écrit quelque chose, et puis il reçoit un appel. Et il fait oui, allô. Et lui, on lui dit, mais t'es où Alain? Je sais pas comment il s'appelle dans le film, je sais plus comment il s'appelle. Alain, t'es où? On avait rendez-vous. Il dit, ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui, je me magne. Le mec, il se magne pas du tout, il marche tranquillement vers sa bagnole, il prend sa voiture. Là, on est directement redirigé oui. Vers la scène. Absolument. Où ils sont devant la fameuse maison avec le huissier de justice et Léa Druckenmann, qui est la femme d'Alain Chabat. Et donc, ils font la visite de la maison et. Encore sous couvert de Jean-Sébastien Bach façon Wendy Carlos.
Et ils visitent la maison. J'ai jamais vu une maison aussi miteuse, aussi déplorable. Il n'y a pas de lumière. Les murs sont totalement immondes. C'est de papier peint rouge moche. Et du coup, il y a un espèce de montage croisé parallèle où on voit cette même scène, mais dans le futur, où ils ont acheté la maison, où ils achètent des meubles. Et du coup, on comprend qu'ils achètent l'appartement. On se dit, vraiment, pourquoi ils achètent cette maison ? Parce qu'en plus, il y a une décharge, il y a une voiture, il y a une carcasse de voiture complètement... Attends, au début, est-ce qu'on sait où ils vivaient ? Non. S'ils n'avaient pas de maison, ils habitaient où ? On ne sait pas, ça. Dans leur voiture. Ils n'avaient pas de maison. Justement, ils avaient besoin de poser leur valise. Il y avait cette carcasse de voiture et le mec leur dit, ne vous inquiétez pas, ça va pas, ça, on va l'enlever, bien sûr. Oui. Sauf qu'il ne l'enlève pas, mais bon, ça... C'est pas la révélation de dingue, c'est pas ce qui est incroyable dans cette histoire. Et du coup, il leur fait visiter la maison, c'est vraiment nul. Hein. Chaque pièce, c'est nul, il n'y a rien. C'est vide, c'est moche, c'est mal éclairé. Ils vont tout en haut, les chambres. Il y a la fille et la femme qui dit « Mais c'est vachement grand, tu trouves pas ?» Et lui dit à la chambre « Non, ça a l'air pas mal. Pourquoi c'est trop grand ? Non, pas vraiment. » C'est que ça, quoi. Tu ne trouves pas ? Non, pas vraiment. Et du coup, il dit, le mec, je vais écourter la vide parce que j'ai quelque chose d'incroyable à vous montrer. Mais ça se passe tout en bas. Et puis, il descend tout en bas. Il découvre une cave, mais en très piteux état. Et là, ils se disent, mais il se fiche de nous, ce mec. La cave, elle n'a rien de spécial. Il dit, mais attendez, c'est pas la cave que je vais vous montrer. Il y a une espèce de trappe. Et sous cette trappe, il y a un trou. Et il y a un trou, mais avec une échelle. Et le mec leur dit, écoutez, je sais que vous allez me prendre pour un fou, mais il y a quelque chose d'incroyable dans ce trou, et je ne peux pas vous l'expliquer, il faut vraiment me suivre. Et là, la femme dit, mais c'est, ça sent l'arnaque, ça sent pas l'arnaque, mais ça sent vraiment le traquenard. Et là, un chabot, non, pourquoi pas, non, vas-y, on y va. Et ils y vont, et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, fermez, parce que sinon, ça ne marche pas. Donc là, c'est comme une machine à laver, je crois, il dit ça. Ils descendent. Et ils se retrouvent dans la même maison. Sauf que c'est la même maison. C'est tout. Et ça cut à la scène d'après dans la cuisine, je crois. Non, ça cut pas, non. Il n'y a pas un cut à ce moment-là ? Parce qu'on n'apprend pas, on apprend pas le truc tout de suite. Non, mais c'est pas à ce moment-là qu'il fait la révélation. On voit qu'ils vont dans la même maison. Voilà. Et ils vont. Ils vont à la chambre. Ils sont passés dans un tunnel, mais ils sont encore dans la maison. C'est ça. Et c'est la même maison, mais je ne sais pas comment vous dire. C'est la même maison. Dupliqué, genre ils descendent d'en haut, mais ils arrivent en bas. En fait, c'est compliqué à dire. Ils arrivent dans la même maison, dans le salon, un truc du genre, qui viennent de la cave. Hein. C'est ça le truc qui est bizarre. Donc ils commencent à se poser des questions. Ils me disent qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi cette histoire. Et là, justement, t'as le mec qui dit alors justement, je vais tout vous expliquer. Et là, comme tu dis, j'ai quelque chose d'incroyable à vous dire, vous n'allez pas me croire. Et là, ça cut dans la cuisine. Et là, t'as un chabat qui dit, mais franchement, c'est un truc de dingue. Ils boivent le champagne. C'est franchement, on a fait l'affaire du siècle, tu te rends compte, ma chérie, etc. Et là, on revient dans cette fameuse scène où ils sont à la table. Où là, t'as le mec qui dit, alors, ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'incroyable. Je n'avais pas de quoi. Mais je vous jure que c'est que ça, les dialogues. Ben c'est quelque chose d'incroyable. C'est un résumé objectif du film. Par contre, j'ai peur qu'ils comprennent vraiment rien ce que tu racontes. Mais c'est le film qui est incompréhensible. Ça fait des cuts, ça fait des zooms, ça fait des trucs. Et donc, on y va à cette scène où il dit j'ai quelque chose d'incroyable. Et la chabat, il commence à s'exciter. Mais dites-le, à coucher, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a avec ce putain de tunnel ? Je le dis, le terme, qu'est-ce qu'il y a avec ce. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et là, mais t'as la femme qui dit, mais laisse-le parler, il va le dire. Il dit très bien, je vais. Alors, et là, t'as le mec qui dit, c'est comme le mec le huissier dans Les Trois Frères. Il dit encore, j'ai quelque chose d'incroyable, vous allez pas me croire, mais ce qui se passe avec ce tunnel, c'est incroyable. Quand vous rentrez dans ce tunnel, il se passe quelque chose d'incroyable. Et ça s'arrête là, encore un cut. Et là, t'as un chabat qui dit à sa femme qu'ils sont sur le canapé, ils dorment. Tu te rends compte, chérie, c'est quelque chose d'incroyable. On se rend pas compte encore, mais ça. Il dit, voilà, non, t'as le mec qui dit, ça veut vous changer la vie, ça veut vous changer la face du monde, je sais pas quoi. Et là, ils sont en train, ah, ma chérie, mais on a vraiment fait l'affaire du siècle.
etc. Pendant, sous couvert de Jean-Sébastien Bach façon Monte Carlo. Je vais me faire un café. Oui, bah, tu peux y aller. Tu veux un truc ou pas? Non, c'est gentil. T'es sûr? Oui. Tu veux pas un truc? Non. Tu veux pas un petit jus? Non, non, non. Il n'y a pas de jus de toute façon. Je vais me faire un café, je reviens tout de suite. Hein. Très bien. Il peut. Et donc, je sais plus où j'en étais. Il y a Wendy Carlos, il y a Jean-Sébastien Bach, il y a le huissier de justice. Il y a. Oui, voilà. Et donc, on revient à table avec ce vendeur de maison. Et là, il leur fait la fameuse révélation qu'on attend tous depuis au moins 40 minutes. Enfin, 40 minutes, je dis 40 minutes, il s'est passé 15 minutes. Mais c'est tellement lent qu'il s'est passé 40 minutes dans la vraie vie, quoi. Enfin, dans notre esprit. Mais vous allez comprendre pourquoi cette histoire de dilatation du temps est importante. Parce qu'il leur dit, quand vous rentrez dans ce tunnel, il se passe quelque chose d'incroyable. Il se passe 12 heures en avance. Et là, tout le monde dit, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il nous chante là? Et il leur dit, quand vous rentrez dans ce tunnel, 12 heures se sont écoulées. Vous êtes le lendemain à 12 heures. Pas à 12 heures, mais 12 heures plus tard. Et là, il dit à Alain Chabat, regardez votre montre, il est quelle heure? Et il dit, il est 8 heures du matin. Et on est rentré à 20 heures le lendemain. Enfin, je sais pas, c'était quelle heure. Vous faites le calcul, voilà, quoi. 12 heures plus tard, 12 heures avant. Et là, ils n'arrivent pas à y croire. Ils disent, c'est pas possible. Mais il dit, c'est pas la seule révélation. Et là, encore un cut. Et là, encore, je sais pas, ils boivent du champagne, ils font des lasagnes. Ah non, ça, c'est après les lasagnes. Ils mangent des gâteaux, ils font la fête, oh, c'est quelque chose. Ah non, c'est Alain Chabat qui dit qu'il est encore sur le canapé, qui dort. Et t'as la femme qui dit qu'il est tout excité parce qu'elle, elle voulait pas y aller, justement. Donc il fait encore un montage croisé en montrant que c'est la femme qui est devenue folle dingue de ce truc, alors que c'était Alain Chabat qui, à la base, était curieux. Et donc, la femme, elle dit. Mais chérie, viens, on y va, tu te rends compte, c'est un truc de dingue. J'ai envie d'y retourner, etc. Il dit, mais non, mais laisse-moi, je suis fatigué. Parce que oui, à la Chabat, il a un dossier avec Jacques. Parce que Jacques, c'est un client qu'il a à son boulot, qui l'enquiquine. J'ai fait ce café, et tu vas pas me croire. Mais je n'ai pas mis de sucre dans ce café. Pourquoi? Mais plus je m'adresse du pieu, plus je parle comme un personnage de film français. C'est incroyable ce qui se passe. Mais ce café, il est aussi noir que... Oui, je vois le reflet de mon âme dans ce café qui reflète mon âme. Tu penses que ce café te parle de... Mais j'aime pas, tu sais, le sucre après avec la clope, c'est pas très bon. J'en sais rien, je peux pas te dire. Je suis à la scène où Alain Chabat, sur le canapé, il dit à sa femme, non, laisse-moi tranquille, vas-y oui, toute seule. J'aime beaucoup cette scène. Oui, cette fameuse scène. Je pense que c'est la meilleure scène du film. Elle m'a marqué. Et Alain Chabat, il dort, et sa femme, elle descend, sous couvert de Jean-Sébastien Bach, façon Wendy Carlos. Elle descend les escaliers, elle y arrive à l'autre maison en parallèle, 12 heures plus tard. Et on dit, on se comprend pas, en fait, pourquoi elle est devenue dingue de ce procédé. On comprend pas vraiment l'intérêt. Et donc, ce qu'il dit après, justement, on retourne à cette fameuse scène où le vendeur de maison leur fait les révélations, c'est... Non seulement vous avancez de 12 heures, mais vous reculez de 3 jours. Non, vous reculez pas de 3 jours. Vous rajeunissez de 3 jours. C'est ça le truc. Et donc là, vous imaginez bien que la femme, elle est devenue dingue, puisque voilà, tout le message du film, c'est à la recherche de l'âge perdu, etc. Donc la femme est devenue possédée par ce truc. Elle descend au moins 20 fois par jour. Elle fume une clope à chaque fois, puisqu'elle se dit, puisque je rajeunis 3 jours, c'est comme si je fumais pas de clope. Donc elle fume une clope à chaque fois qu'elle descend, etc., etc. Et là, justement, on passe à la scène avec Benoît Magimel, sa femme, Alain Chabat, sa femme, à table. Et là, c'est complètement... Là, on passe, je trouve, dans le truc surréaliste, où t'as Benoît Magimel en patron qui en même temps imite De Niro dans Taxi Driver et en même temps qui imite un mec qui vend des costards dans le sentier, c'est-à-dire que c'est un mélange très bizarre et comme ça, hey, mon pote là, qu'est-ce que tu racontes, franchement j'ai quelque chose d'incroyable à vous dire, vous n'allez pas me croire la vérité. Et là la femme elle dit non, il dit pas ça, il dit, c'est la femme qui dit d'ailleurs, c'est la femme de Benoît Magimel qui dit
on a quelque chose d'incroyable à vous annoncer. Et là, qui dit, mais non, je l'avais dit, il faut du café et il faut une ambiance, on est relaxé. Il commence à s'exciter, mais il dit, mais Al-Shabaab, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette annonce? T'es malade? T'as une maladie? T'as un cancer? C'est un homme qui a des principes. C'est un homme qui a des principes. Parce que voilà, il dit, moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Je veux que ça soit fait selon ce que je dis. Je veux que c'est précis ce que je dis, je sais pas quoi. Et là, t'as la femme qui revient avec deux cafés. Et là, il dit, ah, enfin! Al-Shabaab qui dit, tu café, tu tombes à pic. De l'eau. Et là, il dit, bon, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en mon absence? Il dit, il y a Benoît qui a quelque chose à nous dire, mais il pouvait pas le dire parce qu'il n'y avait pas de café. Et là, il dit, oh, qu'est-ce que c'était, c'est quoi cette histoire de café? Il dit, et là, t'as la femme qui reprend la main, la femme de Benoît, il dit, oui, parce que voilà, on a quelque chose d'incroyable à vous dire, mais mon mari voulait qu'on le dise quand il y avait du... C'est que de la répétition de choses qu'on... Moi, j'exagère même pas, c'est ça, quoi. Vous avez l'impression que je me répète en boucle, etc., que je ralentis, que j'étire, etc. Non, j'étire rien du tout. C'est le rythme du film. C'est le rythme des dialogues. C'est ça en boucle. C'est vrai qu'en général, Ido, je trouve que t'as tendance à t'étaler. Je m'étale pas, c'est ça le pire. Mais c'est vrai que sur ce film précis, tu décris vraiment point par point de toutes les scènes. Exactement. Point par point. Dialogue par dialogue. T'es sûr que Léa Drucman fumait des clopes? Oui. À chaque fois qu'elle descendait, elle fumait une clope. Oui. Ah, j'avais oublié ça. Bah, tu vois. Ouais. Elle fumait une clope. Et du coup, il y a Benoît Magimel, etc. Ils disent, mais c'est quoi votre truc? Vous êtes enceinte? T'es enceinte? Il dit, non, on parle pas de malheur, Et là, il fait la fameuse révélation. Je me suis fait refaire. Je vais pas le dire. DG, est-ce que tu peux le dire? Oui. Alors, en fait, le personnage de Benoît Magimel... Ne rigolez pas parce que c'est vrai, hein, c'est vraiment le film. C'est le plus gros twist du film, peut-être plus que le portail qui fait bondir dans le temps et qui te rajeunit. En fait, Benoît Magimel annonce... c'est bien Benoît, hein. Oui, c'est Benoît. Il annonce à Alain Chabat et à l'autre, là, Léa Drucker, qui s'est fait refaire la bite. En gros, oh là il a une bite, une bite bionique, une bite électronique. Voilà. Non, Rasfécha. C'est une bite électronique qui s'est fait greffer. Et lui demande, mais alors, c'est quoi, t'es une autre bite en plus? Il dit, bah non, vous êtes con, j'ai pas de bite. J'ai remplacé ma bite par une bite électronique. C'est quoi cette histoire? Il télécommande sa nouvelle bite avec son téléphone, il peut changer de taille. Mais c'est ridicule. C'est super, parce que. C'est incroyablement nul! Ça fait rêver dans le futur. C'est incroyablement nul! Peut-être on pourra commander. Mais c'est même pas dans le futur, c'est en 2021! C'est en 2021! Regarde, quand une application sur téléphone, tu pourras télécommander ta bite bionique! Tu vois, jamais. Dis, tiens, cette fois, je veux 40 cm, je veux vibration, je veux que ça dure toute la nuit. Je veux du café aussi. Tu peux même dormir. Tu peux dormir, ta nana peut s'éclater, t'es en train de dormir, elle s'éclate sur ta bite bionique. Mais c'est ridicule, c'est nul. Il fait 50 cm, idéal. Mais c'est nul, j'en veux et pas. Ça, t'as pas impressionné? Non. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Bah justement. Tu n'aimes pas le cinéma? Non, j'aime pas ça, mais justement, que tu parles d'impressionner, c'est tout après le délire que Benoît Magimel du personnage. Et qui est dans cette paranoïa du mec qui dit, est-ce que tu crois que ça les impressionner, mon histoire? Est-ce que ma bite les impressionne? Mais voilà. Il fait que répéter ça en boucle à sa femme. Et elle dit, mais c'est pour qui que tu l'as fait ce truc? C'est pour eux ou c'est pour moi? Il dit, mais c'est pour toi, ma chérie. Mais ça, c'est après. On revient à cette histoire où d'ailleurs, Alain Chabat avait l'air d'avoir fait des très bonnes lasagnes. Je le note. Et il y avait du fraisier sur la table. Il y avait du fraisier consommé. Donc ça m'a fait plaisir ce repas final. Et du coup, un Chabat, il leur dit, mais j'ai quelque chose aussi d'incroyable à vous dire, vous n'allez pas me croire. Là, ta femme qui dit, non, leur dis pas. Mais c'est nos amis, on peut leur dire. Elle a dit, surtout pas, je veux que ça ne soit pas révélé. J'ai dit non. Et là, donc, ok, ils se disent au revoir. Et t'as la femme qui dit, la femme de Benoît qui dit, vas-y, passe dans mon magasin, j'ai des nouvelles entrées, des nouvelles marchandises de comment ça s'appelle, là, de nuiserie, là, de nuit. De literie, là. Des trucs qui portent, là, les femmes, là, qu'elles portent. La litière du chat. Mais non, pas la litière du chat, qu'elles portent sous leurs vêtements, qu'on s'appelle. Les sous-vêtements, les trucs, là. La dinette, là. La dinette? De quoi tu parles, idiot, en français? Le truc que les femmes portent. Le truc que les femmes portent. De la dentelle. La dentelle, oh, voilà. Oh putain, mais oui, je dis, sans dentelle. Voilà. Ah, elle a dit, j'ai de nouvelles soutiens-gorge en dentelle. Viens. Et là, un Chabat qui fait la petite blague, et toi, t'as quelque chose pour moi? Voilà. Ça se passe au lit, tu fermes les yeux, ou... Je sais pas. Bah oui, je ferme les yeux pour dormir, encore eux, oui. Comment tu veux que je dorme? Et donc, ça se passe après, où t'as encore la folle, la Léa Drucman qui est complètement possédée,
Sauf que là, Alain Chabat dit quelque chose, un détail qui certainement t'a échappé. Oui. Il dit le chat, il a fait quelque chose de bizarre aujourd'hui, il m'a fixé, il est rentré à l'intérieur, je l'ai suivi, il est monté, il est, ah, comment oui, ça s'appelle ? Tu te souviens de cette scène ? Bien joué. Il s'est posé au-dessus de la trappe, il a miaulé, il m'a regardé fixement, j'ai l'impression qu'il m'avait dit un message. Il y a toujours quelque chose dans les films de Dupieux où il essaie de faire passer un truc mystique, symbolique, à travers les animaux, en parlant d'un autre film après, mais bon. Déjà, ils sont pas incroyablement vrais, quoi. Et donc, Léa Drucker, elle va dans ce conduit, du coup, on comprend qu'elle veut rajeunir, etc., qu'elle est tombée dans la soupe, dans la potion magique d'Obélix, qu'elle veut rajeunir à tout prix, Alain Chabat ne la reconnaît plus, disons qu'Alain Chabat, il en a rien à faire, quoi. Et franchement, il n'y va jamais. Tout ce qu'il veut, lui, c'est finir le dossier de Jacques, un client, on ne sait pas ce que c'est que ce dossier, mais ça a dû lui prendre la tête. Et là, t'as Benoît Magimel qui l'appelle dans ce bureau, qui dit, écoute, on a besoin... Bon, je passe, parce que là, je fais une petite forward, parce qu'il lui dit d'abord, il l'appelle dans son bureau, parce que, comme je vous l'avais dit, il voulait être sûr que ça l'avait impressionné, son histoire d'entrejambes modifiées. Donc il dit, qu'est-ce que t'en as pensé, j'ai l'impression que ça t'a pas touché, que ça t'a pas affecté... franchement, tu trouves ça bien, que je me suis fait refaire, etc. Il me dit oui, ça a l'air super. C'est franchement oui. Et il commence à faire. Et voilà. Benoît Magimel est rassuré, et puis voilà, etc. Du coup, après, ils se disent t'as pas envie qu'on fasse un truc de mec, et etc. Ils disent si, vas-y, t'as raison. Et donc, le truc de mec, c'est qu'ils vont tirer au stand de tir, ils tirent des trucs. Il tire des projectiles, etc. Et Benoît Magimel qui dit pour moi, un homme, c'est savoir tenir une arme et c'est savoir tirer. Et là, il prend le fusil à pompe. Et le fusil à pompe, il est désarçonné par le recul. Et le fusil à pompe le tape justement au niveau de l'entrejambe. Et là, on comprend qu'il se passe quelque chose. Et là, il est enfermé dans les toilettes et il commence à crier à tout casser. Mais mince, je suis complètement fou. Voilà ce qu'il dit. Et là, il claque la porte, il part en courant, il pleure, etc. Il dit, ça répond plus. Je suis au fond du goût, ça répond plus. Je sais pas quoi faire. Mais il dit, va te la faire réparer, quoi. Pardon, si tu t'es fait mettre ça, c'est que tu peux te la faire réparer. Il dit, mais je suis allé au Japon, c'est un truc qui n'existe nulle part ailleurs, c'est hors norme, c'est illégal, je suis au bout du rouleau, faut que j'aille au Japon, mais faut que tu le dises à personne, faut surtout pas à ma femme, invente-lui quelque chose, quoi, invente-lui un mensonge, couvre-moi, il le couvre. Est-ce que t'as parlé de la scène où Anaïs de Moutier, elle chope Chabat par les couilles? C'est pas maintenant, justement, c'est la scène juste après. Donc Alain Chabat, il va dans le magasin de dentelle de... Mais faut que tu le dises comme ça, elle le chope par les couilles. De soutien-gorge. Et elle dit, mais franchement, dis-le-moi, s'il est parti voir une autre gonzesse, je sais que c'est un chaud lapin, moi aussi, de toute façon, on est sur une relation libre, il n'y a pas de souci. Il dit non, et je sais pas, il avait un problème familial, il est parti dans le sud, un truc du genre. Et là, il dit, y a Anaïs de Moustier, tu m'apprends son nom, qui chope Alain Chabat. Par les couilles. Voilà. Par les couilles, idéaux. Et oui, d'accord, et effectivement, par les couilles. Par les boules. Voilà. Et du coup. Par les grosses boules bleues de Fort Boyard. Et du coup, Alain Chabat, il dit non, c'est pas une bonne idée, il s'en va. Et il va où? Je sais pas, il retourne au bureau, il retourne. Sauf que sa femme. Il n'est plus chez lui, elle n'est plus chez elle. Enfin, ils sont plus. Elle n'est plus là, sa femme. Elle est toujours dans cet autre appartement parce qu'ils habitent en fait dans deux maisons séparées, ils font maison à part. Sauf que c'est la même maison. Ça n'a aucun sens. Et donc, elle laisse un message sur le frigo en disant j'ai très envie de dîner avec toi demain. Et là, un Chabat, il appelle, sauf qu'elle répond pas, il laisse un message vocal, il dit « J'ai bien vu ton message, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi demain? J'ai l'impression qu'on ne vit plus pareil. » C'est la séquence dialogue profond du film français. « J'ai l'impression qu'on vit séparé, alors qu'on vit sous le même toit. Je ne te reconnais plus, Isabelle. Franchement, tu me manques, je t'aime fort, reviens vite. » Je suis déçu, il n'y avait pas la réplique « T'es dingue, toi. T'es vraiment dingue. »
C'est vrai qu'elle aurait pu être dans là. Dans le Dain, on avait ça. Dans le Dain, on l'avait. Et là, on n'a plus. Là, on n'a plus. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ouais. On retourne, on fait un espèce de forward chez Benoît Magimel au Japon, où il se fait opérer, il parle pas japonais. Il dit « Je parle pas japonais, je veux mon portable ». Et donc, tu as les Japonais qui comprennent pas, qui disent « Qu'est-ce qu'il veut celui-là ? C'est bientôt fini ». Tu leur as dit par contre que c'était comme une vraie. Elle est électronique, mais c'est comme une vraie. Oui, c'est vrai. C'est important de le dire. Apparemment, c'est comme une vraie. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est comme une vraie. La texture et tout, c'est pareil. Quoi. D'accord. Genre, faut pas qu'ils s'imaginent un truc en métal, les mecs. Ah oui, c'est important. Il appelle Alain Chabat, il dit « C'est l'anniversaire de ma femme, offre-lui un cadeau ». Et il lui dit « Mais je sais pas ce qu'elle aime, ta femme, etc. » Du coup, il est au supermarché, il trouve une espèce de sac en peluche, il lui achète ça. Il va lui offrir, sauf que là, il se rend compte que c'est la femme de Benoît, elle le trompe. Elle est déjà dans les bras d'un autre mec, et donc il range son cadeau, il rentre chez lui, et Benoît Magimel, en vérité, c'est catastrophique, l'opération se passe très mal, ça prend feu, tout simplement, ça s'électrocute, mais apparemment ça se passe bien. Il rentre chez lui en héros, c'est-à-dire que les gens sont de son cabinet, je sais pas où il travaille, c'est quoi. Ah oui, ils travaillent dans les assurances, voilà, ils font des assurances. Il rentre chez lui, tout le monde l'acclame, c'est un truc de dingue, il rentre en héros, etc. Alain Chabat va l'accueillir à l'avion, à l'aéroport. Ils se prennent dans les bras, etc. Et il y a la japonaise, il y a une hôtesse japonaise. Et la voiture prend feu, voilà, la voiture prend feu. Est-ce qu'elle prend feu maintenant? Je ne sais plus. Elle prend feu en tout cas. Pourquoi elle a pris feu la voiture? Non, pas à ce moment-là. Ah. Je ne parle pas de la deuxième fois, je parle la première fois dans l'aéroport. D'accord. Et oui, parce qu'elle prend feu deux fois, il vient de spoiler le truc de dingue. Elle prend feu une première fois, on ne sait pas pourquoi elle prend feu. Du coup, Alain Chabat raccompagne son pote. Et là, c'est en fait, à la fin, il n'y a même plus de dialogue. Et là, on va... Ah oui, avant de passer ce truc, ce dialogue, on retourne sur l'arc narratif du conduit, du fait que ça a rajeuni trois jours, puisque là, Druckerman, elle est chez elle. Son rêve, c'est de devenir... Elle devient de plus en plus dingue. Elle devient de plus en plus violente. Elle dit, moi, mon rêve, c'est de devenir mannequin. Tu pourras pas en empêcher, etc. Elle découvre une pomme périmée dans le truc et elle le jette dans le bac à déchets. Et après, elle se dit, elle a une idée, elle reprend la pomme, elle descend avec la pomme dans le conduit, on la voit plus. Et puis elle revient quelques jours après avec un Chabat. Il dit « Rocker, Rocker, chérie, c'est un truc de fou, c'est incroyable. Tu te rends pas compte. » Elle lui donne la pomme. Il dit « Oui, mais c'est une pomme, qu'est-ce qu'elle a ?» Et bien, regarde la pomme, je l'ai prise avec moi, elle était complètement pourrie, et maintenant, elle est comme neuve. Tu trouves pas ça fou? Il dit, ah oui, effectivement, c'est dingue ça. Tu vois, il lui dit peut-être maintenant, c'est dingue ça. Eh oui. Et il lui dit, c'est dingue. Et du coup, elle s'excite, elle dit, mais tu te rends pas compte, t'es complètement déconnecté de la réalité, on a un joyau sous terre, toi t'es omnibulé par ton travail, t'es complètement mollasson, t'es nul, tu ressembles plus à rien, Tu comprends pas, et là, Chabat, il lui donne une claque bien méritée, il dit, mais réveille-toi, je comprends ton excitation, mais respecte-moi, quoi, enfin mince, ça reste une pomme. Et là, il dit, effectivement, je suis désolé, chérie. Et là, Chabat, il prend la pomme, il la croque, sauf que dans la pomme, elle était complètement pourrie, et il y avait des fourmis qui sortaient de la pomme. Et c'est là qu'on se dit, et c'est là qu'il part dans un question. T'en es seulement là. Mais c'est le film quand on est seulement là. C'est le film quand on est là. Le résumé d'être plus long que le film. Mais non, 1h10 il dure le film. Ah donc. Oui, on y est presque. Ah oui, d'accord. Mais moi je raconte tout le film. Hein, d'accord. Parce que je veux pas que les gens aillent le voir. D'accord. Parce que c'est honteux ce Et film. Tu sais que tu donnes envie aux gens là, les gens sont à fond. Ah bon? Ah, ils veulent savoir la suite. Ils veulent savoir la suite, vous voulez vraiment savoir la suite de ce qui se passe avec les fourmis, la pomme. Ils veulent la suite. Avec Benoît Magimel et son truc électronique. Qu'est-ce qu'il y a de bien de la bite électronique de Benoît Magimel? Ouais, bah on va savoir. Toute chose a sa conclusion, mais vous allez voir. La pomme, les fourmis, et là, flash forward ou flashback à la scène du départ, où ils étaient, comme je vous l'avais dit, en face cam. On savait pas où, il disait, on a quelque chose d'incroyable à vous dire, vous allez me prendre pour un fou. En fait, c'était chez un médecin. Et là, ce qu'il voulait savoir, c'est que la question qu'il se posait, c'est est-ce que pour une raison ou une autre,
Est-ce qu'il y avait des fourmis qui pouvaient sortir d'un corps humain? Là, t'as l'air. Oui, Nathan précise. C'est pas des fourmis qui sortent de la bite électronique de Bonhomme Agile. Oui, c'est vrai. C'est pas pareil. Et du coup, le docteur, il répond même pas. Parce que ça aurait été marrant, quand même. C'est vrai que ça aurait été. Les fourmis sortaient de la bite électronique de Bonhomme Agile. C'est vrai. Je pense que là, on tenait tout le concept du film. C'est vrai. Ils sont passés à côté, c'est dommage. Du coup, ça passe justement à Bonhomme Agile qui se marie avec la japonaise. Mais qu'est-ce qui se passe si lui, il passe dans le tunnel, Bonhomme Agile? C'est une bonne question, ça. Bah, du coup, il redécouvre son vrai truc, son vrai membre. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse une suite. Mais du coup, on n'a pas la réponse à cette question. On n'a pas la question, on n'a pas la réponse. Du coup, il se marie avec la japonaise, comme je vous disais, l'hôtesse. Ils se sont mariés. Il achète une nouvelle voiture. Sauf que 2 minutes après, en fait, il la trompe avec sa secrétaire. Donc la japonaise, elle casse sa voiture. Donc il en achète une autre. Sauf que sa deuxième voiture, elle est. Je ne sais pas ce qui se passe, mais son truc prend feu, là, son machin. Il y a un faux contact avec la nouvelle voiture, ça prend feu, il fait un accident, il meurt comme ça, et t'as là, en fait, tout... Maintenant, pourquoi elle prend feu? Mais je sais pas pourquoi elle prend feu, son truc. Pourquoi la voiture prend feu, Idéo? Mais parce que son truc prend feu. Et son truc de quoi? Électronique. Son entrejambe électronique. Ouais. Sa troisième jambe. Oui, la grosse bite électronique de Benoît Magimel prend feu, et ça fait exploser la voiture. Son katana japonais, il prend feu. Voilà. Et comment il s'appelle? Il transperce le capot d'ailleurs. Il transperce le capot, oui. Effectivement, il y a quelque chose d'autre qui a transpercé le capot dans le vin aussi. Et comment il s'appelle? Et là, en fait, on est sous un tunnel narratif, pour le cas de le dire. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de musique, il n'y a que de la musique, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de paroles. C'est que du bac. C'est comme ça qu'on aurait dû vendre le film aux gens. C'est un mec qui transperce un capot de bagnole avec sa bite électronique. Et qui meurt comme ça. Meurt pour ça. C'est vrai. Et donc là, c'est que du bac. C'est 10 minutes de bac où là, on assiste à des scènes. Mais franchement, enfin, elle a rajeuni. Elle m'a fait penser à Paz d'ailleurs. Elle m'a fait penser à Paz quand elle était jeune. Et là, elle a rajeuni. Elle fait des photos, des shootings. Sauf que personne n'en veut, elle rate, elle casse tout chez elle. Alain Chabat, il est complètement amorphe, c'est-à-dire que plus rien ne l'affecte, plus rien ne le touche. Il est complètement. Il est dans sa forêt, il a acheté un chien, il est dans sa forêt, il fait des trucs. Il va pêcher, il va des trucs. Oui, Lefty, c'est clairement très inspiré de Robocop. Et donc, il emmène à l'asile. Ça va plus loin que Robocop. C'est un peu plus loin que Robocop, je suis bien d'accord. Il emmène à l'asile la femme. Avec sa turbo-top, il tire le mec. Il tire beaucoup. Il tire des fourmis. C'est un peu sage quand même dans Robocop de Verhoeven. C'est vrai. Là, c'est un mec qui tire avec sa grosse top électronique. Écoutez, ça finit dans l'asile. Ça finit dans l'asile où t'as la jeune femme, enfin la vieille qui est devenue jeune, qui en fait se casse un verre pour voir s'il y a des fourmis qui sortent de son corps. Elle se ouvre la main. Et il y a effectivement des fourmis qui sortent de son corps. Et là, elle regarde la photo de son mari et le miroir et elle lui dit « Est-ce que tu te rends compte? Tu te rends compte ?» Et là, t'as un Chabat de dos avec son chien. Son chien, il est à la pêche. Il est comme ça avec sa canne à pêche. Et là, il dit « Oui, je me rends compte. » Et fin, clap de fin, rentrez chez vous. C'était incroyablement vrai. Incroyable, incroyable mais vrai. Voilà. C'était le film. C'est 1h10 pour ça. Voilà, bon, passe-moi le micro. Bien, bon, maintenant que vous avez eu le résumé, alors Ido, je vais te faire découvrir 2 films ce soir, après. Quoi? Oui, parce que moi je veux que tu me résumes Nymphomaniac de Lars von Trier. Jamais je le vois. Et L'Amant de Jean-Jacques Hano. Tu l'as vu, L'Amant? Non, tu l'as pas vu. Et bah tu nous feras, je veux que tu dises devant la France que tu vas nous résumer L'Amant de Jean-Jacques Hano avec les vrais termes employés dans le film, évidemment. Bah non. Ah vraiment? C'est quoi comme terme? Je veux qu'on soit au plus proche des personnages. Ça dépend. Bien, bah écoutez, moi j'ai vu le film également, incroyable mais vrai. Comme d'habitude avec Dupieux. C'est pas que j'aime pas ce qu'il fait. C'est que ce qu'il fait, son cinéma entre guillemets, pour moi, c'est des vidéos YouTube. C'est vraiment, c'est du YouTube. Tu vois la même chose sur YouTube. Le film, tu le rétrécis très facilement. Le film, il dure 1h10. En vérité, il tenait en un quart d'heure. C'est une blague d'un quart d'heure. Ou 2 blagues, si vous voulez. Ça aurait été beaucoup plus digeste en vidéo YouTube et on se serait pas senti arnaqué pour 13 euros. Parce que là, vraiment, la réalisation, enfin, c'est du YouTube, quoi.
C'est une immense blague. Après, les mecs me font marrer, tout le monde joue bien. C'est bon enfant, quoi. C'est marrant. C'est marrant. Mais est-ce que ça vaut 13 balles? Je suis pas sûr. Ah non, c'est ça le problème. Alors maintenant, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez que Ido. Est-ce qu'on fait la critique du daim? Le daim, c'est pire. Est-ce qu'on fait la critique du daim ou pas? Ou est-ce qu'on relance Fort Boyard? Vous voulez quoi? Le daim, c'est pire. Vous voulez qu'on invite quelqu'un ou qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête tout? 30 minutes pour le résumé. Mais écoutez, ça m'a paru beaucoup plus long, mais comme le film d'ailleurs. Et c'est ça qui est paradoxal avec les Dupieux, c'est que c'est des films très courts à chaque fois. Ça fait 1h10, 1h15. Et pendant une demi-heure, c'est interminable, t'as l'impression qu'il s'est déjà écoulé une heure, et arrivé à la fin du film, tu te dis, mais c'est tout. Est-ce que t'as pas dit le scandale à la fin du film? Parce que pour moi, le film, il commence presque à la fin. Quand la nana, elle a rajeuni et qu'elle est devenue complètement tarée. Enfin, en fait, on dirait un épisode de la quatrième dimension, mais alors le mec, à la fin, il se permet de faire un clip musical de 5 minutes. Alors que le film, il dure 1h15. 10 minutes. 5 minutes, c'est genre. Ouais, non, mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. Enfin, c'est Dupieux, quoi. Pour moi, ce mec est un escroc, mais un escroc sympathique. C'est les peut-être. Les escrocs sont souvent sympathiques. Hein. Bah, je pense que ce mec, c'est peut-être le plus grand escroc avec Abdelatif Kechiche, mais dans un autre genre. Parce qu'en fait, il se fout vraiment de la gueule du monde, Dupieux. Et le pire, c'est que ça passe à Cannes à chaque fois. Et ça passe à Cannes, ça se touche la nouille. Faut que j'aille voir les critiques en fait. Ça se touche la nouille électronique. Mais ça se touche la nouille électronique, absolument, tu l'as très bien. Tu vois, t'aurais pu employer ce genre de terme, pourquoi pas. Alors, incroyable mais vrai, les critiques sur Allociné. Attends, je vais lire ça. Je vais juste lire les critiques. Je suis sûr que c'est génial. C'est le film. Attends, je pense qu'on va se marrer. Il a touché du doigt. T'aurais mis combien objectivement à ce film? Mais 1 sur 10. Tu mets pas 1 sur 10? Mais largement. C'est dur quand même, 1 sur 10. Ah, je mets 2 pour un Shabbat. Voilà. Ah, moi en fait ça dépend. Non, si non, je mets 2 pour un Shabbat. À la télé ou sur Netflix, moi je mets 4-5 sur 10 parce que c'est rigolo. Non. Au cinéma, le film il perd au moins 2 points parce que c'est un scandale. On s'est encore fait entuber. Alors attention, je vais lire un florilège des critiques presse pro. Ah, pro? Ah oui, oui. Ça m'intéresse pas les critiques des spectateurs. Non, je vais voir ce qu'ont dit les professionnels. Alors, L'Humanité par Sophie Joubert. Que les inconditionnels de Quentin Dupieux se rassurent, le sale gosse du cinéma français ne s'est pas assagi et continue de casser ses jouets. La morale, en accéléré de ce film qui ose tout, forme et fond, ressemble à un réjouissant feu de joie. Ensuite, évidemment, elle a mis 5 sur 5. Voici 5 sur 5, note maximale. Quoi? Attention, une fable existentielle surréaliste. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non mais écoute, idiot, prends des notes. Une fable existentielle surréaliste, doublée en filigrane d'une ceinture sociale sur la vanité qui mène à la folie. Eh oui, la vanité qui mène à la folie. C'est pas du tout un thème qu'on n'a pas vu 150 000 fois. Et surtout qu'on l'a pas vu mieux traité 500 000 fois. C'est ça le problème, c'est le traitement, l'exécution. Mais moi je vais vous dire, il y a un épisode, attendez. Dans la troisième saison de la quatrième dimension. Allez, c'est bon. J'ai oublié le nom de l'épisode, mais dans la troisième saison de la quatrième dimension, The Twilight Zone. Ça s'appelle la nouille électronique, l'épisode en question. Ça s'appelle la nouille électronique, absolument. Non mais t'as une histoire, tu sais, de deux vieux qui vont voir un mec qui permet aux gens de transférer leur âme dans un corps jeune. Et c'est 10 fois mieux, ça dure 20 minutes, c'est 10 fois mieux que le film. Ouais. Ensuite, 20 minutes, a mis 4 sur 5 de Caroline Lévier. Il dure pas 20 minutes le film. Non mais c'est que 20 minutes le site. Oh mais ça existe encore ce truc. Bah oui, ça existe encore. Ils portent mal leur nom. Tu sais pourquoi ça existe encore? Non. C'est parce que tu sais, ils distribuent ce truc de merde dans le métro. Et les gens, c'est faux, plutôt que de jeter les journaux, en fait, ils s'en servent comme provision pour se torcher le cul. C'est avec le prix des papiers qui augmente. Mais c'est ça le problème, c'est qu'après, ils le gardent chez eux et ça fait le succès du magazine. C'est qu'on n'a jamais retrouvé un 20 minutes à la poubelle, on se torche le cul avec. Donc, elle écrit Caroline. Incroyable, mais vrai, témoigne de l'esprit bouillonnant de son auteur. Mais qu'est-ce que l'esprit de bouillonnant? Esprit fou, oui. Voyage dans le temps et technologie japonaise un peu particulière sont au menu d'une comédie foutraque et réjouissante capable de faire autant de bien au moral qu'au zygomatique. Mais je suis parti démoralisé de ce film. Je suis rentré plein d'espoir. Mais c'est vrai que moi aussi j'étais déprimé en sortant. J'étais déprimé, j'ai dit c'est quoi ce film? Ce qui me fait marrer, c'est que c'est des nanas là qui. Alors attends. Oui, bah on a un mec qui s'appelle Michel. Il a mis combien, Michel? 4 sur 5. Oh, bah, c'est bon, Michel, c'est pas. Alors Michel, il nous dit: deux couples sont confrontés, l'un à une acquisition immobilière surréaliste et l'autre à une invention technologique inimaginable. Lui non plus, il n'ose pas dire que c'est une bite électronique. Et pourtant, toutes deux cinématographiquement vraisemblables. Voilà. Ensuite, CNews. Alors CNews, tu veux l'avis de Chloé de CNews? Oui, bien sûr. Alors Chloé, elle dit: le cinéaste signe une fable déjantée et nostalgique.
à la fois ancré dans la réalité absurde, comme à son habitude, où tout sonne juste. Mais qu'est-ce que c'est? Alors là, attends, parce que là, attention, on a du niveau. Parce que là, bon, j'avoue, c'est news, 20 minutes, voici, personne n'est prend ça. Par contre, voilà, mais nous, un truc... Du lourd. Les cahiers du cinéma. Ah. Moi, j'étais abonné à une époque, 4 sur 5, par Hervé Aubron, qui écrit « Telle est la beauté singulière d'Incroyable mais vrai. Non pas investir les codes bourgeois et conjugaux sur un mode satirique ou sociologique, mais toujours de manière plastique, sur le plan des figures, comme une esthétique, un mode de perception, dont l'attrait repose sur des impasses, des dérèglements ou des cécités. » Voilà. Tu sens que le mec là... Ils ont vu le mec. Mais en fait, le problème de ces mecs, c'est qu'ils ont, fait tellement d'études, tu vois, ils ont appris à bien écrire, bien s'exprimer, ils ont un bon vocabulaire, et après, ils voient des bouses sur bouses, et ils se disent « qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Faut quand même que j'écrive un beau papier. Faut faire rêver les gens, parce que, après, in fine, faut qu'ils vendent des magazines. Oui. Ils peuvent pas dire « tout est de la merde », donc faut sauver des trucs. Bon, là, c'est tombé sur ce film, il y a eu 4 sur 5. Et du coup, on a une belle prose. C'est ça qu'il faut retenir. Peut-être que le film était merdique, peut-être que toi, tu mets 1/10, mais ça, Hervé, il a écrit un beau truc, Regarde, un mode de perception dont l'attrait repose sur des impasses, des dérèglements ou des cécités, ça me fait plaisir. On a le magazine Elle, Françoise Delbecq, elle dit une comédie déjantée, efficace, incroyable et vraie. Au moins elle se fait pas chier, c'est une gonzasse, on comprend, c'est normal. Oula, attention, France Info Culture, ça m'intéresse pas beaucoup. France Info. Jackie, oh il s'appelle, regarde Jackie. Jackie Bornet. Surréaliste, teinté d'absurde, incroyable mais vrai. Enchantera les amateurs de paraboles fantastiques. Il renoue avec les contes moraux de la tradition littéraire dans une actualisation toute contemporaine, magique. C'est magique. Le Figaro, le Monde, tout le monde a aimé. Hein. Mais Faust a fait largement une pièce de théâtre. Mes préférés, les Inrecuptibles. Il manque jamais une occasion de me faire marrer. Ils ont mis 4 sur 5, dont un problème est vrai. Il y a certes un MacGuffin paranormal, mais ce que l'on remarque le plus, et c'est sans doute la première fois dans la filmographie de Dupieux, une bite électronique. Non, je déconne, en fait, il a écrit cette normalité. Ah, parce que il s'appelle les Arocs, j'aurais aimé un truc, ça finisse en mode un peu rock'n'roll, ben non, il finit en toute normalité. Libération, ont adoré, Marianne monde, aussi, Marie-Claire. Attends, je descends. On est les seuls à pas aimer ce film ou quoi? Ah, West France n'a pas aimé. Ah. Il y a que deux critiques qui n'ont pas aimé en pro, Première et West France. Incroyable mais vrai est une galerie de personnages binaires avec un humour qui s'essouffle rapidement. Et Première écrit en multipliant ainsi les possibilités de son idée-concept, Dupieux n'est soudain plus à la hauteur, et l'aspect pseudo-cool de son cinéma se retrouve soudain mis à nu pour n'en révéler que la part grossière, une bête électronique. Non, je déconne, ils l'ont pas écrit. Bah, c'est vraiment dommage, tu as des mini-mecs. Bref. Écoutez... Unanime, c'est un chef-d'œuvre. Non, mais ça m'étonne pas. C'est Unanime, c'est un chef-d'œuvre. C'est une bobo française qui se pignole sur... sur ça fait des années qu'il se pignole sur Dupieux. Bon, du coup, vous voulez quoi? Est-ce qu'on relance Fort Boyard? Il faut relancer Fort Boyard, parce que moi, il faut me... Tu veux ta dose de Fort Boyard avant le dain? Je veux ma dose de Fort Boyard. Bon, je repasse le micro à Ideo. Tiens, tu es garant du micro. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, non. On prend deux manettes ou on prend une? On en prend une, attends. Entends le Boyard Party ou... C'est l'espèce d'un plateau de jeu à la Mario Party. On rentend ça. Ouais, on rentend en difficile. Allez. Moyen. Quoi? Comment c'était, ça, moyen? C'était long, là, une heure, non? Non. Allez. Quoi, non? Oula. C'est bon. Bon, là, on reprend la blonde, etc., mais on s'en fiche avec les photographes. Et tu vois, par contre, le dain, bizarrement... Ah non, il n'y a pas de dain bizarrement, non. Le dain, c'est pire que ça. Hein. Ben, mais bizarrement... C'est le même niveau, voire pire. Hein. Je vais le dire maintenant, je l'ai trouvé plus acceptable qu'un croix. Quoi? Il est plus acceptable. Non. Je vais dire pourquoi. Il est inacceptable. Je vais l'expliquer là-dessus. Parce que tu l'as vu sur Netflix gratuitement, voilà, pour qu'elle est acceptable. Pour aucune autre raison, parce que sinon, je comprends pas. Mais tu vois, en fait, son cinéma s'inscrit là-dedans, pour moi. C'est des trucs sympas quand t'as... Idéalement, il faudrait que ça soit gratuit. C'est bien, c'est toi. Hein. Ça serait gratuit sur YouTube, là, je dirais, allez, ok, c'est marrant. C'est moi, là? Oui. La catapulte, hein. Il n'y avait pas ça avant, c'est quoi ça? Si, Motion Gaming. Ah oui, d'accord. Mon Dieu. Commence comme ça? Mais monte. Mais, attends, mais monte. Mais où était l'intro? Comment on fait pour éviter les mouettes? Bah, tu les évites, hein. Tu te les prends pas, quoi. Attends. Oh putain! Et on n'a pas dit que le chat est mort dans le film, d'ailleurs. Incroyable. Ah, non, je t'en fiche pas. Il meurt le chat? Il meurt le chat. Si, il meurt le chat. Ah bon? Bah oui, il y a sa tombe à Chamba. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est dans la séquence à la fin, là, le clip musical de fin. C'est terrible. Oh, mon Dieu, ça commence mal. Dans l'eau. Mais dans l'eau. De l'eau.
Et vous, les mecs, est-ce que vous avez aimé Incroyable Mais est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce que vous... Bah, si vous l'avez vu, évidemment, je vous demande si vous avez vu. Vous fiez pas uniquement au résumé d'Idéo, qui était certes merveilleux, mais... Qui a vu le film et qu'en avez-vous pensé? Ah oui. Absolument, c'est Dupieux qui a développé les épreuves là. Non ! Là, c'est catastrophique. On a deux clés. Non, mais on était au courant de comment ça marchait. On a deux clés. Pourquoi on commence avec ça ? Ben oui. Ah, la ketchuperie, c'est une nouvelle épreuve ça. Quand par hasard, c'est toi qui vas la faire, la ketchuperie. Bon, bah, personne n'a vu le film, j'ai l'impression. Merci. Est-ce que ça marche vraiment les films de Dupieux ? J'ai pas l'impression, hein. Il y a des gens là par contre qui m'ont écrit le din 21 sur 20. Non. Ah bah écoute. Non. Je te lis le chat moi. Mais est-ce que ça marche les films de Dupieux? Moi je comprends pas comment il fait encore des films. Oh, parce que le truc c'est qu'à chaque fois il se démerde pour avoir des bons castings, il y a des bons acteurs. Ça c'est vrai. Ça pour le coup je suis d'accord. Parce que les acteurs dans ces films ils sont bons. Ouais, les acteurs sont bien. Qu'est-ce que je dois faire hein? Ils ont l'air de s'éclater pour le coup. Bah, il faut que tu te déplaces à gauche. Ah oui d'accord. Regarde-moi cette animation là. Mais comment tu fais pour pas tomber hein? Ah, peut-être au retour. Mais vas-y vite! Je comprends rien! Mais dépêche-toi! C'est super dur! Mais comment ça, c'est super dur? Avance! Faut alterner les gâchettes! J'alterne! Regarde! Une, deux. Allez, ah hop. Ouais? Là, faut prendre là. Des tomates. Prends-en trois. Tu vas faire ton petit marché. Ah, faut mettre 20! Faut mettre 20 tomates! Ah oui! Non, mais c'est impossible! Bah, faut se dépêcher. Mais c'est impossible! Non, et c'est impossible. C'est impossible. Reste appuyé sur R2 et après reste appuyé. Ah oui, d'accord. Oh, tu vas tomber. Qu'est-ce qui se passe? Ne tombe pas. Attends, c'est absolument impossible. Qu'est-ce qu'elle fout cette conne? Mais qu'est-ce que tu fais? Attends, pourquoi c'est saccadé? Je fais le max. Mais pourquoi c'est saccadé? Je jure, je sais pas. Regarde. J'appuie sur R2. Regarde. Mais c'est saccadé de fou. Ça marche pas. Mais ça marche pas. Attends, me dis, c'est bon là, on a 20 tomates, c'est bon. Ah non, on peut pas. Mais ramasse les tomates par terre. Il y a des tomates par terre. On n'aura jamais le temps. Mais c'est quoi? Ils sont pas sérieux. 20 tomates. Ils sont pas sérieux. Mais c'est pas possible. Je peux pas aller plus vite. On joue qui là? Je peux pas aller plus vite. On joue nos potées, c'est pas possible. Elle a un problème de bassin, de coccyx. C'est incroyable, mais vrai, mais le personnage n'avance pas. Je fais ce que je peux là. Je fais le max, regarde, j'appuie sur tous les coups. Elle a pas de bassin électronique, ça zone. Attends, j'ai trouvé un truc. Mais qu'est-ce que ça... Mais, t'as fait une petite accélération, bah oui, là. Mais ça marche plus. Oh là là, mon Dieu. On s'est mis en hard. Oui, ah c'est non, vrai. C'est vrai qu'on s'est mis en hard. Attends. Oh, j'ai trouvé. T'as trouvé? Non, tu as tombé. Merde. La catastrophe. Sombre conne. Oh, mon Dieu. Oh, putain. C'est Phantom Pain, c'est Paz. Attends, ils ont fait un effort de texture. Ouais, ils ont fait un effort de texture. Même Venom Snake n'était pas aussi mieux modélisé. C'est ça la nouveauté. En fait, il faut alterner comme ça, regarde. Oui, c'est pour le faire rapidement, regarde. Quoi. Oui. Ah ouais, mais si j'avais su au début. Et oui. Maintenant, j'ai compris. Attention, là. Avec les flèches, attention. Ouais, hein. J'ai compris. Non, t'as pas compris. Si, mais comment on fait? C'est avec le stick gauche, c'est pas avec la manette. Oh, merde. Et oui, oh. Et tout à l'heure, avec les anneaux. Mais c'était... oui, c'était pas pareil, je suis d'accord. Comment tu veux que je sache? Ben, je sais pas. Non mais là c'est fini. Par contre ce qui serait énorme c'est qu'elle garde cette texture tout le jeu. Je suis d'accord. Malheureusement est-ce non. Est-ce qu'ils vont faire l'effort à mon avis? On va faire sa petite douche. Voilà, mais si t'avais su ça dès le départ on serait pas là. Abandonne, sors. On a zéro clé. On a tout raté. On a 3-0 clés sur 7. Si on n'a pas toutes les clés d'ici la fin. Bah... blanche après. C'est tout. Ça va être chaud. Ah ouais, mais là. Écoute, au moins. L'ambiance est morose. Oui, mais personne n'est en prison. Oui. Mais. Par contre, la texture a disparu, c'est ce que je pensais. Il y avait une petite douche à la sortie. Fallait pas trop en attendre. Allez, c'est quoi les épreuves? Ah, mais du coup, il y a quand même d'autres épreuves là. Mais il y était celle-là. Oui, par rapport à tout à l'heure. Ouais. Parce que par rapport à l'autre jeu, non, je pense pas. Non, je veux dire, heureusement, ça alterne un tout petit peu. Oui, bah, oh, encore heureux. Attends, on est déjà appelé par rouge? Ah bah oui, mais c'est que là, elle est pas contente. Ah oui, effectivement. Bah attends, pourquoi là cet accent? Bah en soi. Elle a vraiment les yeux rouges comme ça? Dans le jeu, oui. Dans le film, dans la vraie vie, oui. Ok. Dans la vraie vie, elle a les yeux rouges. Ah, je crois que c'est toi le marteau. Non, c'est moi.
Mais le marteau, j'y connais rien au marteau. Allez, Rachida. Sors tes muscles. Et s'il te plaît, ne nous montre pas ta grosse bite électronique. N'importe quoi. Quoi ? Quoi ? Mais frappe ! Il s'est passé quoi ? Frappe ? Pas trop fort, pas trop fort, pas trop fort, mais pas trop fort, pas trop fort. Un tout petit peu, un tout petit coup. Voilà. Voilà, elle est là à fond. Non, non, non. Mais si, à fond ! J'ai pas assez de force ! Mais à fond ! J'ai pas assez de force ! On a pas le choix ! On a pas le choix, sinon on est mort. Magnifique. Je t'avais dit que j'avais pas assez de force. Bon. Je t'avais dit ! Maintenant tu peux le faire. Maintenant tu peux le faire. Faut vraiment. Mes conseils, c'est frapper tout doucement, tout du long. Voilà, c'est faire ça. C'est exactement faire ça. Tout du long. Vas-y. Voilà ce que je veux faire. Regarde. Il a compris l'entourloupe, Big Boo. Ah, il a compris l'entourloupe. Il a compris l'entourloupe. Ah, elle est pas complètement conne. Allez. Un petit coup. Ouais, t'inquiète. Il va s'auto-baiser. Regarde, il a compris, il va faire un petit coup. Non, t'inquiète. Il essaie de nous. Voilà. Bon. Voilà, et là, c'est maintenant. Là, c'est maintenant. Le coup final. Là, c'est maintenant, le coup final. Allez. 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 Le Jean-Ki d'Ava. Allez. Le Jean-Ki d'Ava. Voilà. On a compris l'IA. On l'a retourné, l'IA. C'est fini. On les a eus, c'est bon. On se fera plus avoir par Big Boo. C'est ridicule. Professionnel avant toute chose. Nous, on comprend l'IA. Allez. Un petit coup. Un petit coup, et puis ils sont. Est-ce que t'as envie de voir le film de Mr Bean avec l'abeille? Non. T'as pas envie de voir? Ah non. Je pense pas que ça soit. Je n'en ai rien à foutre. Mais alors rien. Zéro. Vas-y. C'est quoi le dernier film de Mr Bean que t'as vu? Johnny English. Mr Bean. Comment il s'appelle l'acteur? Mr Bean. Toute ma vie, je l'appelais Mr Bean, ce mec. Ah là, on y va. Oh, magnifique. On l'a bien coincé. C'est le mind game. Bien joué. Allez, une clé. Bien joué, Idéo. Merci. Là, ça me fait plaisir. Donc, comment il s'appelle, Mr Bean? J'en sais rien. Robin Aspington Bounce, non? Non, mais c'est pas. Dans l'idée, ça. C'est ça, non? Tu as les initiales. Ah ouais? C'est bien R.A. Elle a dit Robin Atkin pour moi. Non, Rowan. Rowan? Rowan. Non, Juan. C'est pas espagnol. Rowan, comme Obi-Wan, mais c'est Rowan. Rowan? Rowan Atkinson. D'accord. Eh ben, Rowan Atkinson. Bah, je préfère l'appeler Robin Atkinson. Atkin Jones. Oula, c'est quoi cette phrase? Oula. Attends. C'est qui ça? Plusieurs fois, elle touche plus vite. Attends. Ah, faut être le plus rapide. Ah, c'est comme Shenmue. C'est Shenmue! C'est Shenmue! Le QT de Shenmue. Ouais. Ah bon? Mais quelle énergie. Bien joué, mais je comprends faut pas. Faut spam. Ah, d'accord. Et attention à ton énergie en bas, oh. D'accord. Mais... Voilà. Tu peux plus frapper. C'est bon. Non. Tu peux plus frapper. Okay. Ta barre est rouge. D'accord. Oh la vache. Mais oui. Mais c'est super dur. Ne frappe pas, ne bourrine pas. Mais comment elle fait pour avoir autant d'énergie l'autre? Oh non, il reste encore beaucoup d'énergie. Oh. Le grand Guédester. C'est impossible. Oh. Il se fout de ma gueule là. On a perdu le gros Dédé. Mais tiens, on a qu'une clé sur 7. Quoi? Il y a que deux épreuves. Attendez, on a fait que deux épreuves là. Je ne suis pas en prison, monsieur. Ouais, mais on a qu'une clé sur 7, c'est catastrophique ce qui se passe là. L'épreuve des Stranding. Ça, je le connais celle-là. Ça, normalement, j'ai 20 sur 20. Allez, on y va. 2, moi j'y vais avec 2. Allez. Moi ça on la connaît maintenant, c'est facile, tu m'as vu jouer. Vous avez la réponse. Ah oui mais il y en a deux. Quoi? Ah oui d'accord, ça c'est pas mal ça. Ah oui c'est ça le mode difficile, mais qu'est-ce que tu fous Idéo? Oh là 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 là. Regarde ce que je fais. Ah pas mal ça. Tu es Sam Porter. Sam Porter. Mais c'est catastrophique hein. Moi j'aime beaucoup Sam Porter. Sam Porter. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fout Sam Porter? Sam Porter! Tu portes plus rien! C'est Death Stranding 2 avec la ferme. Alors, il faut que 4 valises. On va sur la lune, les mecs, à la fin de cette mission. Amélie nous attend sur la grève. Quoi? Je me dis pas que je vais me faire. Je vais pas en prison là-haut! Mais non! Mais triangle, c'est trop tard! Mais quoi? Bah, c'est trop tard, t'as appuyé?
T'as appuyé ? Mais dis pas que j'en prie. Ah, t'as... Oh. Mais on a zéro clé, mais c'est catastrophique. C'était un mauvais sample. Ah oui, c'était un mauvais sample. Oh là là. Et vous, c'est mon jeu préféré. C'est mon personnage préféré, sample. Ça te rappelle des souvenirs? Oui, ça me rappelle des souvenirs. Bon, salut, c'est... Moi, je suis content qu'il nous ait fait un petit clin d'œil avec les néons. C'est vrai, qu'il y a... mais il n'y a pas de néons bleus, il y a des néons verts. C'est une référence. Oh, mais c'est toujours les mêmes. On n'a eu qu'une nouvelle épreuve, alors qu'il y en a 30. Oh, c'est chiant, vraiment. Je comprends pas. Bon, on a une clé. Attends, mais il faut que 6 clés, pas 9. Oui. Ah, bah ça, c'est parce une parce nouvelle. Parce que c'est en moyen, parce qu'on est en moyen. Moi, je te dis, attends qu'on finit pas en prison. Oui, bah écoute. Hein. C'est une façon de voir les choses. Oh non, j'aime pas cette épreuve. Mais. Faut pas tomber. En plus, j'ai plus trop ce qu'il faut faire. Faut pas tomber. Bon, allez, go. On active le siège. Allez, hop. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là. Vas-y. C'est tout? Mais c'est quoi? Mais c'est vachement plus dur. Mais c'est tout? T'as pas le temps de. Oh, mais gars. C'est pas possible. J'ai une pièce! Oh là là. Le truc. Mais c'est un enfer! Mais c'est impossible, ah non, là. En mode difficile, c'est impossible. Foutu, là. Attends, oh. L'écart de niveau entre les deux modes. Le pire, c'est qu'il y a encore un mode supplémentaire après ça. Oui. Ils sont fous. Mais regarde! Mais non, mais là, c'est, tu fais exprès. Mais là, non, t'avais mais largement. Oh, c'est pas mal, mais bon. T'aurais pu avoir beaucoup mieux, là. J'ai le temps encore, j'ai là, le temps. Là, t'as le temps. Franchement, si tu réussis le prochain coup, tu peux le faire. C'est sûr. Mais faut faire un carton plein, là, sans faute. Là. Allez. Tu me renverses ce verre. C'est quoi ces bruitages de l'enfer hein. Tu me mets. À ras bord, je veux le verre. Ils ont utilisé. Comme tu me fais un méga pint de pièces. Méga pint. Pense méga pint. Voilà. Pense Gérard, pense GG. On dirait qu'ils ont utilisé les trucs de pochette surprise pour faire les bruitages, là. C'est possible. Allez. Oh les trolls. Quoi oh, non, mais tu peux la. Bah non, tu peux mettre mort. Ton. C'est mort. J'appuie sur triangle. Oh là là. Mais on a zéro clé. Ah, allez, on y va. Moi, je passe les scènes. C'est bon, c'est fini. Encore. Mais c'est pas maintenant le restaurant. C'est au niveau des indices. Ils ont complètement fait n'importe quoi. Ça n'a aucun sens, ce jeu. Qu'est-ce qu'on va nous donner à manger? Des araignées? Des. On va nous donner des choses électroniques à manger? Des nouilles électroniques? Ah, des cafards. Il m'a l'air absolument insupportable cet acteur. Des maquis aux yeux de poisson. Ah, je vois un petit coup de. Je mangerai ça vraiment. Franchement. Dans le cadre de l'épreuve. Alors, un cadre de l'épreuve, oui. Bon, tu maîtrisais tout à l'heure, t'as compris. Non, je comprends si, toujours si, pas. Si, faut. Regarde, en fait, en gros, vas-y, prends de l'eau. En gros, faut finir le plat. Tu vois la jauge du plat? Oui, bah faut ça, finir. Oui. Faut finir le plat. Et faut en manger 4 en tout. Je pense que tu peux encore en prendre un, non? Non. Là, c'est bien, bon. C'est bien. Allez, cervelle. Maintenant, le steak, allez. Ah, c'est pas un steak, c'est une cervelle. Mais t'es complètement dingue. Ça t'as pas à voir la différence. Ça ressemble à un steak. Mais toi, tu manges quoi? Peut te faire tout manger, toi. Peut te faire tout gober. Moi, je serais curieux de tester quand même la cervelle. Ah ouais? Comme ouais. Ça, là, cru. Pas. Avec une bonne salade de fourmis à côté. Ah oui, effectivement, les fourmis. Ça, par contre, je voudrais vraiment qu'on le fasse avec l'équipe. Manger un, oui, d'accord. Et manger des insectes. Non. Ah si, on fait un défi, on mange des insectes, les mecs. Mais dans le cadre de Fort Boyard, moi, je vais gagner des trucs pour faire je ça. Je te dis particulièrement, je veux goûter la salade de sauterelle. Ah, c'est quoi cette histoire? C'est pas mal, petite sauterelle. Il paraît que c'est un goût un peu caramélisé. Bah, c'est un goût de friture, quoi. Ouais, bah, c'est normal, c'est frit. C'est la petite friture, là, c'est pas mal, ça. Tu vas au Bornal, tu prends une petite friture avec de la mayonnaise. Mais c'est hyper chaud! Un petit verre de blanc et puis on n'en parle plus. Oui, on n'en parle plus, effectivement. Allez, il en reste plus qu'un. Mais j'ai mangé 3 plats ignobles, j'ai même pas gagné la pièce! Mais ah, merde. Dans la vraie vie, j'aurais pété un câble. Hein. Eh, mais c'est on n'a pas le temps en fait. Non, on n'a pas le temps. En gros, la moindre erreur, c'est plus. Mais alors attends, le mode au-dessus, c'est pas possible. C'est impossible. Surtout en mode moyen, quoi. Y a aucune... On finit avec une clé. C'est pas. Est-ce qu'une clé égale un indice? Quoi? C'est quoi le rapport avec les indices? Est-ce qu'on accède à la salle du temps? Mais pas du tout, faut les 7 clés. 6? Non, parce qu'on en a une, donc il en reste 6, mais ah ça bon, fait 7 au total. Tout, non.
Et voilà, on y retourne à chez Blanche. Ouais, bon, et ta gueule, toi. Allez, c'est parti. Allez, retour. Qu'on le foute en EHPAD. Ouais, dextérité maximale. Par contre, si ça, c'est ton épreuve. Si on perd, on va en prison. C'est ça qui est chiant. Ah oui. Allez. Mais si les quatre, on va en prison, il se passe quoi? On enchaîne, on enchaîne. Eh, mon expert, je te le fais, ça. Elle est où, la boule? Elle est où? Elle est où? Ah, non, mais oh. Elle tombe dans ta main. Tu T'avais qu'à te ramasser pour la baisser, pour la ramasser. Mais tu passes subjugué par ses réflexes. Si, si. Mode A, non, je te précise. Allez, à toi, Edo. Ah oui. Je te souhaite la même réussite. Le flipper. Allez, on passe, on passe. Il faut de la réussite, on n'a plus le choix. Le flipper. Je suis comme une boule, le flipper. Attends, pourquoi il y a deux flippers? Une un seul. Non, il y a deux trucs de flipper. Ah bah oui, bah tout à l'heure, c'était pareil. Ah d'accord. Allez. Quoi? Tu sais jouer? Oui. En plus, c'est pas plus dur qu'en mode normal. Hein. Si, si, on a trois boules, on a trois boules. Mais je comprends pas, là. Oh putain, t'as eu de la... J'ai fait la mienne. T'as un bol. Monumental. Allez. Donc, tu n'as pas de réflexe, mon programme. Non. C'est maintenant que tu le découvres. T'as fait du flipper ou pas? J'arrive toujours à me sortir. Là, on parle. Merci. J'arrive toujours à m'en sortir. C'est bien joué. Rachida était contente. T'as de la chance à faire tourner en pause. Rachida était contente. Je sais pas si elle était contente parce qu'elle a gagné la clé ou elle est sortie de tôt, quoi. C'est l'épreuve que t'as lamentablement ratée. Bah, on va voir si tu vas la réussir. Bah, tu vois. Et en plus, c'est pas le même tracé là. Je vais te dire ce qu'il faut. C'est pas les mêmes trous là. Hein. C'est du doigté. Ils sont pas placés au même endroit. Il faut juste du doigté idéal. Tu comprends le doigté? Non, je comprends pas. Montre-moi ton expert. Ça a l'air quand même compliqué. Mais oui. Et où tu passes là? Par là. Ah oui, par contre, il y a un sablier, merde. Oui, il y a un sablier. Hyper chaud. Comme ceci. C'est chaud, mais t'as vraiment... T'as un doigté, t'as la finesse. T'as la finesse. Et c'est pas plus dur, là, qu'en mode hard. Hein. Si, c'est vachement plus dur. Normal, je veux dire. C'est vachement plus dur. Pareil, hein. Par contre, on a peut-être moins de temps. Peut-être. C'est ça qui est dur. Mais tu vas réussir. Ouais. Ouais. Ah, c'est bon, je maîtrise. Tu maîtrises ce gameplay. Tu maîtrises. Et ça, c'est grâce au magnifique pad PlayStation 5, ouais. Sur PlayStation 4, on pouvait pas y arriver. C'est vrai. Oh, putain. Vite! Non! Vite! Oh, bien joué, mais c'était vachement chaud, hein. Ah ouais, c'est le timer qui est chaud. Ah ouais, hein. T'avais pas le droit à l'erreur. Hein. T'as trois boules, mais t'as pas le droit à l'erreur. Hein. C'est ce qu'ils ont. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour le mode difficile. Mais. Mais vrai. C'est clair qu'en fait, si tu te plantes une fois, c'est mort, après. Tu dois réussir d'un coup. C'est quoi cette épreuve? Baliste. Touche quoi? Les trois cibles à l'aide de la catapulte. Quelle catapulte? Quelle baliste? Je sais pas, on découvre. C'est quoi cette épreuve? Oh putain! C'est quoi? Mais c'est Matrix là, on est dans la salle blanche de Matrix, de Néo. C'est quoi ces bruitages? C'est quoi ça? Je sais pas. Alors je pense qu'il faut que tu passes à travers les trucs. Ah oui, d'accord. J'ai que trois boules! Ah non, j'ai plusieurs boules. Faut toucher la cible? Allez! En plus, une! Ça va, une! Ah bah ça va, nickel! Ah bah d'accord, c'est hyper simple. C'est presque trop facile. C'est presque trop facile. Un peu stressé, mais... Eh, passe. Ah, la combinaison, c'est pour toi, ça. Montre-nous ton génie. Montre-nous tes capacités cognitives. Alors, peut-être que ça va être plus dur que tout à l'heure. Bah, ça sera plus dur parce que t'as moins. Ah, t'as même pas de timing là, t'as juste une question de chance. C'est pas de la chance. Une question d'essai, vas-y. C'est pas de la chance. C'est de la chance, faut essayer. Non, ce n'est pas de la chance. C'est de la pure logique. Après, il y a peut-être une toute petite part de chance parce qu'on a que trois essais. Donc faut quand même placer ses boules pas trop mal dès le début. C'est ce qu'on dit dans la vie, faut placer ses boules pas trop mal dès le début, sinon on finit mal. Faut bien les placer les boules, c'est toujours très important. Voilà. C'est un peu une métaphore de la vie. Je vais essayer comme ça. Alors combien on a de boules bleues qui sont correctes? Une seule. Je pense c'est... Donc, c'est celle de droite, non? Celle tout à l'heure. Une seule qui est bien. On va t'avertir avec celle-là. Attention, hein. Attends, je réfléchis. Il y a deux boules qui étaient pas bonnes. Il y en a deux qui étaient pas bonnes. Mais je vais essayer celle-là et celle-là, du coup. Bon test. On va voir. C'est rond. Ah bah, bien joué. Voilà. Bah ça, c'est du bien joué, ça.
Bon, là, j'étais de l'esprit de déduction. Un petit peu de chance. Non, mais de l'esprit de déduction. Elle a fait quoi avec ses mains, la blonde? Passe-partout, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Même dans le jeu, il se fait insulter. Il se fait crier dessus. Ah, déjà? Ah oui, on avait cyclé. Attends. T'es ah, maintenant, pour les indices. Oui. D'accord. Putain, on assure, là, finalement. Ah, c'est quoi, ça, Boyakoda? Boyard, ouais, je t'ai mis quelque chose. Ah, c'est le... Faut tourner! Faut courir dans l'espèce de truc à écureuil, là. Chope l'indice, Ido. Ah non, pas du tout. Non. C'est quoi, ce truc? Chope l'indice. Oh, mais ça aussi, s'y était dans le jeu précédent. Ah bah oui, je me rappelle. Oh, ah oui, c'est là super là. Chiant. Tu sais, faut dans le bon ordre. Ah ouais, dans le bon ordre, en plus. Et le truc, il est immaniable. Oh, c'est qui, lui? C'est ouais. Passe-partout! C'est un mec qui veut te faire chier. Mais c'est Passe-partout! Bon, fais gaffe, parce qu'on a très peu de temps. Oh là là. Oh là là. Mais pousse-toi de là. La une, elle est déjà à gauche. J'ai à gauche, vu gauche. Mais Passe-partout me bloque. Il court à gauche. Mais c'est Passe-partout, il me bloque. Vas-y, fonce. Recule. C'est bon, je l'ai eu. Recule. Vas-y. Là, la maintenant. Deux. La 2. La 2, bah oui, la 2. Mais pas là, alors. Mais c'est l'une après l'autre. Non, non, à gauche. La 3, elle est là. Ah oui. Je me rappelle. Ça va, t'as encore le temps. Mais bien, c'est bien, quoi? Bien. Oh, t'as suré de haut. Allez, la quatrième. La dimension. Et la cinquième, c'est juste après, c'est bon. Oh, on est bon, là, franchement, magnifique. Ouais, comme par hasard, il s'est mis devant. Fais gaffe à ce petit enfoiré, vas-y, fonce. Bien joué. Il nous joue des tours. On bien a joué. Et il me rentre dedans, encore. Il fait ça avec le dos, t'as vu? Magnifique. Ils ont fait un effort sur l'animation des mains de Passe-partout. Ah, mais t'as toujours Excalibur, c'est pas possible, toi. Encore? Oui. Ah là, ça va être chaud. Pourquoi? On est en mode hard. Donc, ouais, t'as moins de temps. Plus de fois. Plus de fois et moins de temps. Ouais. Il faut sortir cette putain d'épée. C'est plus chaud pour la sortir. Allez. C'est bon, ça je maîtrise. Allez, vas-y, bientôt. On y est presque. Mais presque, on y est presque, t'as même pas sorti l'épée. On y est presque. T'as même pas sorti l'épée encore. C'est bon. Parce que j'appelle presque. Ne me déconcentre pas, Ideo. Allez, plante-nous ce truc là. Ça commence très mal. Non, t'as frappé au milieu, c'est bien. Oui, mais il faut que je mette de la puissance. Oh, bah là c'est pas bon. Hein. Bon, bah j'ai plutôt frappé à gauche. C'est vachement plus rapide là. Ah, c'est pas mal, c'est bon. T'as frappé au bon endroit, c'est pas mal. Là c'est bien aussi. Encore un coup. Hey, attends, t'as plus le droit là. Non, DG. Merde. Allez, vas-y, tente. Non, c'est la prison sinon. On s'en fout, tu peux partir après. Mais non, je veux tu pas peux sortir de prison. Oh non, je vais pas me faire chier à faire ce mini-game de merde. Méga gaff, allez. Méga tof. Bah du coup, on a méga raté tough, ouais, méga tof. Oh putain, celui-là, il est dur, il est au fait gaffe. Ben, en plus, en mode difficile, j'aurai moins le temps. Il y a plus de pièces. Ah ouais, d'accord. Allez, courage. C'est de la dextérité, c'est du doigté, Ideo. Ouais. Vas-y, bien, c'est bien, ça commence bien. Voilà, ferme. J'ai une expertise dans les revers. Peut-être même dans les revers. Bord d'un coup, putain. T'inquiète. C'est on prévu. On a pas beaucoup de temps, Ideo. C'est prévu. T'as déjà perdu du temps, moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Avance. De sur place, je fais de sur place. Avance, bien, c'est bien. C'est. Bien. Moins bien. Tu sais ce qui ça me fait Non mais je sais pas jouer. Ça me fait penser à un truc. Oui d'accord, mais est-ce qu'on a le temps? Oh, oh putain de merde. Oh, est-ce qu'on a le temps de discuter? C'est le Green Goblin. Concentre-toi. C'est le bouffon vert Spider-Man. Allez. Je m'entraîne pour devenir le bouffon vert. Allez, bien. Comment bien, il s'appelait? Allez, putain. Comment il s'appelait l'acteur? Avance. Oh, Harrison Ford là, comment il s'appelait? Pas dans son slide. Le fils de William Dafoe là. James Franco. Voilà. Je joue James Franco. D'accord, la dernière pièce. Et après la clé. Non. On est mort. Je peux pas abandonner. Et oui, c'est mort. C'est la prison? Non. Pourquoi c'est pas la prison? C'est la bonne question. Parce qu'il est en plein air. Oh non, pas ça. Bah, le safari, tu connais. Mais attends, on a un seul indice? Oui. Bon. On a un seul indice, mais on n'a pas de temps perdu. Oh, il y a trois tigres. Il y a trois tigres. Ils ont l'air assez dociles. Gentil les tigres, gentil. Putain. C'est comme les chats. Gentil. C'est comme les chats.
Et que c'est pathétique, ces animations. Non, je ne voulais pas vous taper, messieurs les dits. Oh, suis votre pote, je suis votre pote. Laissez-moi passer. Je suis votre pote. Allez, dégage. Oh, mais tu le rentres dedans. Putain. Oh là là, il a failli bouffer. Il est rentré dedans. Il a combien d'allers-retours? Voilà, je sais pas. Hein. Au moins 3. Hein. Je veux qu'il avance pas. Mais qu'est-ce que tu vises? Pardon. Allez, allez, allez. Tu penses en deux fois? Ouais, deux fois. Ouais, largement deux fois si tu rates pas. Hein. Si tu rates pas l'autre, c'est bon. On est royal, on est royal. Mais qu'est-ce que ces bruits? Dégagez, con de tigre, dégagez! Des tigres, ils font pas ça comme bruit quand ils marchent. Et on dirait des scarabées sur des feuilles. On dirait les premiers effets sonores sur, sur Atari. Mais c'est honteux, même les effets sonores, quoi. Dégage de là, du con. Eh, c'est vache, c'est chaud, hein. T'as pas le temps, là. Hein. Dépêche-toi. J'ai le temps. Putain! T'y étais! Ils sont, c'est vachement chaud, hein. Oh putain, c'est horrible. Oh, c'est chaud. C'est à cause de ce connard de tic qui m'a ralenti. Mais oui. Quoi? C'est l'épreuve du conseil, déjà. On a un indice, c'est que. Oh, là. Okay, on va pas se faire voir. Tous les deux. Oui, oui. Toi le début, moi la fin. Allez. Allez. Ok, tu t'arrêteras au. Qu'est-ce que tu fais? Mais je me mets bien. Moi, je mémorise à partir du rouge. Toi, tu les trois derniers verts, tu te rappelles? Non, les donc, premiers. Rouge, moi, à partir du rouge, rouge, bleu, vert. Ok. Vert, bleu, vert, vert. Rouge, bleu, vert, bleu, vert, vert. Vert, rouge, bleu, vert, vert, vert. Vert, rouge, bleu. Vert, rouge, bleu. Vert, rouge, bleu. Rouge, bleu, vert, bleu, vert, vert. Vert? Ouais. Vert! C'est bon! C'est rond pour valider, c'est fumier! Oh bah lui, c'est bon, il s'est trompé. Il aurait échoué complet, le mec. À la fin, hein, il s'est trompé. Et bien joué, bien joué. Ça, c'est un travail d'équipe. On a gagné 15 secondes. C'est quoi ça? L'arbalète. Tiens, c'est pour toi. Au plus proche du centre que ton adversaire. Oula, ça marche comment ça? Bah, t'as plus au bon moment, quoi, ça. Ah non, c'est aussi visé. Oui, oui! Pas mal. Et j'en ai 3. T'en as 3, effectivement. Il a mis 4. Il a mis 4! Oh la vache! Laisse-le voir, mais de toute façon c'est foutu s'il fait 2. Oh ouais, il a fait un 6. Hein. Faut que tu fasses un 6, sinon t'es foutu. Hein. Tape le sang. Même avec le 6, c'est mort, je crois. Ouais, c'est foutu. Un 6, ça fait 12. Si ça fait 12, c'est fini. Oh, c'est impossible. Bon, ouais. Impossible. C'est immaniable. C'est... impossible. Complètement impossible. Je sais pas. Hein. Quoi? Mais il n'y a pas que 3, ils font quoi les deux autres? Il y a 4 mecs! Et du coup, on a un seul indice? Mais je comprends pas, ils servent à quoi les deux autres? Je sais pas, mais c'est surtout que je crois qu'on a un seul indice idéal. Tu sais quoi en fait? On aurait dû se mettre en 4 joueurs, ouais. Parce qu'on se fait à chaque fois avoir pour des épreuves qu'on n'a pas. Ah oui, c'est vrai. Et oui, mais ça le truc. C'est qu'on est 4 dans l'équipe, il n'y a que 2 qui jouent. C'est ridicule en fait. Bah ouais. Et un seul indice. Bon. Carré. Carré. Alors attends. La racine carrée. Pourquoi pas? La taupe carrée, non. L'oignon carré, non. La galerie carrée, c'est con. La racine. Attends. Racine, cercle carré, triangle, non. Racine. Terrain carré. Pour non, moi, c'est racine. Ils l'ont conjugué au féminin. C'est racine, racine pour moi. Racine carré. Allez. Suis ton intuition. On est des oufs, c'est bon. Et si, franchement, si on gagne avec un indice, on est très fort. Bon, récolte-nous le max de pognon, les deux. Allez. Et c'est peut-être encore. Moi, j'avais 10 000. J'avais 9 000. J'avais eu 150 000 boyards. Oui, effectivement. Ah, je crois que c'est pas ça. Ah si, c'est bien joué, DG. Bien joué. Allez, Rachida. Allez. Ça, pour piquer le pognon, t'es fort. Dans les caisses allez. Du parti. Allez, Rachida, dérobe tout. On peut mettre dans la culotte, peut-être. C'est pas interdit. Dans le soutien. Dans la dentelle. Attention, faut pas tomber sur ses compagnons. Faut les laisser passer, mais laissez-moi. Oh là là. Regarde, ça, l'animation de course, ils l'ont un peu amélioré, je dois le dire. Bien sûr.
Non. Pour moi, c'est exactement la même. C'est exactement la même. J'ai foutu mon briquet, c'est incroyable, à chaque fois je le perds. Il est sous toi. Non. Littéralement. Ah, ouais. Je vais faire plus que toi, je te le dis. Hein. Allez. Franchement. Allez. Franchement, on est peut-être sur un record. Sans les boyards du slip, vidéo. On est peut-être sur un record. Attention à pas le trouver le slip, quand même. T'inquiète. C'est le slip officiel de Fort Boyard, hein, pas déconner. Allez, plus vite, là. Mais je suis au max. Plus vite, Idéo. Regarde-moi cette extension de bras. Elle a vraiment... C'est une des quatre fantastiques. Remarque, elle a le costume. Elle a le costume. Oh, la petite animation. Ah, ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé. Regarde-moi comment ça dépasse Victoire Epic. Je pense qu'on a battu tous les records. Si avec ça, on n'est pas sélectionné, je sais pas... Surtout qu'on a gagné en mode hard. Et en plus. Avec un indice. Avec un indice. Alors là, chapeau. 17184. Ah oui, t'as doublé le... On a doublé le record. Bien joué. Go, go, go. Toujours plus fort. Le Gigamago. Toujours plus loin, toujours plus fort. Toutes les lignes du fort. Et je pense qu'on a débloqué le mode ultra hard. Ouais, j'espère. Oh, regarde. On a réussi qu'une épreuve. Tous les autres, c'est le truc... Est-ce que c'est possible, ça, dans le vrai jeu, tu foires tout, tu gagnes quand même. 17 000 francs. Candidat percuté. Est-ce que c'est déjà arrivé que des candidats gagnent avec un seul indice? Peut-être. Genre, t'as pas Olivier Mine qui leur souffle un truc, quand même. Peut-être. À chaque fois, le fric, il le garde pas pour eux, il le donne, c'est pour Téléthon, c'est que tous ces trucs-là. Ouais. Mais il y a une base, de toute façon, il repart toujours avec quelque chose. Maintenez la touche. Ouais, maintiens, parce que... Parce qu'à chaque fois, on se tape les crédits, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Allez, maintiens. Mais je maintiens. Ouais, maintiens. Même ça, c'est mal maintiens fait. Bien. Oh là là. Wow, qu'on a... J'ai l'impression que l'écran... Ah, on a débloqué le mode héroïque. Et on a changé l'écran fichier. Ah, je crois que tu pouvais toi-même te déplacer librement autour du fort, mais non. Mais ça, c'est un truc qui manque depuis le départ. On peut, même pas le faire, ça se déplacer librement dans le fort. Mais c'est ça qu'on veut depuis Day One. Ah oui, ils ont pas réussi, quoi. Et pas dans le fort cartoon de mes couilles. Hein. Activer les vibrations. Hein. Pas de vibrations. Bon, Idéo, je crois qu'il est l'heure maintenant de parler. Ah non, pas du din. Si, le din. Mais le din, qu'est-ce que tu veux dire sur le din? Tout le monde l'attend depuis tout à l'heure, tout le monde veut le résumer. Non, non. Tout le monde veut la critique par Idéo, c'est parti le din de Quentin Dupieux. On l'a regardé il y a 2 ou 3 heures sur Netflix. Sorti en 2019, Le Dain. Avec Jean Dujardin. Jean Dujardin, c'est la blague peut-être du film, on n'a même pas fait gaffe. Le Dain, ça commence, mais c'est... Ça commence dans la voiture de Jean Dujardin, qui en va, on ne sait où, on ne sait guère. On sent qu'il s'échappe, on sent qu'il s'enfuit, on sent qu'il part, que quelque chose le tourmente, mais on ne sait pas c'est quoi. Il s'arrête à une station essence et il enlève sa veste, il la met dans les toilettes, il tire la chasse, il donne des coups de pied, il donne des coups pour vraiment faire partir la veste. Déjà, pourquoi tirer la chasse, quoi? Pourquoi pas la jeter, la donner à quelqu'un? Non, il tire la chasse. Quel moyen bizarre de se débarrasser d'une veste. Enfin bref, ça ne marche pas, bien évidemment, sauf qu'il part, il reprend la voiture. Et là, il n'a plus de veste. On comprend que c'est l'intrigue principale du film, c'est la veste. Et là, il va voir un mec, une espèce de vieux moine perché dans une maison de campagne en solo. Et il est assis, il dit « est-ce que vous l'avez ?» Et là, le vieux dit « tout à fait, je ne l'ai pas sorti de sa boîte depuis 500 ans. Franchement, je ne l'ai pas porté, vous avez de la chance. » Et là, il sort. Il va dans une espèce de mallette, un coffre bizarre, un coffre Inca. Il sort 4000 vestes, il prend la veste de daim, la veste indien de daim avec les filaments, les ficelles qui sortent de partout. Il dit, il n'y en a aucune qui manque. Et là, Jean Dujardin dit, retournez là pour voir. Et là, il tombe des nues. Elle est en parfait état. Il dit, je vous l'achète. Il met 7 500 € sur la table. Il dit, d'accord, je ne m'attendais pas autant. Je vous offre une caméra en plus. Il part avec une caméra numérique et sa veste en daim. Il s'arrête à un hôtel. Et du coup, à cet hôtel, il dit... Il n'y a plus de fric. Il n'y a plus de fric.
effectivement, il n'a plus de fric, il a tout mis dans sa veste en daim. Il dit, écoutez, ma carte, j'ai plus de fric, ma carte est bloquée. Elle n'est pas bloquée, mais j'ai un problème avec ma banque, je vous donne l'argent demain. Il dit, bah, écoutez, moi, je ne peux pas... Donnez-moi quelque chose en valeur en échange, quoi. Il n'y a pas de souci, je vous donne ma bague en daim, en or, mais qui est en daim aussi, parce que tout est en daim dans le film. Donc, il donne sa bague en daim au mec, il monte, il va dans sa chambre, il pose sa veste en daim sur la chaise, et il prend sa caméra, il commence à filmer, il filme la montagne devant chez lui, etc., etc. Et puis le soir, il reprend sa bagnole, il va au bar du coin. Avant d'aller au bar du coin, il parle à ce qu'on comprend à sa femme, qui dit... Et là, c'est le dialogue profond encore du film français. Je suis parti, tu veux pas savoir où je suis? Il dit, non, j'ai pas besoin de savoir, tu n'es plus, tu n'existes plus. Tu n'es plus. Et à la fin, il dit, je suis plus. Il jette son portable dans la poubelle. Poubelle en daim. Et donc, il rentre dans le bar. Il prend un whisky. Et la femme, apparemment, c'est une femme connue, Adèle, je sais pas quoi, Adèle Hatif, Adèle Kechiche. Et du coup, il y a cette femme qui est la bartender qui lui offre le whisky. Il y a une autre femme, une autre vieille, qui parle entre eux. Ils parlent de choses un peu triviaux, un peu triviales. Et là, il y a Jean Dujardin qui commence à péter un cap, qui dit, mais vous n'avez pas remarqué que j'avais une veste en daim, en fait. Vous n'avez aucun goût, vous ne comprenez rien. Et là, il tombe un peu déni. Il dit, mais c'est qui ce mec? Pourquoi il s'excite d'un coup? Qu'est-ce qu'il a avec sa veste en daim? Il dit, vous ne trouvez pas qu'il a un style de malade? Il dit, non, mais calme-toi, c'est... d'accord, effectivement, ta veste est pas mal, mais on te connaît pas, tu viens d'où, c'est quoi ton métier? Là, il bug un peu, il dit, mais bah, mon métier, c'est... Et là, il fait un petit trou, il dit, c'est cinéaste. Il dit, oui, bah, tu peux bailler, parce que moi aussi, j'ai baillé. Il dit, c'est cinéaste. Et du coup, personne le croit, il dit, oh, cinéaste, d'accord, et donc il s'en va. C'est l'effet secondaire du café. C'est, oui, bah, j'ai jamais eu ça. Un café qui endort, t'as pas une autre chose. Je crois qu'il m'en faut un autre vidéo. Ah oui, vas-y. J'ai jamais vu ça, des cafés qui endort maintenant. Et c'est vrai, c'est tout. T'es Pascal Sevrin. C'est passionnant, en tout cas. Il prend pas sa bagnole, il marche. Justement, il y a l'autre, la vieille qui était dans le bar, qui a sa bagnole, qui lui dit, qui s'arrête à son niveau, qui dit, vous voulez pas que je vous raccompagne, beau gosse en veste en daim? Et là, il dit, il est flatté, vous voyez, on a flatté son ego, elle a remarqué sa veste en daim. Elle lui dit, non, ne vous inquiétez pas, je vais à pied. Elle dit, si vous cherchez une actrice, moi je peux tourner dans le film, j'ai l'habitude des films. Bon, je vous fais pas l'image, des films un peu bizarres, où il y a des gens qui font des choses bizarres. Elle dit, mais ça va pas, moi je suis dans le haut cinéma, moi je suis pas dans ce genre de film, vous m'avez pris pour qui, vous avez vu mon style? Vous croyez vraiment que je suis dans ce style de cinéma? Elle lui dit, bah oui, vous avez totalement le look à titrer, avec votre veste en daim. Je dis, mais espèce de malade, barre-toi d'ici, la vieille moche, voilà, comme ça qu'elle s'en va. Le lendemain matin, le daim, la veste en daim, en vérité, il commence à avoir des choses bizarres. On sent qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe avec cette veste en daim. Il y a une histoire de possession, vous voyez. Pour tout vous dire, si, pour ceux qui ont fait Disco Elysium, qui est assez bizarre, et la réflexion que je me suis faite, durant tout le film, c'est que ce film, c'est en fait un plagiat de Disco Elysium, dans le sens, on contrôle un mec, on ne sait pas son histoire passée, il y a une histoire avec une femme, il parle à des objets, bon, je vous ai un peu spoilé le truc, et il a un style un peu... Il a exactement le même look que Jean Dujardin dans le film, c'est-à-dire une barbe un peu bizarre, un peu ébouriffée des cheveux, et exactement la même chose. Et quand j'ai vu le truc, c'est que... Disco Elysium était sorti 2 mois par rapport à ce film. 2 mois, franchement, ça suffit amplement pour faire le film d'après ce que j'ai vu. Ça ne méritait pas plus, donc je pense que c'est un plagiat de Disco Elysium. Donc, il y a Jean Dujardin qui pose sa veste en daim encore sur la chaise et qui commence à avoir des... Qui commence à la filmer. Et franchement, il la filme de manière très bizarre, très... comme s'il avait une certaine connexion un peu sensuel avec cette veste, parce que la texture, le toucher, vous voyez, la texture du daim, il y a quelque chose qui se passe déjà dans le visuel, mais aussi dans le toucher. Je vous invite là, si vous avez du daim, moi j'ai du daim à côté de moi, vous touchez le daim, c'est comme de la peau de pêche, la peau de chamois quand vous lavez la voiture, vous sentez cette texture un peu étrange, c'est à mi-chemin entre de la peau humaine et de la peau de biche, c'est exactement ça, la peau de daim.
Donc il la touche pas justement, il la filme et il s'imagine en train de la toucher, etc. Il se passe un truc quoi, avec clairement avec cette veste en daim. Le lendemain, il prend le truc, il tombe sur une bibliothèque, en tout cas sur une librairie, il voit le livre pour devenir cinéaste ou l'art du cinéma, je sais pas quoi. Et du coup, il le vole puisqu'il a plus d'argent. Ah non, avant de le voler, justement, il va à la banque, il se rend compte qu'il peut pas retirer. Et il y a un gamin. En fait, non, il va pas retirer. Il va d'abord piquer, je sais pas, de la nourriture dans les poubelles. Il y a un gamin qui le regarde et il parle pas. L'enfant ne répond pas. Il dit pourquoi tu me regardes, pourquoi ça t'intéresse vraiment, etc. Et le gamin répond pas. Donc Jean Dujardin part et là il tombe sur cette librairie. Il y a ce livre, ça me met dans des états pas possibles, ce film. Il y a ce livre du cinéma, il le vole. Oui. Du coup, il part. Il retourne au bar. Comment ça s'appelle ? Il dit à la tenancière du bar, la tenancière du bar lui dit « Écoutez, moi je suis monteuse, c'est ma passion. » Et vous faites quoi comme film, etc. C'est quel style de film ? Et lui dit, vous avez de la chance de travailler, d'avoir votre passion en même temps que ce soit votre travail. Il dit, c'est vrai, c'est vrai. Il dit, j'ai des producteurs en Sibérie, etc. Voilà, c'est un film, je suis tout seul, mais en même temps j'ai une équipe derrière. Ça sent le mec l'entourloupe, mais la gonzesse y croit en tout cas. Et du coup, il retourne chez lui. Et là, il commence à parler à la veste en daim, ou plutôt la veste en daim commence à lui parler, et lui dit, écoutez, moi, Jean, j'ai un rêve, c'est que je sois la seule veste, en fait, qui soit portée, j'ai pas envie qu'il y ait d'autres vestes face à moi, je veux que dans la rue, quand je me promène avec toi, je sois le seul, je veux qu'on soit les seuls, je veux que personne d'autre porte une veste. Du coup, voilà, c'est ça l'intrigue principale du film, c'est... Il va dire à tout le monde qu'il y a une veste dans la rue, de l'enlever parce que voilà, c'est son rêve, c'est que tout le monde admire sa veste en daim et que ce soit le seul à avoir une veste. Donc demain, il a un rendez-vous, il donne rendez-vous à la gonzesse, à la tenancière du bar dans un café, il lui dit écoutez, j'ai besoin d'une monteuse, d'une monture, voilà pour vous dire le niveau. Elle lui dit mais une monteuse plutôt, il dit oui, tout à fait. Une monteuse, etc. Préparez-vous, regardez, j'ai la première cassette. Mais avant, là, elle est tout emballée, elle dit, bien sûr, vous ne voulez pas voir mon travail. Elle dit, non, vous inquiétez pas, j'ai confiance. Mais avant, je veux que vous enlevez votre veste. Et là, elle dit, mais ça va pas, vous êtes un pervers. Qu'est-ce que c'est ? Et après, ça va être quoi ? Vous allez me demander de passer sous la table, c'est n'importe quoi. Elle dit, non, faites-moi plaisir, enlevez cette veste. Il commence comme ça à lever la voix, et la femme s'exécute, enlève la veste. Du coup, c'est comme ça que commence leur collaboration. Elle rentre chez elle, elle commence à monter, c'est quoi les images, c'est quoi le scénario, voilà. Et il lui dit, écoutez, le scénario, j'ai plus d'oignons, j'ai plus d'oseille, j'ai plus d'argent, parce que ma femme, oui, parce que la scène où justement, sa carte est bloquée parce que la femme a bloqué le compte en commun, donc il a plus d'argent, donc il demande à la gonzesse de lui donner de l'argent, elle lui donne de l'argent, 500 euros, il paye le truc, il paye l'hôtel. Enfin non, il paye même pas. T'as oublié la scène où le mec, le premier réceptionniste s'était suicidé. Mais c'est pas maintenant, vieux fou. T'es sûr ? Mais bien sûr. Je l'avais en tête cette scène. Pardon. C'est après. T'es sûr ? Mais bien sûr. C'était juste après en plus. C'était. Du coup, il demande, il lui donne de l'argent. Et pour soi-disant acheter les cassettes, etc. Et il n'a plus de contact avec les producteurs en Sibérie. Ce que je veux dire, c'est qu'au moment où il donne de l'argent, du coup, il peut payer l'hôtel. Oui. Mais à ce moment-là, quand il voit le nouveau réceptionniste, il ne peut toujours pas payer. Parce que son compte est toujours bloqué. Ah, parce qu'il a utilisé l'argent autre part. Du coup, il a récupéré la bague en or sur le cadavre du mec. Mais c'est bien après. Non, oh là là, mais non, c'est au début du film. C'est à 40 minutes du film, ça. Non, c'est l'élément central. C'est dans les 20 minutes. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, tu peux vérifier, c'est pas du tout là. On veut le vérifier en direct si tu veux. Hein. Écoute, tu sais quoi, on va vérifier en direct. Vidéo. Je te dis que c'est à plus de 30 minutes. Oui, bah. On peut faire l'audio transmission, sinon on regarde le film, on dit ce qui se passe. Écoutez. Je suis persuadé qu'il. Il va sur Netflix. Le coup du mec qui est mort. C'est bien après. Société de réalisateurs de films Cannes 2019. Arte, bah super. Regarde.
Voilà, dans sa voiture, les toilettes. D'accord. Pour l'instant, j'ai eu 100% raison. Ouais. Il va chez le vieux moine. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a des incrustations de dents, de vrais dents. Dans... Ah, il y a ça aussi. Mais je lui dis. C'est le premier réceptionniste. Oui, il y a le premier réceptionniste. Et il filme la montagne, j'ai raison. Attends, il va dans le bar, sans faute. Oui, oui, oui. Sans faute. D'accord. Et la femme, elle lui dit, il filme dans son lit, sans faute. Il se réveille, il va manger, le gamin le regarde, il pique le. Je suis sans, sans faute. Attends. Ah, c'est la douche. C'est la douche, j'ai pas parlé de la douche. Il retourne, il dit menteuse, il dit peur des producteurs Tiberi. Ok. Et là, regarde. Il parle à sa veste, il lui dit oui, etc. Et là, regarde, il se réveille, et voilà. Tu vois ? Ah, bah, oui. Allez, c'était à 28 minutes. Ah oui. Tu vois, cette scène, c'était ça... avant. Ah oui, forcément, c'est avant. Ah oui, t'as raison. Mais oui, parce qu'après, il lui file du fric, donc c'est réglé. Ah ouais, bien vu, bien vu. Il nous faut reprendre là. Donc, effectivement, il entend un bruit la nuit, un grand bruit de boum. Il sort et sa voisine aussi, qui avait une voisine qui fume toujours la cigarette à travers la fenêtre, là, qui. Elle est toujours perchée dans le balcon, elle fume sa cigarette, on ne sait pas ce qu'elle fait, elle n'a aucune histoire, ce personnage, à part ça. Et du coup, ils sortent en pleine nuit, ils disent, mais c'est vous qui avez fait ce bruit? Ils disent non, et puis ils retournent se coucher, puis le lendemain, justement, il descend, il découvre que le réceptionniste a changé, et du coup, il dit, écoutez, j'ai un grave problème, je ne peux pas payer, etc. Il lui dit, pas de souci, donnez-nous un objet de valeur. Il dit, moi, j'ai donné déjà à votre employé. Il dit, sauf que l'employé s'est suicidé. Il s'est donné un coup de fusil dans la figure. Il y avait sa cervelle partout. Il dit, ah bon? Et du coup, il dit, si vous voulez aller présenter vos respects, il est au premier étage, allez-y. Du coup, Jean Dujardin monte. Il découvre le cadavre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il découvre qu'il y a un chapeau en daim. Et du coup, il prend le chapeau en daim et il reprend sa bague. Et du coup, il redonne sa bague au chef, il dit ok, ça me va. Et maintenant, il a un chapeau en daim, une veste en daim. Et là, il retourne, je sais plus ce qu'il fait. Là, il filme. Il filme ou il filme pas? Oui, il filme. Écoutez, il y a un truc avec les films. Voilà, c'est maintenant que ça se met en place, tout le truc un peu bizarre, c'est qu'il va croiser des gens, il va leur demander d'enlever leur veste. Et en fait, il va se passer pour un réalisateur de cinéma. Il va demander que chaque mec, que la scène qu'il filme, c'est que ces mecs-là, ils donnent toutes leurs vestes, qu'ils les mettent dans la malle de la voiture et qu'ils disent « je veux plus jamais porter de veste ». Du coup, ils rencontrent pas mal de personnes qui font ça. Ils acceptent de faire ça, de tourner cette scène. Sauf qu'à la fin, bien sûr, ils ne rendent pas leurs vestes, ils s'enfuient avec les vestes. Donc sa voiture, elle est remplie de manteaux. De blouson, on ne sait pas où il les met, parce qu'il les met certainement dans sa chambre d'hôtel. Du coup, il filme ça, il donne à la gonzesse qui monte ça, et en direct, il dit, mais c'est super, c'est génial, j'ai l'impression qu'il y a un message profond par rapport à la veste, qui est la coquille, qui est une espèce d'enveloppe charnelle, une protection face aux menaces extérieures, une espèce de concombre interne, il dit, vous vous trouvez, vous pensez que c'est ça, etc. Et du coup, on sent qu'il y a une relation très bizarre qui s'installe, qui s'instaure entre cette veste, qui est une espèce d'objet de possession, à la fois du personnage, à la fois de possession, de matérialisme entre Jean Dujardin et cette veste, mais en même temps de la gonzesse. Il y a de la fascination pour cette veste, en tout cas, c'est ça qui est sûr. Du coup, il filme, et sauf que cette fois-ci, la veste lui dit, mais ça va pas assez vite, de toute façon, moi je veux que mon rêve se réalise, mais j'ai l'impression qu'avec toi ça va jamais se réaliser, que c'est trop lent, mais effectivement c'est trop lent. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Je le donne dans le mille. Il regarde son ventilateur, il enlève les palmes de ventilo. Il en enlève une. Du coup, il y a une épée maintenant, une espèce de lame. Du coup, il va menacer tout le monde. Il va menacer d'abord deux gamins qui ont des vestes, qui ont des blousons. Il les menace, c'est plus qu'il les menace, en fait. Il les tue, de ce qu'on comprend. Et du coup, l'autre, elle dit, mais c'est génial, faut que ce soit vraiment filmé plus près et que ce soit encore plus, il y a plus d'action. Du coup, ça part comme ça en thriller, pas en thriller, mais en slasher. Un peu débile, où il va tuer pas mal de mecs dans les rues, des femmes, des gens, des vieux, des hommes. Il laisse leur corps, ça je comprends pas, il laisse leur corps dans la rue, il laisse que leur veste, ou plutôt il prend que leur veste. Du coup, on se demande, du coup j'espère que les flics vont enquêter, mais non, il n'y a pas de flics. Et quand ça s'appelle, du coup il retourne racketter un mec,
Et là, il y a le gamin qui était au début là, qui disait, qui parlait pas, comme je vous l'avais dit, qui était là encore pour regarder la scène, il assistait au vol de la veste. Et là, Jean Dujardin pète un câble, il prend une pierre, lui jette dans la figure, le gamin est en sang, il part. Et le mec aussi, il lui dit, mais rendez-moi ma veste. Il a dit, de toute façon, j'ai votre témoignage en vidéo. Vous avez clairement dit, vous voulez plus votre veste, vous pouvez plus revenir en arrière. Il part avec la veste, avec la voiture. Et c'est que ça, quoi. Il part avec des vestes, il retourne avec des vestes, il range des... C'est un truc de friperie, quoi. C'est le mec, il veut ouvrir, je sais pas, une boutique, peut-être. Je sais pas, il fait une collectionniste de vestes. On sait pas ce qu'il... Aussi, on sait ce qu'il veut, il veut que plus personne n'ait de veste. Est-ce que t'as parlé de la scène où j'avais vu Oui, oui, oui. un pantalon en dents? Ah, c'est vrai. Du coup, justement, quand il s'appelle Jean Dujardin, il n'a plus de pognon, il n'a plus d'oseille, il lui dit... Et tu as dit qu'il avait récupéré un chapeau en dents sur le cadavre Oui, j'ai dit. Du coup, il a la veste, il a le chapeau en daim. Il achète des bottes en daim, on l'a pas dit aussi. Il achète des bottes en daim dans un magasin. Du coup, l'argent passe entièrement là-dedans que la femme lui donne. Et là, il lui dit, j'ai plus rien, je suis à sec, etc. Il ne me répond pas. Il lui dit, mais moi aussi, de toute façon, j'ai plus rien. Et là, il s'énerve. Il dit, mais comment tu veux que je fasse du cinéma si j'ai plus de pognon? Il rentre chez lui dans sa chambre. Et le lendemain, elle arrive, elle dit, je veux m'excuser, je veux pas que notre relation se détériore, voici un cadeau. Et là, c'est le pantalon en daim, il a la fourchette, il a la fourchette daim, et du coup, il s'habille, il est tout en Non, daim. il n'a pas encore le slip. Il n'a pas encore le slip en daim, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'il n'a pas la chemise en daim aussi, il n'a pas de chemise en Il daim. y a une scène où il pète et il trouve son slip en daim, du coup, il en a plus. Du coup, il a plus de slip en daim, effectivement. Il est mis à part ça, il est tout en daim, donc il fait que répéter, j'ai un style de malade, j'ai un style de malade. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ben après c'est toujours la même chose, il tue des gens, il récupère leur veste, etc. Et du coup, il leur dit, maintenant j'ai besoin de gants en daim, donc ils achètent des gants en daim, etc. Et franchement, c'est ça, parce qu'après, à la fin, ils vont dans la forêt, ils disent, maintenant tu vas me filmer. Regarde, filme-moi, filme-moi. Et là, il se balade, je sais pas, on sait pas ce qu'il veut faire. Il se balade dans la forêt, il dit filme-moi, filme-moi. Et là, il se fait tirer dessus. Il se fait tirer dessus dans la tête. Par le père du Mais du gosse coup. sur qui il avait envoyé une brique dans la gueule. Et voilà. Du coup, moi, je pensais, d'accord, le film veut nous faire croire, veut nous faire dire, il s'est transformé en daim, en fait. Ce mec, c'est un chasseur, il a confondu pour un daim. Non, c'était le père, effectivement, du gosse qui s'est vengé, qui l'a tué, une balle dans la tête. Et ça finit comme ça, avec la gonzesse qui récupère la caméra, qui récupère la veste, et elle reprend la veste en daim. Et c'est la fin du film. Et il y a une scène post-générique où on voit la télé, on voit une télé qui est allumée, et on voit la dernière scène avec Jean Dujardin, qui est dans la forêt, qui voit des daims, il voit une troupe de daims, et il leur fait signe de la main de venir. C'était le daim. C'est dingue. C'est dingue, et j'ai l'impression que le daim, c'est nous. On est les dindons, les dindins de la farce. Voilà. Ouais. Bah écoutez, c'était le résumé de vidéo sur le daim. Mais un film que j'ai trouvé extrêmement chiant. En fait, les 25 premières minutes, t'as l'impression qu'il s'est passé 45 minutes. Mais arrivé à la fin du film, encore une fois, ça finit 10 fois trop vite. Et oui, c'est un film sur le matérialisme. Le narcissisme, se filmer, machin, enfin des conneries, on s'en fout. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de discours en vérité. Je pense que c'est juste absurde. Franchement, il y a des scènes drôles. J'aime bien Adèle Haenel. En fait, elle ressemble de plus en plus à Billie Eilish. Mais je préfère Billie Eilish quand même. Et voilà, que dire. Une réalisation catastrophique, comme d'habitude, avec Dupieux. Hein, c'est YouTube. Mais au moins, on l'a vu sur Netflix. Donc, voilà, j'ai pas mis 13 euros là-dedans. De toute façon, l'abonnement, je le paye pas. C'est Stas qui me prête Netflix. Donc c'est un film que j'ai vu gratuitement, on peut le dire, et rien que ça me fait plaisir. Voilà. Bah d'accord. Non, puis les acteurs jouent bien, c'est... En ils fait, jouent pas si bien, tu ils veux... parlent pas, ils ont pas de ligne de dialogue, y a rien. Le dernier tiers du film, ça m'a fait penser à un mauvais remake d'American Psycho. C'est ce que j'ai... Franchement, j'ai On dirait un peu l'American Psycho français. Ah, parce qu'avec son petit par-dessus d'un, là. Ouais, mais par sans... d'un. Ouais, il a... Ouais. Mais sans la scène avec la carte, sans rien, en fait. C'est American Psycho sans rien, en fait.
C'est que des pastiches de trucs qu'on a déjà vus, mais sans le génie, sans rien, quoi. Un truc à l'arrache, que des parodies de trucs. Oui, mais c'est comme quand t'es sur YouTube, tu te dis, tiens, moi aussi, je veux faire un film. Oui, bah, j'ai pas de budget, j'ai 0 euros, et tu fais le din. C'est ça. Je sais pas, mais... Voilà, voilà. Okay. Est-ce qu'il y a des gens qui ont aimé le din, les gars? Alors, entre les deux, entre Incroyable mais vrai et le din, t'as préféré lequel? Aucun. Okay. Bah, moi, j'ai préféré le din parce qu'il était gratuit. Oui, bah, effectivement. Voilà. Et j'aime bien Adèle Haenel. C'était Lozère Psycho, le film. Oui, oui. Lozère Psycho. Vous voulez des critiques hallucinées, hein? Par contre, j'ai plus beaucoup de batterie. D'abord, vous, qu'en avez-vous pensé? Parce que beaucoup de gens ont vu, je pense. Vraiment ennuyeux. Oui, c'est vrai que Hideo a fait une VF pour les malvoyants. On peut le remercier. C'est aussi à ça que servent ces résumés. C'est vrai, on vous l'a pas dit, mais c'est, on pense à tout le monde. L'American Psycho sans le psycho et sans l'américain. Voilà. Mais avec un din. Mais avec le din. Vous n'avez vu aucun des deux. Vous avez rien vu. En fait, vous n'avez rien vu. Bon, alors on va regarder les critiques hallucinées du din. Le din. Halluciné. Il faut quand même que je mette sa filmo, voir s'il manque un film. Je pense qu'on les a tous vus. Je crois que j'ai quasiment tout vu du jeu. Alors, presse. Oula, il est très bien noté, encore une fois. 3,8 sur 5. Non, en moyenne. Mais faut arrêter. Bah, c'est toujours les mêmes. Hein. Elle, qui a mis la note maximale. C'est encore Françoise. On retrouve la même Françoise qui dit... Cette folie extrême est le fil conducteur d'un film parfaitement maîtrisé dans lequel les délits sanguinaires s'enchaînent à la vitesse d'un Tarantino frénétique. Tarantino frénétique. Ah, c'est... Non, mais c'est... Attends. Il n'y a rien de frénétique dans ce film. C'est, une pote... c'est lent, mais c'est lent. C'est une pote de Quentin Dupieux, c'est pas possible. Mais j'ai jamais eu la lenteur. C'est... Ensuite. C'est l'éloge de la lenteur, ces films. Alors, Libération, mine de rien, à sa façon border... à sa façon borderline et très peu sentimentale, Quentin Dupieux parvient à filmer rien de moins qu'une rencontre. Ce film à la fois inquiétant et hilarant en devient alors, oui, émouvant. Émouvant ? Ouais. C'est que des notes maximales que je te lis. GQ, avec cette dernière comédie absurde portée par Jean Dujardin, Quentin Dupieux réalise son film le plus remarquable. 20 minutes, 4 sur 5. Il n'y a vraiment que Quentin Dupieux pour arriver à entraîner Jean Dujardin dans une comédie délirante sur l'histoire d'amour entre un homme et son blouson. Biba, 4 sur 5, je ne connais pas ces gens. CNews, comédie loufoque et complètement barré. Cahier du cinéma. Jean-Sébastien Chauvin qui dit « On est bien chez Dupieux, mais quelque chose de légèrement poisseux et dépressif fait de ce din un film un peu à part dans sa filmographie. » D'accord, très bien. L'écran fantastique, cruel, net et précis. L'exprès, jusqu'à présent, les films de Dupieux laissaient sur leur fin. Le din, lui, mieux construit, mieux raconté. Quoi ? Attends, mieux construit, mieux raconté, mieux étrange, mieux drôle. Court sans heurts, sans donner nonce d'explication rationnelle. Principe du non-sens. Merci. Merci Eric. Pour cette critique, merci de nous avoir éclairé. J'étais pas sûr. Le Figaro, Dupieux met les pieds dans une portion de la France qu'on aperçoit rarement, explore des zones que ses concurrents délaissent, convoque la poésie dans le quotidien. Il a inventé quelque chose. Mais c'est une blague. Ah, j'ai pas dit qu'il enterrait les blousons à la fin. Ouais, bon, on s'en fout. Mais non, parce que le truc, justement, en fait, ce film m'a fait penser à un autre film, je sais plus si c'était français ou belge, mais je vous avais cité deux, trois fois que j'aime beaucoup. Non, merde, avec Laurent Lucas. Calvaire. Parce que Calvaire, tu vois, ça se passe en zone rurale française avec des gens du coin. Et c'est ça qui est marrant. C'est que tu tombes sur des vrais campagnards. Tu sais, c'est vraiment ambiance de village super inquiétant, endroit complètement paumé. Alors que là, on se retrouve dans un endroit paumé, sauf que tout le monde s'exprime très bien. Mais... Adèle Haenel, son français est parfait. Du coup, je me suis fait la réflexion, d'ailleurs, pendant le film, je me suis dit, c'est dommage parce que il fallait mettre des vrais autochtones. Parce que là, en fait, ils parlent trop bien. Les personnages ont l'air trop normaux. Ils parlent trop bien. Ils présentent trop bien. Il n'y a pas de côté crasseux, justement. Mais ils nous racontent n'importe quoi, ces critiques. C'est sur ce point-là que tu te dis ça, quoi. Les inrecuptibles. Ce din ne serait-il pas autre chose qu'un autoportrait en cervidé? Une façon pour Dupieux de tout lâcher, de revenir à l'état sauvage. Oh là, à son désir primitif de cinéaste. Juste filmer et voir si ce serait un film. En l'occurrence, c'est un grand oui. Quoi? Ouais. C'est encore Jackie Goldberg qui nous a écrit ces conneries là. Man Movies, putain Man Movies. Ouais. Le din procède moins par addition de péripéties insensées que par soustraction. L'auteur n'introduit des sujets que pour les aborder aussitôt, au profit d'un hasard tout puissant qui redonne son sens fort à la formule galvaudée comique de l'absurde. Et c'est marrant en fait, j'en parlais avec Flavien.
Le truc, c'est que ces gars-là, ils consomment beaucoup moins YouTube que nous. Du coup, de temps en temps, surtout lors d'un festival, tu sais, où ouais. t'as quand même tout le temps un tas de merde qui passe. Quand tu vas en festival, t'as 80% de merde. Ben, en fait, quand tu vois une vidéo YouTube au sein de films ultra bobos, ultra chiants, interminables, ben, le dingue, ça peut faire plaisir éventuellement. Parce que ça se prend pas au sérieux, c'est absurde. Mais c'est du YouTube, c'est pas du cinéma. Bah, je trouve que c'est du YouTube, mais bobo, justement. Mais les mecs, après, ils se paluchent, les gars, mais c'est incroyable. Attendez, j'en ai une dernière pour la route. Les mecs disent clairement que ça n'a pas de sens, que c'est un délire total, mais c'est du génie, quoi. Donc, moi, je comprends pas. Hein. Écran large. On retrouve dans le din l'humour étrange et presque menaçant de Quentin Dupieux, ainsi qu'une large collection des dingueries les plus marquantes de ses précédents opus. Malheureusement, la précipitation se fait sentir et condamne cette parure à jouer les best-of bordéliques plus que les œuvres sommes. Ouais, bon, eux, ils sont un peu plus... J'ai l'impression que, oui... Quand je lis ça, pour moi, tout le monde peut faire du cinéma. Attends, il y a une critique qui me fait marrer. Parce qu'ils ont mis 2 sur 5 France Info Culture. D'accord. En 1 heure et 17 minutes, le din ne donne jamais à l'occasion à Jean Dujardin de donner toute la mesure de son talent d'interprète. Les mecs du théâtre. C'est un grand acteur. C'est un des plus grands du cinéma français. C'est un génie. Il n'a pas eu l'occasion en 1h17 d'exprimer tout son génie. Je pense pas cracher complètement sur Dupieux, c'est simplement que je replace Dupieux là où il doit être, c'est sur YouTube. Le jour où Dupieux se met à avoir une chaîne YouTube, je me dirais c'est peut-être une des chaînes YouTube les plus marrantes qu'on a en France, certainement. C'est juste que dites-vous que, en fait, moi je me dis la force de son cinéma, parce que je vois enfin les codes, la narration, le script globalement. Enfin, si vous regardez la dernière vidéo, le dernier court-métrage de Flavien, la suggestion. Bon, à part la catastrophe auditive, parce qu'on n'a pas d'ingé son, mais il faut le dire. Il faut le dire. Mais vous avez. Je me dis pas. Mais les mecs, je vous ai dit un truc avec ce court-métrage. Attendez. Dupieux n'arrive pas à filmer, que c'est. Je vous dis juste un truc. Je fais une critique objective, une critique, si je peux me permettre. Je vous ai dit redoubler le truc parce qu'on n'entend rien. Le son était catastrophique, les mecs. Quand je vois du. C'est même pas digne de YouTube. Ça, éventuellement. Ça passait il y a 10 ans sur Dailymotion. Et maintenant, les gens, ils voient ça, ils se disent, attends, ces connards ne savent même pas prendre le son. Bon, d'accord, on l'admet. Maintenant, du reste, la réa est supérieure à Dupieux. Les cadres sont vraiment sympas. Et en fait, c'est aussi absurde, c'est aussi con. Et j'ai envie de dire, franchement, Olivier joue aussi bien que Chabat. Bref, même toi, tu démarres bien. Bref, ce que je veux dire, c'est que nous, on a l'habitude de ce genre de truc. Donc peut-être, oui, pour un public bobo... tu sais qui pète plus que son cul, peut-être que ça change un peu. Mais si vous voulez, la force entre guillemets de son cinéma, ce qui va différencier un Dupieux d'un court-métrage Padawan HD, c'est 2 ou 3 choses. C'est déjà, ils peuvent se payer des vrais acteurs. Des décors. Ils peuvent se payer des beaux décors. Il y a des trucs sympas. Des beaux décors, le petit chalet. J'aimerais bien avoir un petit chalet pour tourner. N'importe comment. Ah bah il est filmé n'importe comment. Mais je te parle des décors là, ouais, objectivement. Les décors sont cool, les acteurs sont bons. On sent qu'ils peuvent picoler le soir, il y a du budget, tu vois, ils ont une régie, ils peuvent aller à 500 km, tout le monde peut dormir et être logé, chauffé, tout va bien. Oui, bien sûr. Voilà, et ils ont une équipe technique et un ingé son, et ils ont un perchman. Voilà, si on avait tout ça, je peux vous dire que Dupieux, on l'écrase. Mais vraiment. Largement. Mais on l'écrase, on l'atomise. En largement. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, peut-être que la semaine prochaine, on va l'atomiser. Nonobstant, sur YouTube, ça pourrait être sympa d'avoir ce genre de produit. Voilà. Voilà, c'est vraiment ce que je pense, les mecs. Excusez-moi. Ce n'est pas James Cameron, hein, c'est pas Quentin Tarantino. Non, mais arrêtez de nous faire croire n'importe quoi, les mecs. D'accord ? Ce n'est pas du cinéma, c'est YouTube. Merci beaucoup. Merci. Je suis d'accord. Bien. Mais je vous lis quand même. Alors, Mickaël, tu nous dis. Oui, je vous lis quand même, je vous considère quand même, peuple français. Alors, hello tout le monde, dégoûté de ne plus pouvoir écouter certaines vidéos sur la chaîne, je voulais écouter vers la fin de la propriété avec DJ et Joachim, mais je découvre qu'il faut payer pour écouter. Alors, Member, celle-là, je ne sais plus. Mais oui, en tout cas, il y a l'onglet Member où il y a beaucoup, beaucoup de vidéos en plus. Mais les mecs, il y a quand même beaucoup de vidéos en public, là. Oh. Là, récemment, vous avez eu 1h30 de vidéo avec Nicolas Augusto. Ah, oui. Et une deuxième partie devrait arriver bientôt. Ah. Peut-être. Et il y a 3 vidéos surprises qui arrivent bientôt aussi. Ah. Et plus d'autres surprises. Il y a plein de surprises. On peut pas dire que cette année la chaîne a été pas productive. Hein. Mmh. Il y a eu que des vidéos de dingue. Hein. Bah ouais, regardez, on a pas de perchman, on n'est pas subventionné par le CNC. Bah oui. Et on vous gâte. Bon, d'accord, le son déconne parfois.
Mais en bouillotte. Vous avez même du scope. Moi, je trouve que cette année, c'est une année exceptionnelle pour Padawan. Mais je dis pas qu'on est parole d'évangile. Je dis qu'en fait, Flavien et moi, on a trouvé un terrain d'entente sur un truc avec Dupieux. C'est que je pense que son analyse est bonne nature. En tout cas, je le rejoins. C'est parce que beaucoup de ses critiques regardent pas beaucoup YouTube. Je pense qu'en fait, il regarde beaucoup de films en festival. Et du coup, de temps en temps, de voir un truc qui nous fait penser énormément à un format YouTube, eux, ça les rafraîchit. Parce que c'est une connerie, quoi. C'est une connerie qui passe au milieu de trucs parfois qui sont hyper sérieux, hyper relous, qui durent 2 heures, 3 heures, tu sais, de dialogue, champ contre champ de merde. Bah là, quand un truc est un peu absurde, oui, ça change. Est-ce que c'est du grand cinéma? Non. Est-ce que c'est du cinéma d'ailleurs? Non. Pour moi, non, en tout cas. Je suis désolé, le cinéma pour moi, c'est un peu plus d'ambition que juste faire des blagues absurdes avec un niveau de réalisation. Mais d'un amateurisme hallucinant. Mais le prix, c'est hallucinant. Il a pris son caméscope et c'est tout, quoi. Mais citez-moi un enchaînement de plans dans un film de Dupieux qui vous a impressionné. Aucun. Ou qui vraiment fait le taf, vous dites putain, c'est quand même bien découpé, quoi. Non, aucun. C'est vraiment le... Ah oui, par contre, il y a une blague sur Pulp Fiction dans le film qui m'a fait marrer. C'est Adèle Haenel qui dit qu'elle a remonté Pulp Fiction à l'endroit et que du coup le film est devenu super chiant. Non, super bien. Non, elle a dit que c'est super chiant. Non. Elle si. Quand elle a remonté, c'était mieux. Non, elle dit que le concept du film c'était que ça soit monté à l'envers. Elle a dit quand c'est remonté à l'endroit, c'est mieux. T'es sûr? Oui, pas loin de vérifier si tu veux. Idiot, tu parles à la mémoire là. Non, je parle pas à la mémoire. On vérifiera tout à l'heure. On vérifiera maintenant. Alors Zlam, tu me dis, en disant que c'est du YouTube, est-ce que tu considères bien que Netflix est supérieur à YouTube? Non. Production Netflix. Oui, bah oui. De moyens. Better Call Saul, oui. Une production Netflix, non? Non, mais écoutez, en toute objectivité, évidemment que Netflix, globalement, enfin, je sais pas si on peut dire globalement, parce qu'il y a quand même beaucoup de projets que je trouve assez pourris, mais bon, il y a quand même un savoir-faire. Il y a du budget. En fait, YouTube, pour moi, c'est l'absence totale, la plupart du temps, d'ambition dans la réalisation. Parce qu'on n'a pas de pognon, la plupart du temps. Et même quand des gens mettent 100 000 euros dans une vidéo, on a vu ce que ça donnait dans le passé. Sans nommer personne. Oui, oui, effectivement. Mais si, non, mais après. Non, après, ça dépend. Tu vois, Nexus, machin, Nexus 6, là, je sais plus. J'ai oublié le nom de la chaîne. Ils font des trucs critiques sur le cinéma, ouais. Chroniques sur le cinéma. Mais ils ont fait des trucs super beaux. Leur intro en image de synthèse est super belle, tu vois. Il y a une plus-value. Mais non, mais regardez, là j'ai vu la dernière série de Mike Myers, Panta Verate, c'est super sympa. Ça, c'est le genre de produit qui pourrait pas sortir sur YouTube parce que ça demande quand même un certain budget. Évidemment. Par contre, en fait, ce que je vous dis, c'est que Dupieux, si tu enlèves le cachet des acteurs et que tu enlèves éventuellement le loyer de certains endroits, qui sont même pas, bon, dans ces films, c'est même pas des trucs de fou, hein, c'est des maisons, des chalets, bon. Bon, c'est pas non plus, enfin, on n'est pas dans un environnement cyberpunk, tu vois, c'est. Ah oui. On n'a pas une ville à la Blade Runner chez Dupieux. Ah bah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si t'enlèves ça, le film, il coûte zéro. Et en termes de réa, les mecs, il n'y a rien. Ça coûte 0€ à faire. Bien sûr. Je me demande où passe l'argent, à part dans les poches des acteurs de Dupieux, et éventuellement pour avoir loué certains endroits, c'est tout. Et avoir payé l'équipe technique, parce que vous savez que en France, en fait, on prend une équipe technique, mais de je sais pas combien de personnes, pour faire des trucs extrêmement simples. Et quand vous regardez, en fait, moi ce qui me déprime quand je vois des films comme Quentin Dupieux ou Abdelatif Kechiche, c'est des mecs, l'équipe technique, je pense qu'il y a au moins 30, 40, 50 personnes. Enfin, peut-être qu'il y en a un peu moins. En tout cas, il y a trop de personnes par rapport au résultat minimaliste total qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire que vraiment, enfin, regardez ce qu'on fait sur Padawan quand on fait des courts-métrages, on fait au moins aussi bien. Parce que c'est facile à faire. Parce que nous, en fait, on ne peut pas se permettre de faire beaucoup mieux que ça. On n'a pas un matos de fou, on peut pas faire des travelling circulaires avec des rails, etc. On n'a pas tout ça. On n'a pas le matos, on n'a même pas les endroits. Là, on a eu de la chance, les deux courts-métrages qu'on vous a tournés, là, les amis et suggestions, on avait un appartement loué par Olivier. Donc on s'est dit, tiens, on va tourner là-bas, parce que ça change. Quel meilleur huis clos en film français il y a eu cette année par rapport à ces deux films? Aucun. Okay. Non mais, simplement ce que je vous dis, sa clarinette du pieu ne coûte pas d'argent. Ça coûte pas d'argent à faire.
Vous voyez, je peux reconnaître un truc, les Marvel et compagnie, ça coûte un max de pognon, vous le voyez bien, avec le matte painting, les effets spéciaux, tu vois le budget à l'écran, ouais. Top Gun, tu vois le budget à l'écran, ouais. Quand tu vois du pieux, moi quand je vois ces tu films, vois l'arnaque. Mais les films tu pour moi, moi je dis, écoutez, si je devais établir le budget, le film, je pense qu'à tout casser, en tout et pour tout, il y en a pour maximum 500 euros, mais vraiment, hein, du début à la fin, pour 500 balles, on fait la même chose, après, je pense que Shabba, bah, il touche peut-être 100 000 euros, 200 000, 500 000, 1 million, non. Bon, il est bien payé. Oui, il est bien payé, ouais. Certainement. Bon, il doit toucher plusieurs centaines de milliers d'euros, voire un million. Adèle Haenel, je pense pas très loin non plus. Quentin Dupieux, impossible. Puis voilà, les chalets et tout, l'hôtel, ça doit coûter quelques dizaines de milliers d'euros. Mais vous voyez, en fait, très vite, on va arriver à plusieurs millions d'euros. Bah, allez, peut-être que ça coûte beaucoup moins. Là, je vais regarder le budget pour moi, du Dain. Pour moi, c'est 300 000 un film. Combien ça coûte, le Dain? 300 000. Pour moi, ça devrait coûter, honnêtement, 400 000. Si les acteurs faisaient un effort, non, pour 50 000 euros, mais grand maximum, tu ah fais bah le film. Oui, mais grand maximum, mais si les acteurs font un effort, quand même. Budget, le Dain budget. Est-ce qu'on a le budget? 4 millions d'euros. 4 millions Tu vois? Non, mais moi, c'est ce que j'ai estimé initialement, parce que je me dis, le budget de Shabba, le budget d'Adèle Haenel, leur cachet, plus après la location des décors, nourrir l'équipe technique et le CR de Dupieux, en fait tout ça très vite, bah, ça chiffre. Hein. Mais pour un résultat nul en termes de réa, nul. Alors, les mecs. On les voit pas du tout les 4 millions. En toute objectivité. On les voit plus dans Fort Boyard les 4 millions. Non, mais écoutez, je n'ai cité personne. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors Takuma, tu dis le Dain, ce qui est scandaleux, c'est qu'une partie de nos impôts finance ce genre de navet. Mais après, je peux pas dire non plus que c'est un navet. C'est que c'est ça me fait marrer quand même. Il y a des trucs qui me font marrer. C'est pas le truc le plus catastrophique que j'ai vu de ma vie. Par contre, oui, ce qui est terrible, c'est de se dire que il y a des financements dans tous les sens pour ce genre de truc et que ça puisse sortir au cinéma. C'est fou, quoi. En fait, je me dis. Quand t'arrives à avoir des acteurs comme ça, et quand t'arrives à avoir un financement de 4 millions d'euros, c'est tout ce que tu veux proposer, mec. Tu veux pas te dire, tiens, je veux un peu plus d'ambition pour le futur. Je sais pas, tu le fais une fois, deux fois, tu te mets bien pour la suite des événements. D'accord, tu vois, si tu veux vraiment la jouer safe, parce qu'en général, si ton film se plante, il n'y a pas de deuxième film. Mais là, bon, je pense qu'ils sont rentabilisés. Enfin, je sais pas, c'est un manque d'ambition totale pour moi. Tiens, Flavien, est-ce que tu veux intervenir en vocal un peu? Ah oui. T'as essayé d'inviter Flavien en partie. Connecte-toi, Flavien. Je sens que tu veux répondre à Takuma, là. Rien que la régie, le matos, ça coûte super cher. Non, mais c'est vrai, Thanos, c'est vrai. Je sais bien. Non, mais je suis totalement d'accord. Je sais que tout ça, c'est un prix. Ce que je veux dire, ce que je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible, c'est que toute cette équipe n'a pas lieu d'être quand le résultat est aussi basique. C'est ça que je veux dire. Regardez les plans qu'on a fait sur la nouvelle ère ou là récemment. Alors je parle pas des amis parce que là on s'est vraiment foutu de la gueule du monde pour faire du cachis. Parce que ça pour moi c'est le niveau de foutage de porc le plus extrême qui existe dans notre pays. Mais vous voyez Dupieux, c'est du basique de chez basique. Il y a aucun moment où je ne comprends pas qu'on utilise toute une équipe technique pour filmer ça. Ça n'a pas de sens. C'est tout. Ah, tu peux pas, il peut pas venir en vocal. Ah, pas de soucis, mon pote. Mais après, oui, effectivement, quand tu te dis, bah, je vais avoir toute une équipe technique et tu dois rémunérer tout le monde, les faire dormir à l'hôtel, faire manger tout le monde, oui, ça revient très vite, très cher. On l'a vu avec mais trop cher. Cherbourg, hein. Mais tu vois, ça c'est. Ils ont mangé du couscous, fallait manger du couscous, voilà. J'entendais Kassovitz parler de ça sur un film, je crois que c'était sur le making of de Babylon AD. Babylon AD, Kassovitz. Mais oui, tu sais, Kassovitz. Il a fait ce film. Hein. C'est oui, lui qui a réalisé. Oui, c'est lui qui a réalisé le avec, film. Avec Matt Damon, là. Mais non, avec le gros, mais le. Le mec qui est. Ah, Babouliné, là. Babouliné. Babouliné, là. Oui, mais comme Vin Diesel. C'est lui qui a fait oui, ce film. Hein. C'est lui qui a fait ce film. Bref, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je sais pas. Oui, que je crois que c'est dans ce making-of où Kassovitz il dit. Ça me rend fou en fait parce que t'as des mecs maintenant, ils ont des caméras qui coûtent genre des je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros. Alors qu'en fait, t'as des mecs qui font des courts-métrages en intégralité. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti de Soderbergh comme ça quelques années qui était pas trop mal d'ailleurs. Bon, à part à la fin que j'ai trouvé un peu bidon. Mais je trouvais que le film se tenait vraiment, j'ai oublié le titre.
Unsane. C'est un film qui est entièrement tourné avec l'iPhone 7 ou 8, un truc comme ça. Ouais. Et tu te dis, putain, ça c'est tourné avec iPhone. Et bref, il disait, tu vois, t'as des mecs avec leur téléphone, ils te font des mouvements de caméra, mais en fait, c'est limite aussi bien qu'avoir une Steadicam. Et tu vois, il disait, pourquoi perdre autant d'argent? Lui, il a toujours été dans la démerde. Et ça, tu vois, je respecte. Je comprends pas, par contre, voilà, qu'on finance n'importe comment le cinéma français pour avoir des résultats aussi merdiques. Voilà. Moi, ça me déprime. C'est un peu comme voir la bande-annonce Arthur, vendredi, tout est permis, occuper tous les séries FR sur TF1, alors qu'il y a sûrement des millions de talents réels. Mais bien sûr qu'il y a plein de talents réels anonymes. Bien sûr. Pour ça que là, récemment, je vous ai fait l'interview avec Adeline, et hier, je vous remercie d'ailleurs. Je l'ai pas dit en ouverture, mais merci encore à tous ceux qui sont venus hier. Et d'ailleurs, je suis désolé parce que il y a eu un petit incident juste avant le spectacle. Et du coup, je suis arrivé un tout petit peu après le début. Et après, une fois que les lumières se sont allumées, je suis sorti. Donc, j'ai vu les membres et tout. Et j'espère qu'il n'y a pas des gens qui m'ont loupé parce que j'avais fait l'annonce en public. Mais bref, en tout cas, je remercie tous ceux qui sont venus hier. La salle, finalement, c'était un succès. Il y avait 190 personnes. C'était super. Et voilà, enfin, c'est le genre de personne qui mérite d'être soutenue, bien sûr. Parce que là, c'est vraiment du travail, c'est très dur de faire ce qu'elle fait. Tu vois, un one-man show, quand t'as aucune promo derrière et que tu te fais chier comme ça avec ton texte, tu vois, un truc drôle et tout, tu essaies de donner de l'énergie. Ça, vraiment, je respecte à fond, tu vois. Ce qui m'énerve un peu plus, c'est les branleurs en France qui se planquent avec des financements quand même assez importants et qui font pas rêver le spectateur, voilà. Ça fait pas rêver. Après, je dis pas qu'il y a des trucs marrants, mais pour 13 euros, je veux un peu plus que quelques blagues niveau YouTube. Tu vois, le coup de la bite électronique de Magimel, bon, oui, d'accord, bon, c'est pipi caca, c'est rigolo. C'est grossier, c'est allez, hein, c'est une vidéo de 5 minutes, c'était très bien aussi. C'était très bien, les amis. Faut en foutre l'info, il faut le dire. Bah lancez-vous, de toute façon, le futur c'est ça, tout le monde fera ses propres films, tout le monde est réalisateur maintenant. Babouinet, mais c'est, en fait c'est en référence à Mosinor ça, c'est ça? Oh, oui. Mais je suis pas du tout, mais ça n'a aucun rapport, je suis pas jaloux du tout, mais c'est un sentiment que je ressens pas en fait. Je suis content pour Dupieux en fait, limite, hein. C'est cool pour lui. Bien sûr. C'est juste que moi je vous donne mon retour sincère en tant que spectateur qui paye 13 euros sa place, c'est frustrant. C'est frustrant et je pense même qu'il est capable de mieux. Oui, parce qu'en fait, est-ce que vous avez regardé, je vous l'ai conseillé 10 000 fois, vous avez regardé La Quatrième Dimension? Je vous jure que La Quatrième Dimension, vous prenez n'importe quel épisode, même les épisodes les plus faibles de La Quatrième Dimension des années 50-60 enterrent n'importe quel film de Dupieux en 20 largement. Minutes. Mais bien sûr, parce que tu vois, il y a toujours des concepts, il y a toujours des pitchs, mais ça va au bout du truc. Et c'est vraiment toujours très pertinent. Il y a aussi de l'humour, il y a de tout. Dupieux, ce qui me fait chier, c'est que des fois il a des idées sympas, bon, qu'on a déjà vu. C'est souvent déjà vu. Mais après, tu vois, il te fait monter un truc pendant une heure. C'est interminable parce qu'il fait traîner le truc. Mmh. Et en fait, à la fin où ça pourrait potentiellement décoller, il dit ok, c'est fini les mecs. Voilà. Générique. Je peux pas être le seul à ressentir ça quand même. Le mec, il s'est spécialisé dans le côté frustré de spectateur en ne donnant pas... Bien sûr. Ouais, après, ça a marché. Il voit que... Enfin, je vais te dire un truc. Après, il voit que ça plaît aux critiques bobo parisiennes, machin, tout le côté branchouille, le gratin, showbiz, mes couilles. Et il se dit, pourquoi changer, finalement? En plus, je peux tourner, je peux me payer du jardin, je peux me payer Chabat, je peux me payer Magimel, je peux me payer Adèle Haenel, bah vas-y, je continue. Est-ce qu'il peut se payer Fort Boyard? Ah, mais d'ailleurs, en fait, peut-être que c'est moi qui ai tort, faut peut-être pas être trop ambitieux dans ce pays. Peut-être. Tu vois, peut-être qu'en fait, quand tu fais du Dupieux, c'est la recette pour avoir une vie successful et magnifique. Alors regarde. En fait, faut se foutre de la gueule du monde. Parce que moi, je pense sincèrement qu'au fond de lui, il se fout de la gueule du monde. Il se dit, mais évidemment, je me fous d'eux, quoi. Mais ils en redemandent. Qu'est-ce que je fais? Je continue. Faut continuer. Je vais faire le nain 2. Parce que le nain 2, c'est pareil pour tout, regardez YouTube. Il y a plein de gens qui se foutent de votre gueule et ça, que ça marche super bien et continue. Pareil, regardez toutes ces émissions de merde là, tout à l'heure on zappait, c'était quoi? Les Marseillais, je sais même pas que. Les Lyonnais, les Saint-Pierre. Bon, ben voilà, les producteurs savent très bien ce qu'ils vous vendent, mais ça marche. Donc ça continue, tout est pareil. Merci Orchard, c'était super cool de te voir, c'était vraiment super cool de tous vous voir, les mecs.
Et merci beaucoup à Camien là, qui m'a offert le chocolat belge. Là. Et à Jérémy pour la tournée. Et Ludo, la Jérémy pour la tournée, Ludo pour la casquette Gran Turismo pour mon frère, c'est super sympa. Merci à tout le monde, les gars. Alors. Puis tous ceux, bien sûr, tout le monde. Le premier Nolan, c'était Memento, je crois, qui était sympathique. Bah, qui était aussi sur un concept où le film était monté d'une certaine façon, je vais pas spoiler pour ceux qui ont pas vu le film. Ça tient juste sur ça, parce que alors là, pour le coup, parce qu'autant Pulp Fiction, moi, il y a plein de scènes que j'adore. Tu le remontes comme tu veux, je pense que le film reste quand même cool. Même si un des intérêts du film, c'est le montage. Mais Memento, le problème, c'est qu'une fois que t'as vu le film, après, je trouve qu'il n'y a plus grand-chose. C'est très sympa une fois. Tiens, oui, c'est ça, Triakis. Twilight Zone, années 50, c'est la base de tous les films de SF qu'on nous fait bouffer depuis 70 ans. Mais pas que, après, j'ai envie de te dire. Tu vois, Blade Runner, aussi très inspiré par Metal Hurlant. Et j'ai envie de dire que c'est pas juste une repompe ou une inspiration de Twilight Zone ou de Metal Hurlant d'ailleurs. Il a sa propre ambiance, il confère quelque chose. T'as des décors de dingue, même s'il reprend une certaine esthétique. Mais moi, ce qui me dérange avec Dupieux, c'est que j'ai l'impression de voir de la sous-quatrième dimension étalée sur 1h10. En fait, ça me fait penser un peu à la quatrième saison de Twilight Zone où les épisodes faisaient 50 minutes et en fait, ça marchait moins. La quatrième dimension, c'était parfait sur 20 minutes. C'était vraiment le format idéal. Après, tu dilues trop l'intrigue. Tu rajoutes du filler pour rien. Est-ce que je connais le château de Fougeray ? Non, ça ne me dit rien, Anubis. Tu serais à sa place, tu ferais pareil. Non, je fais ça sur YouTube parce qu'on n'a pas de fric. C'est ce que je vous explique, Sophocle. C'est parce qu'on n'a pas de fric qu'on a fait des trucs comme La Nouvelle Ère parce qu'on voilà, on voulait se marrer. Et vous savez qu'en fait, à l'époque de La Nouvelle Ère, j'avais pas maté Dupieux. C'est après que je me suis rendu compte, je me suis dit, en fait, putain, c'est pas d'avoir au cinéma. Parce qu'en fait, nous, on a fait de la démerde. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour 0€? On a vraiment fait ça avec 0. Et ça a donné ce que ça a donné. Non, si j'avais du pognon, on ferait un truc ambitieux, les mecs, bien sûr. Et là, on est en train de tabler sur quelque chose avec Flavien, dont on vous reparlera, en fin d'année. Un gros troll, mais c'est ce que je pense de Quentin Dupieux, c'est un troll. Par contre, s'il est sincère, enfin, est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il se prend au sérieux dans son côté artistique? Évidemment, il se prend pas au sérieux parce que ses films sont vraiment basés sur un humour absurde la plupart du temps. Donc il a de l'humour. Mais est-ce qu'il prend son art, entre guillemets, au sérieux? Parce que quand tu lis certaines critiques, c'est vraiment... Alors c'est un génie, quoi. J'espère qu'il se prend pas au sérieux. Moi, j'espère en fait que c'est un troll qui se fout de la gueule du monde. Et si c'est ça, limite, en fait, il a bien raison. La soupe est bonne en subvention, pourquoi ne pas continuer? Et après, c'est une tonne de trucs, les mecs. Je vais essayer de pas revenir en politique, mais c'est une tonne de choses. C'est que tu te dis, il y a tellement d'acteurs qui sont arrivés à certains niveaux, à un certain âge, ils auraient pu ouvrir leur putain de gueule pour certaines choses cette dernière année. Et il y en a plein, en fait, qui pensent comme moi sur tout ce qui s'est passé, mais ils la ferment. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, putain, si je l'ouvre, tout le monde va me chier dessus. Et c'est parce que tout le monde a cette logique qu'on en est là. Et c'est très triste. En fait, il n'y a pas de couilles dans ce milieu. Il n'y a pas de couilles, globalement. C'est formidable pour Adeline, 190 personnes. Ouais, non, mais elle était très émue, hein. À la fin, elle a pleuré. Hein. À la fin de la représentation, elle a pleuré. Hein. Très, très émue. C'était vraiment un très beau moment. Je pense que tous ceux qui sont venus, de toute façon, j'ai demandé à tout le monde, il n'y a pas une personne qui n'a pas aimé. Puis je pense que ça inspire, je pense que ça peut inspirer des jeunes qui sont venus et de se dire, putain, moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux peut-être me lancer là-dedans. Par contre, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage. Hein. Et du talent, et beaucoup de talent. Takuma, tu dis, ces artistes se font financer par les impôts, puis font de l'évasion fiscale, et viennent donner des leçons de morale en s'affichant de gauche. Je te jure. Je te jure. C'est comme là, vous voyez ce qui m'a gonflé. Je sais pas si je le dis ou pas, parce qu'après j'aime quand même bien l'artiste globalement, mais... Bon, disons, sans nommer le truc, mais il y a deux sons qui sont sortis là récemment d'un album que j'attends et le mec il a viré gaucho quoi, gauchiste. Et je me dis putain, mais qu'est-ce que ça va foutre là quoi. Moi je préférais l'univers un peu absurde à la limite parce que s'il commence à virer gauchiste, à la limite il se taise. On n'a pas besoin d'un gauchiste de plus dans l'industrie musicale. J'ai l'impression qu'il y a que ça, putain, j'ai l'impression qu'en fait tu peux plus être artiste. En fait, soit t'es de gauche. Soit tu la fermes.
Et éventuellement, quand t'es Lucini, tu peux lancer quelques scuds parce que t'es assez malin, tu vois. Oh, putain, faut que je me remette la vidéo avec Lucini qui va à la plage. Ça me fait marrer. C'est la déglingue. C'est la déglingue. Bah Alexandre, c'est ça qu'on veut faire avec Flavien. Vous avez vu le talent de Flavien, il n'est plus approuvé. Vous avez vu ce qu'il a fait avec sa rétrospective Matrix. Avec suggestion. Mais suggestion, pareil, ils ont tourné ça hyper vite. Et franchement, ça déboîte, hein, je trouve, en termes de forme. Il a fait un super montage, il y a des cadres qui déboîtent. Il a vraiment une patte. C'est... Le seul truc qui déconne, c'est le son, mais la forme, elle est vraiment top. Pour rien, pour 0€, les mecs. Avec une caméra de merde, sans stab, sans rien. Le mec, il stabilise la cam en grande partie sur le tournage avec ses mains. Puis après, je pense qu'il en rajoute un peu numériquement. Enfin, c'est de la démerde, ce que fait Flavien. Moi, je suis très impressionné. Hein. Une interview avec Dupieux. Moi, honnêtement, j'aimerais bien faire une interview avec Dupieux, tu sais, en mode Joe Rogan. Si j'apprenais qu'il se fout de la gueule du monde et qu'il veut bien l'avouer en public. Parce que j'aimerais pas le blesser. Tu vois, j'aimerais pas le blesser, tu vois, en disant, bah, en fait, mec, tu fais du YouTube. Mon but n'est pas de blesser les gens, après, tu vois, c'est... Là, je vous dis ce que je pense. Je lui dirai pas comme ça, texto, mec. Franchement, tes films. Après, on n'est pas au niveau d'arnaque. C'est pas non plus. Si, quand même, pour moi, il y a une forme d'escroquerie. Mais c'est pas non plus Abdelatif Kechiche, vous voyez. Je pardonne un peu plus parce qu'au moins, il y a de l'humour. Ah bah, du coup, Triakis, tu me fais penser, encore une fois, je vous le cite tout le temps, mais à... Merde, putain, j'oublie tout le temps son blaze au peintre, là. Basquiat. Oui, Basquiat, voilà. Mais c'était même pas seulement les peintures, c'était la réaction des vieux lors de l'expo que j'étais allé voir. Ça m'a marqué à vie. Non, après, vraiment, Basquiat, pour moi, c'est encore, tu vois, c'est encore le niveau supérieur. Mais qui dessine... Mais en fait, oui, mais j'ai pensé à ça quand j'ai vu Encore de mes vrais. Putain, en fait, c'est ça... C'est à ça que je pensais. Parce que Basquiat, il y a plein de peintures où il dessine des bites. Tu sais, mais genre les bites d'enfants. Tu sais, les bites d'enfants de 5 ans sur les dessins qu'ils font en maternelle, enfin, en primaire, plutôt au collège. Sinon, c'est inquiétant. Mais tu vois ce que font les gosses. Oui, oui. Basquiat, il y a des peintures où c'était ça, quoi. Après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'est pour montrer son âme d'enfant, je sais pas quelle connerie. Non, mais tu vois, en fait, quand un des deux gags principaux du film, c'était ça, je crois que de manière subliminale, j'ai pensé à Basquiat un peu. Il est malade. À quand les amis de Gilbert's Revenge? C'est prévu, les mecs, c'est prévu, ça va arriver. Non, mais les amis d'eux, c'est prévu, les gars. Après, j'hésite. Est-ce qu'on change de style? Bon, parce que là, on voulait qu'on se foutait de Kechiche. Est-ce qu'on essaie de faire encore le niveau au-dessus? Enfin, genre vraiment singer Kechiche, mais à 100% cette fois. Je peux raconter un secret de tournage. Flavien, tu m'en veux pas? Allez, un secret de tournage des amis. Arrivé à la moitié du tournage, bon, qui a duré quoi, une heure, un truc comme ça. Enfin, en fait, non, mais même moins, parce qu'en fait, le temps de la vidéo, c'est à peu près quasiment le temps de tournage. Parce qu'on a improvisé toutes les prises. Bon, après, évidemment, des fois, on a éclaté d'air tellement c'était con. Et d'ailleurs, il n'y a aucune prise qui était la même. Bref, et à la moitié du tournage, Flavien, il est dehors, et je vais le voir. Parce que c'est lui qui filmait. Et je lui ai dit, fais-moi du Kechiche, mec. Et je suis le voir à la moitié du tournage. Et je le vois avec le regard mort, tu sais. Il était hyper triste. Et je lui dis, Flavien, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mec, mais c'est pas ça que je voulais faire de ma vie. On a détruit son rêve. Pour le dire. Là, je me rappelle de cette scène. Mais je lui dis, t'inquiète, Flavien, on sait que t'as beaucoup plus de talent que ça, tu vois. Mais heureusement, après, ils ont tourné Suggestion.
Parce que je crois que si Flanagan il avait tourné ça, que, s'il avait tourné que ça de la journée, je crois qu'il aurait, il serait entré dans une dépression profonde. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il m'a dit bon bah écoute, c'est toi qui choisis les plans. Et moi, j'avais tellement la flemme de finir cette chasse, je lui ai dit bah ok, faites des champs contre champs machin. Et c'est pour ça que le style de la réa change à la fin. Du coup, ce qui n'a aucun sens, ce qui est complètement merdique et ce qui fait que la fin est un peu froide, je trouve. Bref, du coup, alors est-ce que la prochaine fois on fait 100% Kechiche filmé par Flavien, hein, qui nous fait pas une dépression à la moitié du tournage, ou est-ce qu'on fait plutôt un Dupieux? Parce que ça, tout à l'heure j'en ai. Tout à l'heure j'en parlais à Idéo, tu vois, quand pour regarder le Dain, je lui ai dit mec, la semaine prochaine, on part en campagne, on prend la voiture. Limite, on passe une nuit dans un hôtel, on loue un Airbnb à 30 balles, 50 balles la nuit. On prend une journée ou deux et on fait 1h10 de métrage. On fait un Dupieux like et ça sera les amis d'eux. Mais le truc, c'est qu'Olivier, faudrait qu'il vienne. Qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a pété ou? Non mais sachez que les gens bossent très très dur pour cette chaîne, c'est dur des fois. Non mais en fait, je pense que ce qui est dur, même si on se marre beaucoup, c'est que vous avez certainement quand même remarqué que l'équipe a un certain niveau. Flavien, il a vraiment un certain niveau de réa quand même. Et c'est vrai que c'est frustrant de... Des fois, quand tu fais les amis et que tu fais que ça, c'est un peu frustrant. Tu te dis, on aimerait faire mieux quand même. On aimerait avoir 30 000 euros. Hein, 30 000 euros, oui, bah oui. Pour faire un truc, une vidéo. Hein. J'ai pas entendu quelqu'un tousser là. Non, c'est quand je me trompe d'indice, de mots, ça fait le bruit. Il y a quelqu'un qui tousse, d'accord. Il y a quelqu'un qui tousse. Ah oui, d'accord. Ah oui, le train, avec mon train d'enfer. D'accord. Ah ouais, avec la Tesla d'Olivier, ce serait parfait, ça, tu vois. Et est-ce que Dupieux, il a déjà filmé dans une Tesla? Je crois pas. Ah bah tu vois, on va être précurseur. Il a 4 millions, mais il a pas. Je serais pas étonné que son prochain film s'appelle Tesla. C'est l'histoire d'une voiture qui devient complètement cinglée, qui bute tout le monde. Bah écoute, on a le concept, hein. Il va nous faire un remake de Christine. Ils ont rajouté zéro épreuve. Hein. C'est vraiment n'importe quoi cette édition Fort Voyage. Je voulais vraiment voir s'ils avaient rajouté quelque chose. Rien du tout. La roca ultime. Mais non, Flavien ne fait que des masterclass. Mais c'est, de toute façon, vous voyez bien. Vous voyez l'écart qui entre la vidéo Matrix et les amis. Hein, c'est... Mais c'est rigolo de singer des escrocs du cinéma français. Ou alors sinon on fait moitié Dupieux, moitié Kechiche, ou on fait un mix des deux. On fait l'enfant bâtard entre Dupieux et Kechiche la prochaine fois. Il faudrait qu'on ait Adèle Haenel en fait. Il faudrait qu'on ait des bons acteurs. Enfin, Olivier joue bien. Moi le problème c'est que je joue très mal. En fait, il faudrait que je trouve quelqu'un pour me jouer. Il faudrait que je trouve un acteur. Christine, la Tesla jalouse 2023. Les amis, c'était les trois quarts, c'était Kechiche. Voilà. Avant que ça devienne n'importe quoi à la fin. Si vous passez de les amis à Make To My Love. C'est quoi ça, Make To My Love? C'est un film de Kechiche. Ça s'appelle Make To My Love. Make To My Love. Ou vous regardez l'esquive, voilà l'esquive. Très bon exemple aussi l'esquive, putain. D'ailleurs, elle a disparu Sarah Foresti, on la voit plus. Hein. Qu'est-elle devenue? D'ailleurs, on a une théorie. Oui. Sur les titres des films français, c'est qu'ils s'inspirent tous de Padawan. Parce que tout à l'heure, en passant devant le cinéma, on a vu quoi? Un film qui s'appelle Champagne. Ah oui, en fait on est précurseur sur les titres. C'est-à-dire qu'en 2014... Non seulement on est précurseur sur la manière de filmer, mais sur les... Bah, on a sorti une vidéo en 2014 qui s'appelait Barbecue. Quelques années après, il y a le film Barbecue qui est sorti en France. On a sorti une vidéo Champagne il y a 2-3 ans. Il y a le film Champagne qui est actuellement au cinéma. Donc les amis, c'est bientôt dans le cinéma. Mais là, je vous l'annonce, les amis, ça va arriver, hein, c'est sûr. On va nous le reprendre.
Mais sachez qu'on a déposé l'idée et le titre. Il est à nous. Il est à nous. Bah voilà. Que dire, Hideo, que dire de plus? On s'est bien marré. C'était un retour au Fort Boyard. Bon, écoute, franchement... On fera plus. Je crois que la première fois, on avait fait la première fois, on l'avait fait en 2019. Ouais. Deuxième fois en 2020. Et là, c'est 2022. C'est le grand retour, mais le grand retour... Écoute, moi, cette fois-ci... Dernière fois. On a conclu la trilogie. De toute façon, on a bien compris un truc, c'est que les mecs ne changeront jamais le jeu. C'est un peu comme Quentin Dupieux, hein. Ah ouais. C'est des micro-changements, des micro-variations, mais le ça reste la même chose. Dans le fond, c'est les mêmes ficelles. Je serais pas étonné que dans 5 ans, vous ayez encore le même jeu. Qu'il soit estampillé 2025. Clairement, ils ont pas envie de refaire le jeu. Alors, franchement, je sais pas s'il y avait des changements, je les ai pas vus. Il y en a aucun. J'ai vérifié, il y en a aucun. C'est un scandale. C'est un scandale total, ce jeu. Ouais. Je mange un yaourt. Hein. Vas-y. Non, mais peut-être que les gens se demandent pourquoi. Mais... Non, que Jima Dessou qui a mangé un yaourt, ça vous étonne? Ah, mais ça passionne la foule. Il remercie quand même. Il remercie Passepartout, Passemuraille et tout ça, mais pas les autres. Voilà. Bah, ça c'était. Voilà, voilà. Et vous êtes encore là, les gamins. Je pense que, comme d'habitude, trois quarts du public s'endormait devant cette prestation. Voilà! J'espère que ça vous a plu, les gars. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que on vous a donné envie ou non de voir, de revoir des films. Ah oui, du coup, attends, je vais juste mettre un truc vidéo. C'est quoi? Je vais mater la filmo de Quentin Dupieux. Ah, pour voir si t'as tout vu. Voir s'il nous manque un film. Enfin, s'il me manque un film. Toi, tu m'as dit que t'as pas vu Réalité. Non. Bah, c'est dommage parce que c'est peut-être son meilleur film. Bah écoute, s'il a fait qu'un bon film sur 10, c'est intéressant. Non, je ne dirais pas que c'est un bon film non plus. Ah bah d'accord. Je pense la même chose de Réalité que des autres. Par contre, j'aimais un peu plus la musique déjà. Ah oui, parlons-en de la musique du Dain. C'est quoi? C'est deux violons, trois notes de violon et un petit morceau piano, et puis même pas une note au piano. Il y a un film qui va arriver, ça s'appelle Fumer fait tousser. Mais je t'ai dit, c'est le film avec des super-héros, avec Gilles Lelouch et tout ça. Là. Ah non, j'ai pas vu Mandibule. Ah. C'est un truc avec la mouche, hein. Oui. Bah pareil, la mouche, c'est. Alors sinon, j'avais bien vu Au Poste, Réalité, Rubber. Ouais, bah j'ai tout vu, quoi. Steak tout là, ou steak caché là. Avec les Shivers là, avec Eric et Ramsey. Celui-là j'ai bien aimé celui-là. Attends, mais c'est en 2005 ça, non? Ah oui, il a été steak. C'était pas Seul tout, c'était steak. Et Seul tout, c'est pas lui. Ah non, Seul tout, c'est avec Eric et Ramsey, mais c'est pas Quentin Dupieux. Ouais. Non, steak. Et bah, steak, je trouve que c'est peut-être son meilleur film. Moi. Ah, je l'ai pas vu celui-là, attends. Steak. En termes de réalisation, je trouve que c'est son meilleur film. C'est marrant parce qu'à l'époque, 2,4 sur 5. Non, bah d'accord. Les gens n'ont aucun goût. Il n'avait pas la cote en 2007. Ah oui, bah voilà. Parce que pour moi, c'est son meilleur film en termes de réel. Il n'y a pas photo. Pas photo. Bref, voilà. Voilà, voilà. Il y a quand même quelques personnes qui aiment bien Quentin Dupieux. C'est vrai? Ouais. On peut pas leur enlever. Si ça, ils ne s'appellent pas Isabelle Joubert, Francis. C'est ça. Il y a Jackie aussi. Il y a Jackie aussi, bah d'accord. C'est très bizarre quand même. C'est très bizarre, mais. Eh ben voilà, voilà, voilà. Allez, quand c'est que tu vas refaire Nizorna Falls? Écoutez, quand Quentin Dupieux sortira un bon film. Très bien. Bien. Pas de fausses promesses avec ce texte, c'est con, mais ça le fait bien. Bref, bah écoutez, messieurs, dames, très bonne soirée très à bonne tous. Très bonne soirée, merci pour tout bout, et puis à la prochaine. Voilà, à merci très bientôt. Léger. Merci. Ciao les potes, merci de vous. Merci. Merci. Cheers. Tu te rends compte? C'était dingue.